Allez, en avant, du coup. Messieurs, opération porteur de la vigne. Deux personnes, deux féminines ont été du coup aperçues sur le parking d'un supermarché. Et du coup, lorsqu'elles ont... Il y a eu une confrontation avec la police, le LSPD sur place. Il y a eu des armes et des échanges de feu qui ont été échangés. Hein, du coup, il y a eu un échange de feu, pardon. Les deux personnes ont pris la fuite et se sont retranchées dans la ferme Cheriessa, hein, qu'on connaît depuis quelques années. Puisque, eh bien, il y aurait visiblement là-bas des... une présence, la présence d'une secte, ou en tout cas d'un mouvement sectaire, ou apparenté à, de type misandre. Voilà. Donc avec un rassemblement de personnes qui sont majoritairement des femmes et qui n'aiment ni les hommes ni la police. Ok, donc forcément, on ne sera pas accueillis. Attendez-vous à des échanges de feu et elles sont lourdement armées. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Négatif. Négatif pour le temps. Ah bah, très bien, en avant. Top départ. Let's go, Y dès que prêt. Merci Tripo pour les 43 mois de frais de scolarité, t'es un monstre mon poulet. Tripo-télévision PS et droit au campus. Salut le vieux, comment il va? J'espère que tout va bien. Des bisous poulet. Et on va arrêter tout de suite avec ces levieux, la bande de fils de pute, là. Vous arriveriez pas sur le live de Kameto en disant « Salut le gros, comment ça va ?» Non ? Bon bah alors, faites pas de l'agisme, ok ? Pas de racisme, pas de grossophobie, pas d'agisme, ok ? Et pas de chauvinisme. Non, c'est pas ça. Mais vous avez compris, quoi. Hein ? D'allopécisme. Aïe, aïe. Alright. On peut dire salut le gros ici. Ouais, c'est bon. Salut l'ancien gros. J'ai hâte de faire la blague puisque c'est comme ça que ça marche. Moi, je suis un ancien gros, donc... Anyway, la question étant... salut le vieux, quoi. Putain, la vache. Ça fait mal à entendre, quand même. Hein. Je vais pas vous mentir. Ces 6 dernières années, je les ai vues... Elles sont passées... hein ? Voilà. Salut le blanc. Arrêtez. Arrêtez tout ça. On est beaucoup trop borderline, là. On revient dans les traits, s'il vous plaît. Allez, en avant. Allez, Grumpy, en avant. Ok, let's go. Ok, on fait deux colonnes, s'il vous plaît, deux shields. Une colonne à gauche, une colonne à droite. Ok, nickel. Marcus, je suis derrière toi. Ok. Visuel, anneau humeur, une façade qui semblerait d'être... Enfin, la façade d'une maison avec des baies vitrées. Anneau midi, visuel sur un garage avec porte ouverte. Donc, MEF à ces deux... deux zones, enfin deux endroits qui peuvent être dangereux. On va avancer en deux colonnes parallèles l'une à l'autre jusqu'aux portes de la barrière et ensuite on fera une pause pour voir ce qui se passe au plus loin. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais, c'est bon. Reçu. Très reçu. Ok, dès que prêt, go les boucliers. Colonne de droite, j'y vais. Colonne okay. De gauche, départ. Prends son temps, messieurs. Double porte, face midi fermée. Ok, visuel dessus. Ok, halt. Ok. Là, ce qui va se passer, la colonne de droite, vous allez nous dépasser. Vous allez passer main courante gauche et vous allez avancer jusqu'à l'ouverture du garage. Nous, Marcus, ce qu'on va faire, on va aller... dans l'alignement main courante gauche de l'arbre pour se mettre face aux doubles portes. C'est bon pour toi? C'est bon pour vous, pardon. Allez, go. Oui, c'est bon. Top okay, arrow. Main gauche. Let's go. J'attends qu'il me dépasse. Okay, Marcus, attends qu'il me dépasse. Ouais, augmente un petit peu le régime là. J'aime pas trop les. Vas-y, Alro. Doucement, mais. Bonne allure quoi. Nickel, c'est bien. Vas-y. Ok, Marcus, main courante gauche, poulet. Okay. De l'arbre. Laisse pas sortir. Voilà, nickel. Vas-y, laisse-moi regarder, stop. Ok, le troisième, tu regardes le garage. Ah, vas-y, rentre. Tape dedans, ouais. Je regarde à 9h. T'inquiète, regarde tout droit. 9h, y'a rien. Porte fermée à midi. Ok, bien pris. Porte
porte fermée à 10h. Ok, sors ton arme, va jouer la porte à 10h. Ok, okay, je joue la porte midi. J'ai pas de wedge. Ah, j'en ai pas non plus, putain. On a un problème sur le... Les gars, on a pas de wedge de notre côté. Ok, reçu. Troisième, tu décroches, tu vas avec eux. Et nous, on va s'occuper de la double porte avec Marcus. Ok, nickel, Marcus. Est-ce que tu peux te mettre face approche directement de la porte, il te proposera le... bloquer si ça ouvre, comme ça je peux wedge. C'est bon. Et la mienne aussi, là, s'il te plaît, à 2h. Ok, c'est wedge. C'est wedge ? Rafi. Ok, je marque la gauche. Ok, stop, t'es pas obligé de le faire, c'est bon, tu peux te mettre là le shield. Bon, c'est pas grave, si c'est fait, c'est fait. C'est récupérable, de toute façon, c'est pas un problème, c'est plus des consommateurs. Marcus, on va décrocher, on va rejoindre l'autre équipe. Ouais, ça va. Et sur un 3-2, tu veux checker un petit peu ce qui se passe sous la porte principale, là ? Double porte ? Ouais. Ok, reçu, je fais ça. Alors, de notre côté, on va y aller sec, ok ? Genre, mais gentiment, d'accord ? On va se préparer. Okay. Alors, pour nous, double porte. Éco-bruit à gauche. Face midi, à 7 mètres, j'ai un pack une PAX armée. D'un fusil d'assaut direct à nos midi. J'ai une PAX armée aussi à nos 10 heures qui se déplace de la droite vers la gauche. Du coup, j'ai pas visuel dessus là, j'ai plus visuel dessus et j'ai un éco-son. Viroc, viens sur mon épaule droite, s'il te plaît. Sur nos 3 heures en fait, d'un PAX qui pourrait se déplacer aussi. Donc, sur notre situation, on est à peut-être potentiel 3 suspects sur nous. Ok, bien pris. Bah dans ce cas-là, re-wedge et on retape par ici. Ou alors vous restez là et tu gardes les infos à la limite. Ok. T'essaies de nous avoir les informations pendant qu'on va être en train d'essayer d'y aller ici tranquillement. Ok. Ok, pas de soucis. Tu nous dis comment ça bouge dans la pièce principale, qui connecte de toute façon avec la cuisine comme on l'a vu sur le plan. Reçu, pas de soucis. Bah, du coup, Marcus, tu peux décrocher, aller avec les autres sur le garage et je reste tout seul sur cette porte. Ouais, ça me semble pas. Mais meuf, quoi. Merci. Je rejoins. Ok. Tu peux à la limite. Qu'est-ce qu'il y a de shotgun là ? Ah oui, merde, c'est vrai que t'as un shield de poulet. J'ai un shield, ouais. Ouais, mais sors ton arme, c'est pas grave, on n'aura pas besoin de deux shields, poulet. Ok, si t'as un shotgun, mets-toi dans le renfoncement à droite de Alro. Alro, d'ailleurs. What ? Ah oui, d'accord, ok, t'as le VKS. Vieux Roquefort, du coup, shotgun à gauche, de l'autre côté de la porte, au niveau de l'amphore là. Voilà, fais gaffe parce que si ça commence à tirer, tu seras dans un tout petit renfoncement. Alro, te recule pas trop et si tu dois désengager, tu te désengages vers moi, pas vers Vieux Roquefort en te reculant, ok ? Donc à ta gauche, quoi. À tes, à tes 8h. Ouais. Ok, j'ouvre. Andrei, tu nous donnes les infos. Je vais check la porte déjà. Y'a rien. Je vais piquer la porte et je vais checker s'il y a un piège. Pas de piège. Quand tu veux, Alro. Je peux commencer à pousser tranquillement. Ou alors tu peux prendre l'info. Attends déjà si ça... Eh, t'es prêt à... Vu que t'es sur mon épaule, Marcus, tu te mets sur mon épaule droite et prêt à, donc sans pour autant la dégoupiller, à balancer une smoke rebond, tu vois, pour éviter que ça push Alro si ça commence à gueuler. Sans... Tu peux garder ton arme, mais je veux dire, faut faire gaffe, quoi. Alro, tu peux pusher un peu si tu veux. Réveille un face midi. Doucement. Ouais. Je prends l'info à gauche. Ça vient, fais gaffe. Ça gueule, écosson à gauche. À gauche. J'ai hâté une heure, moi. Je peux balancer une fumée à gauche. Ouais, tu peux la balancer, mais faut la balancer propre par-dessus la porte. Donc prends ton temps. Ouais. Tu veux que je m'accroupisse ou pas ? Non, c'est bon. Ok. Elle est bonne ? Ouais. Elle m'a l'air propre, ouais. Pas sûr que ce soit là, hein. Ça peut être de l'autre dans le couloir derrière. C'est bon, on a l'info. Je vais pusher la porte, Alro. Vas-y. Ok, 3, 2, 1, et je vais reculer. Hein. 3, 2, 1, je push. Tranquille. Montre pas ton arme, ça sert à rien. C'était pour éclairer, ouais. Je vois rien. Ouais, ça marche, je sais bien. Réveillé à 11h. Ok, ça donne quoi chez toi, Grumpy ? Du coup, c'est ce que j'allais dire. Depuis ma position, j'ai écosson de votre smoke, donc ça veut dire que vous êtes dans le prolongement à ma gauche. J'ai pas visuel sur vous. Mais j'ai, du coup, comme je disais, j'ai un PAX qui se déplace de la droite vers la gauche. Du coup, potentiellement, qui peut être relié sur votre pièce. Donc, MEF, potentiellement un PAX qui peut arriver sur votre droite. Ok, je vais commencer à... Armé d'une arme de poing. Ok, voilà. Je vais commencer à balancer les sommations et on va voir ce que ça donne. Ah, à droite. À une heure. Ouais. La PAX, elle va arriver sur votre droite. Ok, bien pris.
Ouais, elle vient, elle est là, elle arrive. Elle est prise, tranquille. Non, décale pas gros, t'avais pas besoin de bouger mon poulet. Regarde, mets-toi sur ma cam. Ouais, j'ai... C'est ok, je peux peut-être la voir. Elle se rend. Je vais la faire venir. On est bon. On prend le temps. Nice. Ok, une fois qu'elle arrive, Alro, tu recules. Je l'ai toujours en joue. Ok. Non, tu recules, je fermerai la porte derrière toi. Elle avait une arme ou pas? Oui, une arme de poing. Ouais. Recule, vous les gardez en joue, please? Ouais, je ferme la porte. Ok, faites-la venir vers nous, pas dans l'axe de la porte encore. Merci French Flair pour les 46 mois, t'es un monstre mon frérot. Ok, je la prends. Et on refait la même chose. Putain, je vais la mettre dehors. Elle avait effectivement une arme. Hein. Si quelqu'un peut la choper, l'arme. C'est bon, elle est okay, bien pris. Meuf, j'ai le pax, la pax qui était face à Mimi. Bien pris, la porte est fermée chez sur nous. Vous. Ok. 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 Ok, elle recule. Je vais repiquer la porte et refaire la même chose. Ouais. Négatif. Je vais taper la porte avec le pied, ok? Vas-y. Du jeu, j'aimerais... Là, on peut les prélever de façon plutôt sympa pour le moment. Donc attention, ça va faire du bruit dans 3, 2, 1, top. Ok, encore... Écoutant à une heure, ouais. Ouais, bien pris. J'ai pas visuel dessus, hein, donc je sais pas si c'est une Pax armée ou si... Tu peux gueuler aussi, Alro. Hein. Ouais. Slowly get down on the ground. LSPD, get on the ground now. T'as une vraie voix de Marseillais en plus là. Hands up. Raise your hands above your head. Hands. Hands in the air. Ok, tu peux te mettre au milieu de la porte comme ça, tu peux donner un angle sur. Voilà, c'est parfait. Au milieu. Ouais, nickel. À gauche, je vois rien. Tu vois rien, hein? Rien. Non, je vois rien, moi. Là. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Essayer de commencer à faire. Gauche, ouais. Du coup, je vais essayer de. Va falloir que tu passes. Tu me coiffes sur mon épaule droite là, ouais. Marcus. Ou alors non, attends. Sors ton shield, poulet. Ok. Alro, va falloir que tu avances au niveau de la casserole là. Tu vas faire un bond de 2 mètres en avant à peu près, mais pas trop, ok? Au niveau de la théière là, ok? Ouais. D'accord. Je te suis. Je me mets dans le coin directement en rentrant à droite, d'accord? Les autres vont nous contourner, vont passer par la gauche. Je check vite fait à gauche là. Bien pris, ouais, vas-y, je rentre pas, je prends tes 1 heure. C'est bon à gauche. À 11h, ok, tranquille, stop. Ok. C'est bon, je suis rentré. Moi, je prends les. Là, pour le bon moment, je prends les 11h pour le coup. Sur ma lumière. Okay. Marcus, va falloir que vous ouvriez votre ligne, mais attention, ça va vous exposer et derrière, ça peut être. Attention à vos. Mef, à vos 1h, sur ma lumière. Ouais. D'accord, on n'a pas l'info là-dedans. Ça tire. Je vais balancer une smoke. Merci Alro. La smoke est contact au cas où. Les gars, vous pouvez en profiter. Elle est repartie. Ça tousse un peu. Les gars, vous pouvez en profiter pour contourner par la gauche là-bas tranquillement. Suis ton teammate. Ça gueule, hein, Alro. Ouais. Ok, tranquille, reste debout, Alro. Les gars, profitez-en pour clear l'autre truc et aller clear la porte qui est au fond à gauche. Ok. Elle se rend. Ça tire au fond, Alro, fais gaffe. Ouais, j'ai une civile devant moi qui me... Essaye de la faire venir tranquillement. Ouais. Ok, la civile, elle est à vos midi, face midi, elle est Alro, baisse-toi, please. Alro, baisse-toi. J'ai pas de visuel dessus. C'est bon, relève-toi. Les autres, faut wedger la porte. Ça m'a engagé de ta droite, Grumpy. On la menotte et on la porte. Reste debout, Alro, s'il te plaît. J'ai pas visuel dessus, mais j'ai les... Je vois les impacts de balles qui partent de là-bas. Enfin, je vois les tirs qui partent de là-bas. Ok, je vais la faire venir, elle. Vas-y, tu peux fermer. Doucement, on est bon, les gars. Allez, pousse... Alro, faut que tu te pousses légèrement. Alro, j'étais 9h pour l'instant. T'es 9h, c'est... Vite fait, un peu à gauche, mon poulet, Alro. J'ai plus le wedge. Ok, je la wedge. Un peu à gauche, Alro. Move towards me. Elle a l'air de faire la conne là. Porte wedge. Alro, t'es 9h, c'est race, hein. J'ai visuel dessus. Okay. Donc le seul danger, c'était midi. Je vais guetter. C'est bon, elle vient ou pas? Négatif.
Ok, tu peux... Ça vient mais slow quoi. Tu peux venir la prendre doucement, si doucement, tu veux. Doucement, je l'ai toujours, tranquille. Ok. On calme la com, on est bon. On mène là dehors à la De l'autre côté c'est Wedgie les poulets. Ne n'ouvrez pas votre ligne là. Elle était un monstre le shield. Ok, on est bien, on est pas si mal. Move over here. Ok, Alro, je vais avoir besoin que tu avances d'un mètre. Tu fais un bond d'un mètre en avant au niveau de l'arche, d'accord? Ok, ok. Essaye d'avancer un peu, pose un bouquet, parfait. Ok, je vais essayer de la gérer, faites gaffe, si j'hurle c'est qu'elle... Move forward. Six, nous de notre côté, on a arrêté un suspect. Ok, moi aussi, je viens d'en arrêter une. C'est en cours. Ok. Ça tire au fond. Alro, essaye de désengager, poulet. Allez, où, à tes midi? De la pièce à 20 mètres à peu près au niveau d'Alro, je pense, parce que moi je l'entends. Alro, donne-moi la vois pas. Tu vois ou pas? À droite, non, à droite de la double porte de Grumpy, okay, à Midji, donc à environ 20 mètres. Comment s'ouvre? Elle te voit ou pas? Parce qu'elle te tire pas dessus là. Avance un peu, avance un peu, avance un peu. Moi j'ai pas visuel dessus, donc faut me dire ce qui se passe. Doucement, décale légèrement à gauche. Je saigne. Vas-y, décale, recule, désengage. Je peux pas lancer une fumée un peu plus grand. Hein. Vas-y, essaye, poulet. Je peux pas réfléchir si tu penses que ça peut aider. C'est sur vous que ça tire là. Alors, ouais, mets-toi en place. Doucement. Laisse le load shield à la limite prendre le. Reste au niveau du corner de la. Avance un peu. Reste debout. Voilà, tes jambes sont protégées. Pas avec ton arme, pas avec ton arme. Qu'est-ce que tu fais? Garde ton. Ça on est pas, bon, je crois. La smoke est belle. Ça a pas proc. Elle est belle, mais elle a pas proc. On a le temps, prends le temps, les amis, on est bon. Ok, je vais essayer de décaler neveur, pour prendre une info. Vos 9h, c'est Ras. Je la vois pas, hein. Elle est à l'air. Je l'entends, moi, elle doit être face à vous, hein. Elle est vraiment, moi, je l'entends à ma droite, mais j'ai pas visuel sur elle. Et avance, avance ma courante à gauche, l'autre shield là. Pour revenir à gauche de l'arche, dans le petit renfoncement qui est juste à ma gauche. Peux baisser, hein. Tu feras gaffe, le shield là qui avance à tes 11h, même. Alors, tu peux te mettre à sa droite, debout. T'as une double porte ouverte. Vas-y, restez accroupis tous les deux, accroupis, ok? On reste là, si elle décale, on la défonce. Derrière, t'as une ligne? C'est quoi la lumière, c'est à quoi? Ouais, là, c'est la mienne là. Ok. Derrière, t'as une ligne? Marcus! Allo, pas Marcus, Vieux Rockfort. T'as une ligne, hein? Oui, ouais. C'est bon, je suis sur ta cam. Je pense qu'elle est derrière le. Ouais, elle est à gauche au fond. Elle est là-bas. Ok, je vais tirer et je vais gueuler, ok? Ouais, je pense que c'est là-bas, sur la lumière au fond. Je suis sur ta cam. J'ai eu un écho sur la gauche aussi. Ouais, j'ai entendu. À gauche. Bien pris. Ouais, j'ai visuel, je vous dis s'il y a un pack qui arrive sur vos 9h. Ok. Mef, quand même à 11h, à vos 11h, il y a une porte ouverte, une double porte ouverte. Ok. Que je partir à bas, non? Elle nous entend toujours, c'est... Elle doit être à gauche de l'arche face midi, là, je pense. Ouais, je pense aussi, ouais. Oui, c'est voire même, elle a totalement contourné, quoi. J'entends les voix beaucoup plus à 11h maintenant. J'essaye une fumée à 11h, au fond. Vas-y, essaye. Mais faut la taper derrière le paravent. Et je pense que ça proquera pas, je pense qu'elle est repartie plus loin en fait. Ouais, parce que j'ai essayé avant, ça a pas marché. Grumpy, la porte face midi à toi, elle est ouverte? Ouverte, oui, affirmatif. C'est pour ça que je vous dis meuf à 11h. Ok, ok, bien pris. Parce que sinon j'aurais pu au moins essayer de faire quelque chose. Ah oui, t'aurais pu là, intervenir. Pas, hein. Ouais, je sais. LSPD, hands up, don't move. Police, get down. Slowly get down on the ground. LSPD. Police, get your hands up. Get down. Show me hands. LSPD, don't move. Police, get down. Ouais, elle veut pas bouger, ça. Sinon, ce qu'on pourrait faire, c'est la porte de Grumpy et un bouquet qui va là-bas. Et au moins, ils auront une vue en face de nous à notre 9h. Je pense que c'est à Marcus plus toi avec le shotgun de commencer à ouvrir en faisant, en coulant sur la gauche. Ok, ouais, en enroulant à gauche tranquillement, en prenant votre temps, et nous avec Alro on va vous remplacer, on prendra le face midi, d'accord? Justement, à cet endroit là. Okay. Grumpy, okay. À la limite tu peux commencer à ouvrir ta porte pour les couvrir eux quand ils vont progresser vers nos 9h, à savoir tes 11h du coup. Et autrement déjà pour pouvoir directement prendre une ligne sur la porte que tu vois ouverte de l'extérieur sans prendre de risque, face midi pour toi. Moi aussi. Ok.
Marcus, ouais, c'est parti, vous pouvez enrouler à gauche, quand vous voulez. Alro, tu prendras sa place après. J'ai le tambour fermé face à moi. À nos 9h hein, pour le groupe. Doucement, ok. J'ai un paravent à gauche. Alro, go. En effet, la pièce continue sur la droite de la cheminée, sur la gauche de la cheminée. Okay. Long couloir face à moi. Parfait. Alro, vu la tête de chevreuil là, au niveau du pilar là, au niveau du pilier ou pas? Oui, la tête de machin là. Regarde, tu vas aller t'y coller en dessous en fait. Ok. Allez. D'accord, tu refais la même chose, tu fais un bond de 2m50 en avant. Je vais voir s'il y a rien à gauche là. Et tu vas à gauche, et tu vas aller mettre là-bas. 3, 2, 1, top. Jargon. Extérieur. Ouais, ça donne sur accroupi, derrière. Accroupi. Ouais. On peut aller clear. Ouais, mais attends, derrière. Ouais, Grumpy, faut que tu prennes face midi, hein, les gars. Ouais. J'ai midi, Six. Les gars, je regarde votre cam. Ouais, tu vois Six face à moi. Ouais, les gars, sur la cam de. Mais Marcus, il faut que tu prennes cette info. Il faut que tu prennes cette info. On peut pas rester là pendant 3 heures, les gars. Marcus, faut que tu prennes l'info là de s'il arrive quelque chose ou pas. Tranquillement. Et derrière, va falloir wedger cette porte, les gars, là, qui est à tes 11 heures, toi, vieux Roquefort. Face-moi une porte fermée. Celle-là, personne là, dans va falloir derrière, la gérer. La fais gaffe, à tes, tu t'ouvres à 2 heures là, énormément, vieux Roquefort. Voilà, là-bas. C'est là qu'on pense qu'elle est. Il faut que tu la wedge, mais en faisant le plus main courante derrière le cul de Marcus possible. Wedge la porte en bois là. Attends, je crois que j'en ai plus, Gawex. Ok, quelqu'un peut le faire ou quoi? Marcus, tu peux le faire ou pas? Je peux le faire. Ok, bah tiens juste la ligne. Je tiens la ligne. Ok, tu vois la ligne que t'es en train de prendre, vieux Roquefort? Est-ce que tu peux me balancer une smoke loin là, derrière, par-dessus cette armoire là? Ouais. Au fond là-bas. Je vais également wedge la porte qui est dans la verrière. Allez, fermée. Ça tous. Ok, ça a tous. Ça peut venir vers vous ou vers nous. Hands up now. Hands up. Drop your hands up. Raise your hands down on your knees. Hands on your head. Get down. Get down. Keep your hands down on your goddamn knees. J'avance ou pas? Non, négatif. La porte, elle est wedgée à ta gauche ou pas? Oui, la porte est wedgée. Ouais. Et j'ai wedge la porte qui est dans la verrière. Dans la verrière, t'as wedge la porte. Vous pouvez commencer à faire main courante jusqu'au coin du mur là où il est en train de prendre l'info là. Et va falloir faire très attention en vous ouvrant au niveau de ce coin de mur. Vous allez vous ouvrir sur la porte qui est face midi quoi. La porte principale qui sera à vos 9h. C'est celle-là qui donne sur le backyard. I'm giving up, elle a dit. Hein. En effet, double porte ouverte. Ok, il y en a une qui s'est rendue visiblement. Attention, ça sert à rien de regarder là-bas. Là où t'es en train d'éclairer, ça sert à rien, frérot. C'est nous qui l'avons. Regarde la cam, regarde ma cam. Ça, c'est le face 11h, il n'y a rien. Ok, tu vois, on fait que ça, nous. Tu peux faire un bond de 1 mètre en avant, Alro. Genre juste 1 mètre. Attends, ça c'est. Ouais, ça c'est bon ça. Ok, tu peux donc du coup t'ouvrir un petit peu vers les 9h, vers tes 9h, vers tes 10h en fait, pour regarder ce qui se passe vers l'extérieur. Si ça tire, c'est XT. Moi sur la double porte, ça tire, c'est XT, c'est sur toi ça, Alro. Attention, XT. Un peu là pour l'extérieur. Hein. Ouais, attention, ça peut venir de l'XT. Ouais. T'envoies une smoke s'il faut pour l'extérieur. Je vois rien à l'extérieur, je vois rien. Ouais, mais. Reste blessé, Grumpy touché. Grumpy, non, t'es c'est là bon pour moi. Okay. Ouais, non, c'est bon pour moi. Elle a tiré dans la porte, j'ai dû prendre un éclat. Ok, Alro, tu vois ce qui tire dessus ou pas? Non, je vois rien. Ok, la porte qui est à ta gauche, vieux Roquefort, la porte qui est à ta gauche que vous avez wedgée, vous la déwedgez, ok, et vous l'ouvrez. Ça vous donnera une meilleure vue sur ce qui se passe à vos 3h. Ouais. Attention, il y a une autre porte à 3h qui donne sur peut-être la nana qui s'est rendue. Jean-Rich. À la limite, reste au coin avec ton shield et laisse vieux Roquefort le faire tout seul sec, quoi, ok? Ouais, c'est une bonne idée. Je vais me retourner. Alro, regarde face midi, s'il te plaît. Que je l'aide, en fait. C'est bon. Vas-y. Je me replace. Quand tu veux, vieux Roquefort, je prends tes 11h. Quand tu ouvres. Je pique. Ouais. Pas de piège. 1, 2, 3. Allez, check derrière la porte. Attention à la fenêtre. Vas-y, check derrière la porte. Et l'autre porte à droite, elle est ouverte. Ok, ouais, Marcus, ouais, ça veut dire. Marcus, faut que tu décroches de l'endroit où t'es et que tu viennes. Tu passes par la pièce. Exactement, tu passes par la pièce. Fais gaffe face à tes 3h là. Face midi maintenant, tu peux avoir du monde. Ouais. Face à moi, une personne, un Pax qui s'est rendu féminin. Ok, parfait. Bah, c'est celle qu'on a entendu gueuler tout à l'heure. Elle, faut la faire venir. C'est celle que j'ai traitée du coup. Elle, faut la faire venir, les gars. Je la fais venir. Ok, je garde un visuel dessus dès qu'elle dépasse la double porte. Ça arrive. Tranquille, on prend le temps. J'ai encore marché là, non? Bah c'est elle, je pense. Nous on a rien. Elle au genou.
Ok, bah non, c'est pas elle que j'ai traité. Moi, j'ai traité celle qui était à l'extérieur, alors. Vas-y, on la fait rentrer dans la pièce. Ouais. Salut tout le monde, désolé, on a Donf dedans. En moins 15 heures. Ouais, c'est bien ça. Dessus, hein, je peux plus vous couvrir. C'est bon, elle est rentrée. Ok, fermez la porte quand vous faites ça, les gars. Fermez la porte, prenez tous les deux l'arme. Du coup, le chien ne sert plus à rien quand vous fermez la porte. Allez, pousse là la porte. Voilà, c'est bon. Et après, vous la traitez à deux parce que qu'elle sorte pas un couteau ou une merde là. Ok, c'est parfait ça. Tu peux la prendre et la balancer là. J'ai pas envie qu'elle reste là, à la limite. Tu repasses au niveau du garage et tu vas la mettre dans le garage. Main courante à droite, quand tu rentres dans le garage, il y a déjà un Pax. Ok, trop gourde, j'arrive pas à la porter. Ok, c'est bon. Ouais, mais. Ah ouais, j'avoue. Je la remets à la cuisine. Ouais, tu peux la mettre. Quoi ? Et c'est le ban. C'est bon. Ok, parfait. Du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire à la limite. Eh, vous pouvez balancer des injonctions là sur le couloir qui est en face de vous. Face. Parce qu'il y avait deux nanas, ouais, c'est bien ce qu'on entend. Ah, fuck you. Police, hands up. Et okay. Qu'on pour nous Six fasse midi aussi. Ouais, bah je sais. Je tiens, je fais que ça depuis tout à l'heure. Le truc, c'est que pour eux, en fait, il faut qu'ils arrivent tout en faut qu'il y en ait un qui regarde le face midi là, le couloir qui est en face de vous là, l'autre côté de l'arche, ouais. Que moi je suis en train de couvrir. Pendant qu'à la limite, ouais. Le shield essaie de se démerder en solo pour aller fermer la porte qui sera à sa gauche. Je pense que le mieux. Je peux aller avec eux là si tu veux là. Ça va on pas. Recule un vas-y, peu, vas-y, là. Vas-y, vas-y, ouais, c'est, j'ai pas besoin de toi, effectivement. Vas-y. Moi, j'ai pas je besoin recule. De toi, en fait, pour tenir ma ligne. Je recule. Vas-y, vas-y. Je l'ai rejoint. Et faut jouer la porte. Tu restes à la limite au niveau de la. Alro, t'as déjà été touché, donc reste comme ça pour ouais, faire ouais, face midi pour ton jambes, pote, ouais. Là. Ok, qu'il ouais. Envoie l'assaut si c'est la merde. Et toi, le shield tout seul, t'essaies d'ouvrir sur la gauche pour voir ce qui se passe dans le prolongement de la porte. Il faudrait balancer une smoke en face aussi, quand même, non? Non, ça devrait le faire, vous êtes deux. Ok. Non, trois on est. Non, lui il compte pas, il ouvre sa ligne à gauche. Ouais. Si tu peux fermer la porte, la double porte, ouais. C'est incroyable. Je vais faire. Putain. Pour la fermer, t'es obligé de. Elle est poussée. Elle est vers nous ou pas? Elle est poussée extérieure. Elle est poussée extérieure, donc t'es obligé d'enlever ton shield. Ça c'est bon. C'est ce que j'ai fait. Ouais. Fais gaffe quand tu ouvres ta ligne, effectivement. Essaye de faire un truc rapide. Non, c'est... Tu vas tout droit face midi, tu regardes le milieu de la porte et bim, quoi. Voilà, nickel. Impeccable, la porte elle est solide. Wedge. Pas assez loin, ouais. Please, quelqu'un wedge rapide. Ça peut c'est bouger. C'est bon, c'est wedge. Ok, nickel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez continuer maintenant avec vieux. Grumpy, tu peux ouvrir ta ligne. Ah, tu passes avec Alro. Alro, de notre côté, du coup, tu reviens avec moi, s'il te plaît. Y a plus que les deux arches à gérer. On y va sec, ok? Il y a du monde, on le sait. Le but du jeu est essayer de... Vu la taille du truc... Alro, debout s'il te plaît quand tu te déplaces. Allez, let's go. Avec Grumpy, tu commences à pusher, on commence à avancer. Les autres, pareil. Vous faites pareil de votre côté, main courante à gauche. En avant. Allez. Vas-y, Alro. Doucement. Doucement, on y va sec. Il y a du monde, c'est sûr. Attends deux secondes, je vais mettre sur leur câble. Ok. Vas-y, okay. Alro, bouge pas. Face à moi, bouge pas, face à moi, elle s'est rendue, elle s'est rendue. Bouge pas. À gauche, c'est ok, nickel. Elle est à genoux, elle s'est rendue. Ok, nickel. Je à gauche, quand même. Ok, Alro, ma courante à droite, s'il te plaît, Alro. Va te mettre ma courante à droite. Ouais, je l'ai appelé vers moi. Ok, nickel. Vas-y, je prends la cover. Prends l'info du couloir directement, Alro, s'il te plaît. Elle prend son arme. Elle prend son arme. C'est bon, c'est géré. Alro, ouvre ta ligne rapidement. Dis-nous ouais, ce qui se passe dans le truc si tu vois quelque chose là. Rien. Dans le couloir. Okay. Tu la tiens en joue s'il te plaît. Ouais, la tiens en joue. Je la fais venir sur moi. Alro, s'il te plaît, commence à avancer. Fais un bond à mettre en avant s'il te plaît. Baisse-toi. J'ai une porte ouverte à droite. Hein. Ok, bien pris. À un mètre. Ok, mets-toi au niveau de la porte. Porte derrière, fais main. L'autre, elle est wedgée la porte, les gars, derrière vous. Bah, moi, jusqu'à moi. Ok. Wedge là s'il te plaît. Vas-y, je veux la wedge. Ok, merci. Vas-y. Je couvre. Arcus, reste debout Alro. Plus facile. Deuxième, moi j'ai ton face midi. Une deuxième porte. On s'en fout, pour le moment on veut wedger. Tout ce qu'on veut c'est wedger. Ouais. Donc là, t'as une wedge toi? Non. Alro?
Ok, mais non, alors. Non. Ok, bah dans ce cas-là, essaye quand tu le sens. Ça tire dessus. C'est sur toi, frérot. Suspect principal. Désengage. J'ai un wedge, moi aussi. Accroupis-toi, Alro. Elle peut sortir à tout moment, j'ai besoin d'aide. J'ai la cover, j'ai l'arrive sur toi, Six. J'ai la guine. Ok. Celui qui est à 11h là, celui qui est sur mon épaule gauche, s'il te plaît, balance une smoke profonde à l'intérieur, j'ai pas l'angle moi. Vieux. Putain, elles sont pixel toutes tes smokes là. Voilà, ça tous, Alro, regarde à l'intérieur, demande-lui de se baisser. Quelqu'un prend toujours le face midi, on n'est pas naïf. Avance un peu. Ok, c'est bon. Tu vois du monde ou pas? Alro, baisse-toi, je suis au-dessus de ta tête. Non, avec la smoke, je vois rien. Ok, j'ai en face 11h. Je vais balancer une autre smoke. Profonde celle-là. C'est à 11h. Ah, mais midi, moi. Tu la vois? Non, mais je l'entends. Ok, laisse tomber, on ferme la porte. À droite, recule. Allez, quelqu'un wedge là, ça, please. J'ai. Ok, c'est wedge au fond. À droite, tu wedge, bah les couilles. Quelqu'un wedge, please. Allez. Qui a des wedges, les gars? Comme qu'on le sache, comme ça, moi, parce que. Plus. Moi j'en ai. Ok, allez, on check contrôle PAM là. Je suis touché aux deux jambes. Ouais. On prend les trucs au sol là. Et tranquillement, c'est déjà pas mal. Nice work. Ok, du coup, Grumpy, vas-y, reprends le lead. Ok, là pour moi là j'ai une pièce salle de bain. Ça a coupé, Grump. 1-2, Grump, vous m'entendez moi? On peut ouvrir et garder le wedge du coup. C'est Discord ou c'est moi pour le coup? Ouais, ça a bugué aussi. Ok, tu vas-y hein, si y'a rien, poulet. Ok, quelqu'un qui a pas de wedge, comme ça il récupère le wedge. Ouais, quelqu'un. Ça va ici? Y'a pas de piège? Ouais, vieux Roquefort, y'a rien derrière. Non, négatif. Tu peux ouvrir, clear. Je pique. Vas-y. Y'a rien. Grumpy, y'a rien? Non, négatif, y'a rien, okay, mais okay, vas-y. On peut quand même rentrer pour voir. Vas-y, quand tu veux. J'ouvre. Nickel. Ok, race. Ça veut dire quoi? Merci French Flair encore pour les 46 mois, t'es un monstre poulet, vraiment. Pourquoi un tel titre? Bah parce que c'est vrai. C'est la description de la mission. Ok, Grump, t'es là? Affirmatif. Ok, affirmatif. Nickel. Vas-y, prends le lead poulet. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais regarder sous la porte. Ouais, la porte que Alro avait fait là, la dernière fois que visiblement c'était au niveau de son épaule droite, c'était à 13h, enfin à 1h, dans une autre pièce pour le coup. Donc pas dans la pièce dans laquelle Alro regardait, mais plutôt dans une autre pièce dont il y aurait visiblement, si les deux portes se connectent, il y a une porte à 11h et une porte à 13h qui mène à cette autre pièce, et les deux portes étaient ouvertes. Et visiblement elle serait plutôt à 13h dans cette pièce. Ah, et Cosson. Ok, reçu. Là actuellement face midi j'ai une double pièce du coup en face de nous. On arrive dans une pièce avec une porte ouverte à 5 mètres et au fond on a encore une autre pièce. J'ai pas visuel dessus parce qu'il y a une sorte de truc en bois qui m'empêche de voir ce qui se passe dans la pièce. On a une arche quand on arrive devant là à 11h avec une porte ouverte au fond. J'ai une porte à 11h ouverte. À peu près une dizaine de mètres. Donc en gros là c'est assez ouvert avec à peu près, enfin deux, trois ouvertures possibles. Oui, et les deux portes que tu as, celle que tu as face midi et celle qui tu as à 11h connectent sur la même pièce. C'est ce que je disais. Face midi, 11h. Affirmatif. Ouais. Visiblement elle était plutôt... Le suspect était dans la pièce du fond à droite de la porte à tes midi. Ouais, exactement. Plutôt à tes 1h.
Ok, dans la deuxième pièce, visiblement. Du coup, comme d'habitude, de toute façon, on opère de la même façon. Ok, vu qu'on n'a pas d'informations, on prend les infos, on avance tout doucement. Ça sert à rien de faire un top action là-dessus, là, d'accord. On va pique, on prend des lignes et on commence à ouvrir nos lignes tranquillement, doucement. Ok, même si on met une heure à faire 2 mètres, c'est pas très grave, quoi. Et après, on discute entre nous sur s'il y a un moment, on doit faire des bons, genre dans la pièce d'en face, par exemple. Ok, Grumpy, quand tu veux. Affirmatif. Un shield à gauche de la porte, un shield à droite de la porte, please. Ok, le porte est on wedge. Shotgun à gauche de la porte, du coup. Ouais. Parce que je prendrais la ligne 11h, celle que j'ai vue tout à l'heure, là. Celle qui était à 11h, je la prendrais direct, du coup. Ok. Alro, je te l'explique, la porte. Et t'attends un peu pour voir s'il y a du mouvement. Ok, 3, 2, 1, je pique. Down on the ground, move! Hands up, don't move! Ok, tu peux la pousser. Stop. Accroupi. Ok, j'ai la face 11h. Porte ouverte, effectivement. Je vois rien dedans. Et comme si tu vois, à la porte face 11h, il y a une autre porte au fond de la pièce. Ok. Sur la... dans le prolongement de l'axe 11h. Qui a okay. Le pas, tu vois le... Qui est-ce qui a le shotgun là? C'est vieux sur l'épaule, ouais. De... Ouais, ok. Balance une smoke face à tes 1h, s'il te plaît. Qui va le plus à droite de la porte qu'à tes midi. Tu vas voir, il y a une autre porte à tes midi si tu ouvres ta ligne. Et c'était là qu'on l'a entendu tout à l'heure. J'ai visé sur la porte, hein. Tu peux décaler, elle est pas en train de piquer. Tu veux que j'envoie à Mixi la fumée? Ouais, à droite de la porte que tu regardes, là. Ok, je vais essayer. Elle est bonne? Ouais, elle est partie à droite. Ouais, ça tousse, impeccable, ça peut venir. Allez, on bouge pas. Ok. Si ça bouge pas, je vais smoker à gauche. Et on va accélérer un petit peu et on va aller la taper directement. J'ai mis une smoke rebond gauche. Alro, tu vas faire face midi, d'accord? Ouais. Marcus, tu ouvres à tes 9h. Allez, top action. Alro, tu t'arrêtes pas, face midi. Go. Allez, tu rentres dedans. Une ça tousse. Ok, continue. Quoi, l'objectif? Va à la porte. Garde la porte fermée. Vieux Roquefort, avance. Voilà, nickel. On est bien. Nickel, Alro, t'as avancé. Je suis sur un jardin extérieur, pas de contact. Le jardin part sur la gauche avec une arche. Je suis au-dessus de ton épaule. Les autres, c'est géré. C'est wedge, on peut décrocher. Ouais, vous pouvez venir avec nous. Alors, tu peux commencer à faire. Ok, je prends la patte, ça, vu que je serai à rien, et je la bouge. Ok, bien pris. On a le temps. Alors, tu peux commencer tranquillement quand tu veux à ouvrir ta ligne et nous dire ce qui se passe là-bas. Contact à gauche, c'est bon, y'a rien. Là, ouais, je vais commencer à le suivre, si quelqu'un veut le suivre. Les amis, sors ton shield, les poulets, en fait de... Attends, Alro, s'il te plaît, viens me récupérer. Recule-toi, là. Avance un peu. Voilà, bouge pas, s'il te plaît. Merci, nickel. Allez, let's go. On progresse courant à gauche, nous. Vas-y, stop, toi, Alro. À travers les lattes, j'ai pas l'air de voir grand-chose. Un négatif, tu peux ouvrir si tu veux, Marcus. Hein. On a ta face midi. À 2h, on sait pas ce qu'il y a, Marcus, c'est tout. À 2h, y'a rien. Enfin, à tes 3h, y'a rien. Oui, y'a rien. Non, bah, face midi, y'a rien. 11h, y'a rien. C'est à 9h, donc du coup, ou 10h. Face à moi, une porte fermée, ça doit être la porte qu'on a wedge tout à l'heure. Ok, allez, on y va tous. Let's go, alors. Y'a rien, c'est celui-là. Ok, nickel. Ok, moi, je prends la porte, du coup. C'est ça qu'il y a une porte. Ok. C'est moi qui ouvre ta porte, la Grumpy. Ok, ouais, écho, son. Ok, c'est moi. Ok, race. Nickel. Ok, nice. Ok, checker s'il n'y a pas des trucs à récup tant qu'on y est. Merci, petit Lu, pardon, je suis désolé. Petit Lu en plus, quoi. Un mec de chez moi, quoi. C'est de Nantes, ça. Le Fèvre utile. C'est vrai qu'ils aiment pas trop les hommes ici, non? Hein? C'est vrai qu'ils aiment pas trop les hommes, hein, d'après leur dessin, là. Bah oui, c'est vraiment ça, c'est le... C'est... Ouais, sec. C'est bon, il y a personne dans l'armoire. Ouais, bien vu ça. Putain, j'avoue. Ouais, j'avais checké l'armoire. Bien joué.
Ok, c'est propre, on continue comme ça. Contrôle PAM. Et Grumpy, je t'en prie. Ok, pour moi, là, j'ai une sorte de pièce avec deux baies vitrées. Enfin, deux grandes fenêtres. Face midi, on a une fenêtre, mais elle est barricadée par des planches et il y a de la végétation qui a poussé dessus. Donc, meuf, quand même, on est dans une pièce qui part direct à nos 9h. J'ai pas de visuel sur du Pax et j'ai pas d'écosson non plus sur du potentiel Pax. On va pouvoir faire la même situation qu'on vient de faire juste avant. Meuf quand même, du coup, comme je disais, à 9h, car j'ai pas de visuel. Et il n'y a pas de piège à la porte. Voilà. Ok, vas-y, go. Tu peux pique. Laisse Alro le faire à la limite. La même chose que tout à l'heure, c'est très bien. Ouais, bien sûr. Check, il n'y a pas de piège ? Négatif. On reste main courante à gauche et à droite, là, on était très bien. Ok. C'est bon, je peux pique ? Vas-y. Affirmatif. Roquefort, mets-toi. Ouais, vas-y, avance un peu. Voilà, nickel, t'es parfait. Ouais, je vois la baie vitrée que tu parlais face midi. Okay, moi, à 11h, j'ai rien. À 10h, j'ai rien. Mais après 9h, je vois pas. C'est caché par un genre de grand cadre de peinture. Voilà. Ok, bien pris. Tu peux commencer à ouvrir la porte. Hein. Et tu fais un gros face midi et recule si ça commence à péter. Ah ouais, d'accord, tu y allais cash quoi. Ok, face midi, visiblement rien par les vitres là, meuf. Et ouverture à... Tu peux commencer à ouvrir ta... Non, c'est bon, c'est bon, regarde... Ouais, regarde que à gauche. Tu peux commencer à ouvrir ton angle avec vieux Roquefort qui progresse derrière. Marcus, sort ton arme, ça a l'air exigu là. Ouais. Allez, et on les suit. Doucement. Je vois rien à 1h. 9h, y'a rien. Y'a un petit angle à 7h là. Là, Alro, si c'est la merde, ok, tu continues vers le problème. Ouais. Hein. Ouais. Ok. Y'a rien à 7h. Y'a un petit renfoncement encore à 7h. Je check. Porte métallique fermée. Rien dans l'angle, c'est bon. Porte métallique fermée. Je me mets devant. Ok, ça peut wedger ? Oui. Ok. Attends. Moi non. Mais quelqu'un peut venir wedge, oui. Quelqu'un peut wedger ? À moins que tu veux checker tout de suite, Grumpy ? C'est wedge. Grumpy, problème radio. Grumpy, problème radio. Grumpy. Grumpy, miroir. Je pense que Grumpy... C'est bon, les gars. Devant... Il a vu les photos de son ex. J'avais le PC qui me parlait. Désolé. Écosson à 1h. Hein. Affirmatif. Ok. Alors là, pour la porte, il n'y a pas de piège. On est... En fait, ça donne sur l'extérieur, qui semblerait être un jardin. On arrive dans une sorte de petit jardin en bois, en fait, avec des grillages sur la droite, grillages sur la gauche, enfin, des plans sur la gauche. J'ai pas de visuel sur du Pax. Ok, bien pris. Tu veux faire quoi ? On passe là ou... Comme tu veux. Ça m'a l'air assez risqué parce que c'est assez étroit en fait. Et puis en face de nous... Ça donne sur l'extérieur en plus, il vaut mieux finir les pièces intérieures, non ? À 10 mètres, on a une verrière à nos... À 10 mètres, on a une verrière face midi. Du coup, on peut être joué par cette verrière. Donc, je sais pas. On peut essayer de pique, attendre un peu pour voir si on se fait tirer dessus. Mais c'est assez restreint comme zone. Ok, ça marche. Bon, on décroche et on va ailleurs. À la limite, on peut repasser par le garage pour essayer de se taper tous les extérieurs par la gauche. Au moins, on saura qu'on aura personne d'autre qu'en face de nous, quoi. Reçu. Ça reste des extés, donc meuf aux hauteurs. Ah, il y en avait une à récupérer là-bas aussi, je crois. Non, je vais mettre dans le garage. Ah, ici. Il y a une verrière là, ouverte là. Ouais, la porte au fond, okay. A été wedgée apparemment. Ok. Ouais, elle était wedge. Est-ce que je vais checker la porte au fond pour voir... Bien sûr, vas-y, c'est free, okay, c'est gratos. Je regardais... Il y a la porte garage ici aussi, qui est pas wedge. Elle était wedgée normalement. Si, je la vois wedge.
Si. Ah bon affi. Ok, je suis en train de faire de la merde. Il faut les décaler à l'extérieur, à la limite, là. Surtout si on tape XT. De l'autre côté. Ok, sur la porte véranda, actuellement j'ai la porte est non piégée. J'ai à mes midi une porte ouverte qui donne sur le jardin. Sauf que entre cette porte et moi, il y a un paravent. Donc je vois en fait par rapport à sous le paravent qu'il y a une porte. À 11h, on a une arche ouverte avec deux pax armés dans cette pièce. What the fuck? Attends, t'es où toi? T'es au niveau de l'arche? Ouais, au niveau de la véranda, l'arche qui est sur la véranda. Bien pris, ok. Ah, c'est bon. Ok, tu veux qu'on... Y'a deux personnes à récupérer là? Affirmatif, oui. Deux packs armés à 11h. Au fond, ils sont en fait à 11h, il y a une pièce avec une arche qui donne sur... Enfin, c'est une double porte en fait, l'arche. Et dedans, il y a deux packs armés. Ok, bien pris, c'est quoi la gueule de la porte? C'est du bois les gars, et on est dans un couloir bien pourri là. Donc ça va être difficile de tous y progresser. Ok. Va falloir à la limite pique la porte. Et elles sont à combien de mètres de la porte? Là, elles sont à 10 mètres, il y a une passe qui vient de partir à l'extérieur. Ok, non, mais correction, elle vient de re-rentrer. Du coup là, si on veut pique, ça va être... c'est le moment. En fait là, elles sont au fond de attends, la pièce. Attends, négatif. Le truc c'est que si on pique, ça commence à engager, faut pouvoir balancer de la smoke loin, tu vois. Et pour balancer de la smoke loin, faut être derrière les shields. Et pour être derrière les shields, du coup, dans un couloir exigu comme ça, c'est un peu problématique, ouais. Quoi. Tu vois, quelqu'un va devoir se coller à droite, du coup, juste devant le paravent, en fait. Ok, c'est lui qui va balancer. Mais il y a un banc de merde et tout. Hein. Ouais, il y a un banc. Il ouais. Y a un putain de banc de merde. Ah, ouais, bah ça... sinon on abandonne. Non, mais ça donne quoi face midi? Genre pile face midi, face 1h et midi, jusqu'à 3h. Face midi, j'ai à 3 mètres un paravent et une porte ouverte derrière ce paravent. J'aurai une ouverture en fait sur le jardin. Ok, donc dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la smoke, tu la balances à partir du seul shield qui va se mettre à gauche, d'accord? L'autre shield restera là où est Marcus, au niveau du paravent, okay, ok? L'un se met main courante à gauche. Grumpy, tu vas unwedge la porte, d'accord? Tu vas te mettre, tu vas la piquer, enfin le shield va la piquer, ça va être Marcus. Tu te mettras derrière lui, ou à la limite je vais me mettre derrière lui. Ok, ou tu te mettras derrière lui. Et le but du jeu c'est de balancer une smoke 11h, tu vois, mais comme ça du coup. Ok. Affirmatif. Face 11h, en restant bien à gauche. Les autres derrière, shield ici au niveau du paravent. D'accord. Non, on est trop gros. C'est ça. Et moi je vais... Tu veux que je m'accroupis Six ou quoi? Ouais, carrément. Et fais gaffe, vieux Roquefort, parce que si elle est face 11h, quand il pique la porte, du coup, il y a Link sur Watt. Hein. Ok, je pique. Maintenant. Doucement. Push-la un peu la porte. Ouais. Reste debout quand tu la bouges, tranquillement. Il y a un vieux contre-jour. Stop. Allez, accroupis-toi, balance la smoke 11h. Elle est ratée. Elle est bonne, je pense. Affirmatif. J'entends rien, moi. Hein. J'ai pas d'écho, les gars. Moi non plus. Ok, essaie de faire tout. Hey, le shield, c'est à toi de balancer des injonctions, là. Put your hands up. Hands in the air. Hands up. Don't move. Hands up. Above your head. Écosson. Don't move. Je balancerai une impact si c'est la merde au niveau du paravent. Baisse-toi maintenant, poulet. Police, don't move. Down on your knees. Police, hands in the air. Hands up. Get on the ground. I want you to get down slowly. Get down now. J'ai entendu Pax, mais j'ai pas d'écho. Enfin, j'ai pas de. Ça touche pas. Pour moi, ça vient de à droite, dehors par là-bas. Ouais, mais j'ai une impact. J'ai une impact juste au-dessus de ce paravent au cas où ça. Sinon, juste une proposition. Il y a la grande porte qui amène sur l'extérieur. C'est pas l'XT, ça. Là, c'est une autre pièce, hein. Ah, c'est une pièce ici. Ah ouais, c'est une pièce là. Ah non, on t'a pas l'excité. J'arrive, Stars Gamer. Je m'occupe de toi, mon poulet. T'es trop un monstre. Vraiment. Ok, tu vois rien. Ok, Grumpy, contrôle-le. Doucement sur le stuff. Hein. On perd beaucoup de stuff. Ouais, exactement. Avance un peu à la limite, Alro. Ok, essaye d'avancer léger là. Reste à ta gauche, là, près du lit. Le pied du lit. Ok, vu. Ok Alro, vas-y, laisse-moi passer à gauche, je vais mettre sur son épaule. Prends ton arme Alro, et passe derrière moi. Ok, bouge plus.
On est bloqué. Ok, pas, là, prends là, ton arme et passe devant, passe devant, t'inquiète, t'inquiète. Face à moi, porte en métal ouverte. Aïe. Ouais, Afi, qui vient sur un jardin. Ouais, Afi. Ouais, Afi. Avance un petit peu, Marcus, pour qu'il puisse passer. Ouais, bouge plus. Géouf 91, passez droit au campus. Vous pouvez pas passer de la. Alors, tu peux te mettre à droite, tu peux faire main courante à gauche et tu regardes à gauche. Tu fais main courante à droite et tu regardes à gauche. Regarde à gauche. Colle-toi contre le paravent. Nice. Police, get down! Get down and put your hands up! LSPD, ça vient dehors. Put your hands up! Ah, fille. Et Kosso sur la porte ouverte à ma droite. Ouais, je pense qu'on va devoir croiser. Hein. Je peux balancer une grenade là sur la porte métallique ouverte là si vous voulez. Ça va être dehors, ça va être dehors. Ouais. Faudrait essayer d'aller fermer la porte et de traiter la pièce et après d'aller dehors. Bien pris. Bah, du coup, ça veut dire Marcus, la porte qui est à T1h, ça donne quoi? Elle est ouverte. Les gars, j'ai la porte à 11h, ok? Alro a la porte à 11h aussi. Fais gaffe, Alro, si ça décale, il te voit avant moi. Prends la porte à 11h. Si on gueule, c'est que ça vient de la porte à 11h. Marcus, la porte à 13h, s'il te plaît. Ça donne quoi derrière le paravent? Elle est ouverte ou pas? Elle est grande ouverte. Ouverte à l'extérieur. Ok, bah faut commencer à vous ouvrir. Il va falloir que tu avances un petit peu, Marcus. Le problème, c'est que si t'avances, attention à tes 9h, s'il te plaît. Une fois. Quand on est en train de donner les indications comme ça, ça veut pas dire que c'est le top de l'indication, les gars. On est encore en phase de discussion, en fait. Donc, va falloir que t'avances, mais à tes 9h, il y a une fenêtre. Si tu te lèves, vas-y. Vu la fenêtre à tes 9h, check. À tes 9h. Oui. Ok, voilà, c'est ça le problème. Donc du coup, va falloir que tu avances, va falloir faire main courante à gauche, et va falloir que tu restes baissé, tu vas y aller tout seul du coup. En ouvrant ta ligne, du coup, en faisant main courante à gauche sur la porte qui est à tes 13h. Top. Okay. Si c'est la merde, tu reviens. Ok, pris, Marcus, t'essaies de... Grumpy, tu peux faire la même... Ok, stop. Ok, là où je suis, je peux pas bouger. Stop, on n'en parle plus. Elle, on l'a fait venir. Elle est rendue, ok. Je reload, quelqu'un la garde en joue, please. Ouais, j'ai. Je la vise, je suis garé, je la vise. Je vais ramener chez moi. T'as un monstre, poulet. J'ai la vue sur l'ouverture de la porte à une heure. Moi, j'ai la porte à 11h. Bien pris. Al, reprends ton shield, mon poulet. Reste debout, on est bien. Tu la gères? Allez, essaye de la faire venir, si elle veut bien. Ok. Grumpy, gère la poule. Gère la. Ouais, vas-y. Tu la prends. T'emmènes le paquet. Marcus, en vrai, du coup, tu peux faire un bond jusqu'à l'arche, s'il te plaît, d'accord? Parce qu'elle me fait peur, elle a resté là. Jusqu'à l'arche. Fais gaffe à gauche, du coup, à te mettre à tes 11h, s'il te plaît. C'est la porte de 11h. Grumpy, la fenêtre, s'il te plaît. Allez, vas-y, désengage. Face à moi, une porte ouverte qui donne sur une autre pièce. Ah, fucking hell. La porte donc, ok. Ok, Alro, tu peux faire une ouverture d'angle, s'il te plaît, sur la porte de droite, à tes 1h. Rien face midi, je peux m'avancer pour la fermer. Ok, tu y vas doucement, tu fais ça. Mais j'ai rien pour la wedge. T'es tout seul, hein. Ouais. Ça tire, désengage. Ça me tire d'en haut d'en haut d'une hauteur. Ouais, mais désengage, ça veut dire. Ouais, mets-toi debout. En haut 9h ou. Passe midi de la porte. Ok, c'est trop la merde là pour le moment, okay. Les gars, on désengage totalement, d'accord. Allez, Alro, tu peux désengager, je reste avec Marcus, vas-y, barre-toi. Marcus, tu peux venir en arrière, allez, let's go. On se casse. Je ferme derrière toi. Vas-y, c'est trop la merde là, y a tout. Faut wedger les poulets. Attends, j'avais peut-être une, hein, je le dis, mais normalement. Non, négatif, j'en ai pas, j'ai besoin d'une wedge, les gars. Ah, j'y vais. Attention, on peut pas passer, on est trop gros, les gars. On est trop gros. Ah, ouais. Enfin, surtout toi, quoi. C'est le bouclier, ça. Et pousse-toi, nom de Dieu. Marcus, laisse-moi faire, vu que j'en ai le plus. Merci infiniment Stars Gamer, c'est un putain de monstre. Vous savez, ces genres de subs sur un jeu qui n'est pas Rainbow Six, je vais pas vous mentir, ça compte double.
Donc il a pas offert 10 mais 20 pour moi. Droit de scolarité à 10 personnes différentes, 20 personnes différentes du coup. Zimble, Mister Collagame, Joss du 06, Ozzy, Jack Pastis, Mosaïque, Yaku, Dark Spetnaz. Ça faisait longtemps Dark Spetnaz. Bosco, CG et Geoff se font tous payer leur droit de scolarité grâce à la putain de générosité de Stars Gamer 8. Et merci Opal pour les 3 mois, vous êtes des monstres les amis. Ok, j'avais un problème radio, je suis là. Ok, je check la porte qui donne là. Ok. J'ai pas de piège sur la porte que je suis en train de checker actuellement. À gauche, on a un mur, du coup c'est safe sur la gauche. On a un sort de couloir qui part à 3h qui donnerait sur ce qui semblerait être l'extérieur, donc qui pourrait être possiblement un jardin. Meuf là-dessus, en gros si vous on ouvre la porte et qu'on pique, on peut ouvrir la porte en grand, il n'y a pas de souci. Il y a une ouverture à 2h de la porte. Et quand vous ouvrez, vous mettez main courante à gauche du si, en gros quand on voudra avancer dans le couloir. Ok, vas-y grimpe. Passe avec Elro. Vas-y, je le fais. Ok, vas-y, excuse-moi. Vas-y, viens, Martin. Dodge. Vas-y, Elro, quand tu veux. 3, 2, 1, je pique. Je vais pousser la porte direct, ok? 3, 2, 1, je push. Je prends ta face midi. Ah, t'es 11h, pardon. Y'a rien. Attends, laisse-moi travailler juste derrière la porte. Je pense qu'il y a... Y'avait rien à 9h, de toute façon. Non, c'est ok, autant pour moi. Je me rappelle plus, ouais. Vas-y. Quand tu veux, grimper à toi. Ouais, j'ai une petite ouverture là. C'est ce que j'expliquais, qui donne. Ouais. Ah, mais 11h, ouais, qui donne sur un autre jardin extérieur, oui. C'est ça. Du coup, Mef, tu vas rester main courante à droite, on va faire gaffe, parce qu'en fait, tu vois, là, j'avais pas fait gaffe, mais les barrières, là, sur ta gauche, il y a des trous, il y a des espaces. On voit au travers, ouais, on voit au travers un petit du peu. Du coup, ouais. Tu vas te mettre main courante gauche, en fait. Ouais. Vas-y, quand tu veux, poulet, je te suis. Ok, l'autre shield, main courante droite, let's go, allez. Yes. Ton shield, Marcus. Ouais, ça prenait. Vas-y, let's go, vas-y, vieux. Main courante droite derrière le shield. Et je serai derrière, comme ça je pourrais faire la même chose que tout à l'heure, moi je garde la flash. Grumpy, vas-y, prends le lead. Ok, Alro, tu vas avancer en crabe pour checker en fait entre les ouvertures entre les planches, s'il te plaît, poulet. Pour protéger en même temps Marcus et, et la colonne de droite. Entre les planches, je vois rien du tout, moi. Non, tes planches à ta gauche. C'est bloqué. Elles sont bloquées, ouais. Elles sont bloquées par les planches de bois que tu vois pas au-dessus de ta tête à gauche au final. Mais quand quand tu vas faire 3 mètres en avant, du coup, attention aux lamelles quoi. Donc faudra tout de suite prendre l'information à 9h. 3 mètres avant d'arriver au bout là de la porte, de l'ouverture, au final, c'est comme s'il y avait une ouverture à 1m50 devant toi là. Main courante à gauche. Ouais. Là encore 1 mètre à gauche. Ouais, c'est vrai, je commence à avoir du visuel. Ok. Donc si je vais parler comme si j'étais à la porte, la face midi de la porte. Ouais. Ok. Y a rien, c'est clear. À 11h, y a rien. Ok, avance en parallèle Marcus, ouais, voilà, parce qu'au cas où s'il y a un pack qui arrive. Plus loin qu'11h, je vois pas. Ok, reçu. Ouais. 10h et 9h de l'ouverture, je vois rien. Avance-toi maintenant direct dans l'ouverture de la porte. Okay. Voilà, nickel, impeccable. Et Marcus, 9h, rien, c'est fermé. Impeccable, normal, il vient de le dire. Du coup, et Marcus, tu peux commencer à faire une ouverture d'angle et sur la droite. Et au niveau du. Et à dépasser le baril là. D'accord ? Sur 3h. Et vieux Roxor, vas-y, allez, mets-toi derrière lui. Une porte fermée face à moi, juste tout de suite à droite. Ok, reçu. Tu peux prendre. Wedge. Une ouverture à tes 11h, Marcus. Ouverture à tes 11h. Ok, tu la prends, vieux Roxor, s'il te plaît. Moi, je continue avec Marcus. Ah non, ok, attends, vas-y. Non, tu continues avec Marcus, je prends le 11h. Vas-y, tu peux continuer à couler avec Marcus. Ok, la porte elle est wedge, hein, c'est ça hein. Je prends les 11h. Ouais, porte wedge, c'est celle qui doit donner, je pense, dans la cuisine. Ouais. Ok, bah si tu veux, tu peux décrocher vu que là on est trop. Ou alors okay, je décroche. Bien pris. Vas-y, j'y vais. Ok, vas-y, décroche, t'as raison, autant pour moi, c'est à moi. C'est à toi. À droite, je sers à rien, ça cuisine. Ok, doucement, Marcus, doucement. Reste là où t'es, là. Faites gaffe aux hauteurs, les gars, mets aux hauteurs. Ouais, je surveille. Là, vous êtes en train de.
Ok, recule, juste... recule, attends. Écoute, avec le shotgun, vous allez rien pouvoir faire de toute façon là. Allez vous coller main courante à droite là, restez pas en plein milieu comme des lapins de garenne, please. Faites main courante à droite, main courante à droite, frérot. Voilà, derrière ton shield. Reste debout quand tu te déplaces, Alro, toujours, quasiment. Alro, j'ai ouvert la porte. Eh, Alro, tu peux te mettre. Tu peux passer la porte qui va être ouverte de Grumpy à droite. Ouais. Allez, vas-y. Je passe. Mets-toi au niveau du coin du mur. Et Grumpy, tu le suis. Allez, en avant. Ok, j'avance. Ok. C'est comment, Marcus et Bjorkfort ? La porte en face de vous, elle est fermée. Elle est fermée. Fermée en bois. Ok, est-ce que vous pouvez la wedge ? Ah, négatif, tu peux la check, hein. Ok, oui, mais au cas où s'il y a quelqu'un qui la pousse à tout moment... Juste à travers les planches, on peut avoir des infos aussi. Hein. On peut okay, wedge encore. Non. Okay. Ok, bon c'est pas grave. Vas-y, Alro, quand tu veux poulet, tu fais main courante droite et on les recolle. Allez, go. Moi je peux la wedge, hein, j'en ai encore. Ok, vas-y. Vas-y, fais gaffe. Ouais. Voilà, nickel. Ok, Alro, mets-toi à la place, ici, là, à l'arme, main courante gauche, de l'arme, le petit arme. Voilà, nickel. Et mets faux hauteur. Ok. Je vais m'avancer. Marcus, est-ce que tu peux passer à gauche de la porte, juste pour protéger les lames. Regarde, voilà, les planches, on peut voir à travers. Ouais. Ouais, voilà, c'est pour ça que je voulais qu'ils se mettent là. C'est bon, je suis collé. Ah putain, je vais rien voir. En fait, ça donne sur un jardin, j'ai l'impression, mais je vois rien parce qu'il y a beaucoup d'herbe, en fait, Tu peux pas le faire par-dessus ? Ah, je vais essayer, il y a un espace... Ah. Ah, c'est nickel. Ah ouais, pointe des pieds. Ok, voilà. Ok, on est dans un jardin avec à l'intérieur de jardin, j'ai visuel sur deux serres. Serres avec les portes ouvertes. Pour l'instant, j'ai pas de pack sans visuel, mais meuf, parce qu'à notre main courante droite, sur 10 mètres, on a la façade de la maison avec une fenêtre que je vois là à 5 mètres après l'ouverture, une fenêtre qui est ouverte, les volets sont ouverts, donc possibilité de qu'il y ait du pack derrière la fenêtre. J'ai sur la gauche, c'est un mur de barricade comme on a actuellement dans le jardin. Il n'y a personne et j'ai pas d'autres visuels en fait. Ok, comme d'hab du coup, hein. On va pick, dry du coup et on s'adapte. À toi de gérer, hein. Moi je prends toujours l'ouverture de face à 11h, enfin l'ouverture à vos 9h là, dans la palissade. On va regarder ma cam de toute façon. Ok, je recule. Alro, est-ce que tu peux venir sur ma position ? Voilà, nickel, t'es parfait. Au top, Marcus... je pique. Hein. Ouais, voilà, nickel, quand tu veux. J'ai Roquefort, fais gaffe, poulet, aux hauteurs. Ouais, c'est les hauteurs. Ouais, justement, je suis en train de. J'ai visuel sur la porte de la serre à 11h. Je vois rien, aucun contact. Ok, si alors. Sens, Alro, t'as pas besoin de bouger, poulet. Je suis sur ton épaule, moi. J'ai le visuel sur la porte. S'il y a un pack qui se dévoile. Okay. Au midi de la porte, un accès souterrain. Ok, j'avais pas visuel en fait par rapport à l'angle que j'avais. Ok, du coup, l'accès souterrain il est où ? Il est juste quand tu ouvres la porte, il est 2 mètres plus loin. Midi. Face à tes midi ? Face à midi, 2 mètres plus loin. Ok, du coup, on ouvre, on a un accès sur un souterrain face à nous, quoi. 2 mètres plus loin, ouais, c'est ça. Ok, du coup, meuf sur ça. Est-ce que t'as un visuel ? Tu sais s'il y a du. Comment ça se passe ? S'il y a une porte dans le souterrain ? Non, je vois rien du tout là pour l'instant. Hein. Okay, reçu. Si, il y a une porte dans le fond, il y a l'air d'avoir une porte, elle a l'air fermée. Ok, reçu. À confirmer si c'est vraiment une porte ou c'est juste un éclat. Ok, reçu. Je vais essayer de mettre la lumière, si tu peux voir. Ah, vieux Roquefort, ouais, est-ce que si tu arrives à voir Je vois que sous terrain, mais à mon avis, il y a une porte, ouais. Ok, reçu. Vas-y, on continue dans l'objectif qu'on avait là, de ce qu'on s'était dit. Du coup, là maintenant, tu vas essayer de, Marcus, de te mettre à la place de la porte, mais tu as poussé légèrement. Ouais. T'opens pas la porte, mais tu la pousses un peu. Y'a eu écosson ou pas ? Attends, non, deux secondes, juste fais gaffe à tes 10 heures. Hein. Ouais, j'ai vu. Ah, ok, elle est poussée. Nickel. Bouge plus, là on attend. Vous pouvez essayer d'appeler là pour voir s'il y a du monde dans le jardin là, au cas où. Dans ce terrain, c'est une porte, mais sans, c'est une ouverture sans porte. Ok, reçu. J'avance juste un petit peu pour prendre l'info au 10h de Marcus. Ok, reçu. Normalement, c'est race au 10h de Marcus, j'avais regardé. 10h, je vois rien, mais il y a un petit renfoncement sur la gauche. Le petit coin de la palissade en bois.
Ça, enfin, on n'a pas bien visuel sur l'angle mort. Ok, monsieur. Ok, pas de. Et à 9h, à 9h, ça paraît ras, mais j'ai pas visuel avec l'angle mort aussi. Monsieur. Ok, écho son, vous avez écho son, ouais, ouais, loin. Ça a l'air d'être loin. Ok, Six, est-ce que tu peux venir sur position? Ouais, bien pris. Police, don't move. Toi, Six, t'es au VKS, non, t'as le... Ouais, ouais, ouais. J'ai peur, okay, haute, j'ai peur des hauteurs, là. Ouais, ouais. Alro, tu peux venir me chercher, s'il te plaît? Ok, je garde l'angle, du coup. Oh, fais gaffe aux hauteurs, là, s'il te plaît. J'ai la visu, ça va, cœur. Vas-y, go. Allez, top. Ah, mais t'es au shotgun, du coup. Ouais, mais moi, j'ai l'info, quoi. Ma fille. Ok. Là, en fait, ce qu'il faudrait, c'est un mec en appui en arrière. Et là, en fait, il va falloir qu'on progresse. Là, on n'a pas le choix. On peut pas rester là indéfiniment, pardon. Ok. Est-ce que Roquefort, tu peux envoyer une smoke dans le... Non, garde-les pour le moment. Essayons de faire en sorte de les garder, poulet. Grimpe. Ouais, ouais, non, c'était juste. Je me disais pour la cave, au moins pour être sûr qu'il y ait. On a 4 de smoke. Ouais, mais c'est pas. J'ai encore toutes mes smokes, moi j'en ai 9. Hein. Ok, non, bah c'est pas grave. Okay. Non, oui, juste au moins vous savez quoi. Non, non. Okay. Là, faut essayer de faire un truc dry, mais à chaque fois qu'on fait un truc dry, du coup, faut juste pas être naïf et réfléchir à comment on désengage. Est-ce qu'on court vers le problème ou est-ce qu'on désengage et on revient? Et comment est-ce qu'on le fait, quoi? D'accord? Faut juste l'annoncer au shield, quoi. Dès que c'est un problème, bam, tu reviens de 3 mètres en arrière, tu repasses par la porte, quoi. Ou alors, s'il y a un problème, dans ce cas-là, tu pushes directement sur le gars, quoi. Ok, bah là, il n'y aura pas de push sur le gars, c'est beaucoup trop étendu, de toute façon, ok? Donc on désengagera. Le truc, à mon avis, Grumpy, je pense que Marcus plus vieux Roquefort doivent aller directement rentrer dans le souterrain, profitant du fait qu'il n'y ait personne là pour le moment pour nous tirer dessus, à la limite, ok? Prendre l'accès du souterrain, et derrière, nous les trois, on sera bien assez pour essayer de voir ce qui se passe au niveau du jardin, quoi, ok? Ah, fi. Ok, on peut faire ça. Juste Marcus, tu restes debout. Bref, les gars, quand vous avancez là au souterrain, il y a la fenêtre, hein, sur votre... Enfin, façade droite, là, hein, sur la façade de la maison à votre droite. À votre droite. On voit à vos 3 heures. Ouais, c'est bon. Ok, bah Marcus, tu peux commencer à prendre une info à la limite tout seul et à la limite et au top de vieux, vous passez directement et vous tapez directement dans le souterrain, quoi. Mais tu peux commencer à prendre une info. Pousse la porte déjà. Sur le souterrain. C'est bon, là je vois le souterrain. Ouais, d'accord, ok, mais va falloir rentrer dedans, poulet. Okay. Bah, je peux commencer à descendre. Ouais, d'accord, ok, mais va falloir que t'emmènes vieux Roquefort avec toi, poulet. Donc, déjà commence à ouvrir la porte là, qu'on ait un peu plus d'angle, que ça commence pas à lui tirer dessus. Merci. Ok, et au top, vous suivez et vous tapez dans le souterrain. Allez, 3, 2, 1, top action. Allez, 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 on s'arrête pas. Je remplace à la porte. Ouais, parfait, impeccable. J'ouvre à 11, à moi gauche, je fais, rien, j'ai face midi, doucement. Ok, je joue le souterrain, je suis dedans. Moi j'étais 11h, Alro était 9h. Et tout de suite à droite, ça ouvre de fou. C'est une ouverture hantée. Juste on place à la porte pour l'instant. Ok, ouais, vous en vrai, bougez pas, vous êtes pas... C'est bon, ça devrait être bon. Elle vient vers nous. Je reload. Chargeur. Je l'appelle. Vas-y. J'ai pas de ligne. Tu as une ligne, Grumpy? Négatif. Moi, j'ai les. J'ai les 10h et les. S'il te plaît, elle arrive à tes 11h. Prends la ligne. Prends la ligne sur elle. Ok. 11h. Là, en face de nous, elle est. Elle est à vos midi. Ouais, non, 11h quoi. Juste à gauche de l'entrée du souterrain. Elle vient là. Recule, Alro. Recule, Alro, s'il te plaît. Je l'ai pas moi, faites gaffe, please. Là, tu vas l'avoir maintenant. Ok, c'est bon, je l'ai. Ouais, j'ai visuel dessus. Allez, Alro, tu vas la coiffer par la gauche et tu te remets à la porte, s'il te plaît. Vas-y, Grumpy, tu peux la gérer quand tu veux. Fais l'avenir. Ouais, je vais le faire. Attends, je vais faire. Ouais. Ok, Alro, mets-toi à droite de la porte, s'il te plaît. Merci. Ok. You have the right to remain silent. Anything you do or say can be used against you in a court of law. Then good to go. Ok, c'est bien géré ça. Le problème là, c'est comment on fait pour la faire partir de la zone, quoi. Bien vu. Bah, là, on ferme la porte et Alro t'accompagne pour que tu puisses aller l'extract là. Ok. Après, là, Roquefort et Marcus, vous êtes là derrière. Tout est safe là derrière. Non, négatif. Il y a les hauteurs. Il y a les hauteurs. Alro, Alro, pousse-toi à gauche. Je ferme la porte. Allez, let's go. Ok, la porte est fermée, les gars, vous êtes que tous les deux. Alro, fais gaffe aux hauteurs, s'il te plaît, tu accompagnes Grumpy.
Moi je vais réouvrir la porte sur un petit angle. Devant moi, poulet. Voilà, nickel. Vas-y, allons. Non, putain, attends, je vois pas où je suis. C'est bon. Tu veux que je me mette devant toi? Mets Fauteur, oui, t'es pas obligé de prendre vue, Roquefort. Mets ta cam sur WAM, poulet. Vas-y, nickel, c'est bon. Mets ton T sur WAM. Ouais. Ah, ok. Bon, en fait, j'essaie de l'activer, mais. Ah, c'est bon. Ok. Ok, contrôle PAM, les gars. Hein. Rasse. Ok, PAM rasse pour moi. Vous avez fait quoi? C'est bon, Grumpy, vous? Ouais, c'est bon pour le PAX. Vas-y, okay, remettez-vous en place, du coup. Ouais. Alro, je suis derrière toi. Quand vas-y, tu veux, j'avance. Les gars, vous pouvez commencer à travailler doucement dans la cave en bas, hein, si vous voulez. Hein. Ouais. C'est une ouverture en T. Vas-y. Mais okay, doucement, quoi. Je prends l'info à droite. Ok, vous savez quoi? Laissez-moi prendre la ligne exactement que j'ai. Tape dedans, tape avec eux, s'il te plaît. Fais un grand tout droit. Grumpy, tu suis directement Alro, ok? Et vous tapez à 4 les sous-sols, d'accord? On décante au moins une un truc, quoi. Allez, top. Vas-y, Alro. Alors, il y a quoi à droite? À droite, ça ouvre à droite. Hein. Je suis derrière toi, Alro. Ouais, ça a l'air d'être un couloir. Ok. Fais gaffe, n'avance pas trop. Hein, je vois l'angle à ta gauche aussi là. Ok. Bah faut le faire en crochet, je pense. Hein. Ouais. C'est bon, j'ai Grumpy, regarde sur monter. Tu vois rien sur l'angle à droite, c'est bon? À droite, je suis en train de l'ouvrir doucement. Ok. Je me à mets droite, derrière c'est toi. Une pièce et je vois rien, c'est bon. Tu peux pas la peine, je prends votre bouchon arrière. Je prenais juste la fenêtre parce qu'en fait. Ouais, ça marche. Ok, Alro, moi j'ai ton épaule droite, vieux Roquefort, toi t'as l'épaule gauche. Ouais. Ok, Alro, dis-moi ce que tu vois, poulet. Là, ben je vois rien, je vois... À gauche c'est fermé, et l'ouverture à droite. Ok, bah si à gauche c'est fermé, tu vas te mettre main courante... Attends, bah... Roquefort, est-ce que tu peux décrocher du coup, parce que là je peux pas Ouais, nickel. Juste regarde quoi, le bouquet. Tu peux te mettre main courante en droite, Alro, s'il te plaît? Vu qu'il y a à gauche et Ras. Ok, voilà, nickel. Ok, Roquefort et Marcus, vous faites de même, vous ouvrez votre angle et vous avancez. Je me mets sur ta cam, Marcus. Vieux Roquefort, pardon. Progresse. Prenez le temps, hein. N'hésitez pas à balancer des si allumes. Affi. Ok. Ok, face à moi. Ok, stoppez votre progression. Face à moi, une porte en bois fermée. Ok, bougez plus, nous on avance. En fait, on va avancer chacun de nous. En fait, on va faire une petite avancée à gauche, une petite avancée à droite. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ok, Alro, à toi, poulet. T'avances, tu ouvres ton ongle. Ok, écho voix. Écho son à gauche, mais à gauche c'est fermé, donc c'est peut-être en haut. Sors pas ton arme, Alro, si. Parce que tu peux te faire un tir c'est dans pour la lame, sinon je vois rien, tu vois. Ah oui, Afi, ok. Parce que là je vois que dalle, vraiment. Ok, bah colle-toi bien au mur alors, poulet, parce que là tu donnes ton flanc. Ok. Essaye d'avancer un peu, bouquet. Est-ce que tu vois quelque chose, Alro? Ok, je tombe sur un couloir. Fond du couloir, je vois rien. Le couloir, il mesure à peu près 15-20 mètres. J'ai une ouverture sur ma gauche à 3 mètres. Et après, là, pour l'instant, je ne vois plus rien. J'ai une ouverture aussi en haut, sur le toit. À la même distance que l'ouverture à gauche, c'est-à-dire 3 mètres. Une ouverture en haut. Reçu. Ok, je vais me mettre sur ton épaule gauche pour avoir un visuel. Vas-y. Vas-y. Ok, Afi. Ok, je vois. Ça marche. Ok, Viroquefort, je me mets sur ta PO, sur ta caméra, pardon. Vas-y. Et je te laisse, du coup, toi, ouvrir pour que je puisse voir ce que vous avez de votre côté, en fait. On a juste une porte en face. Ouais, doucement focus, les gars, vous êtes bien. Hein. Est-ce que vous pouvez la wedge, la porte? On reste vers la porte. Laissez un couloir, hein, et on peut pas être débordé sur les flancs. Ok, reçu. Je vais remplacer la porte, tu peux le wedge? T'as pas de wedge? J'ai pas de wedge. Ok, je le wedge. Est-ce que tu peux wedge toi? Ok, ouais, nickel. J'en ai. Ça a l'air de donner sur l'extérieur, hein. Il y a de la lumière qui passe sous la porte. Ok, reçu. C'est wedge. Ok. Ouais,
Du coup, Marcus et vieux. Merci, Minéné. Tu marches arrière. Rockfort, ouais, voilà, vous recollez sur nous. Vous... En gros, vous allez prendre ma position, moi je vais aller checker sous la porte. Ouais, ça marche. Vas-y, bah on peut laisser à la limite juste à droite avec son bouclier pour pas s'exposer. Oui, ouais, ouais, ouais. Moi là, je suis bien là. Ouais. Ok, je check sous la porte. Ok. On a un couloir. Face midi, j'ai une porte fermée à 5 mètres de dans ce couloir et j'ai une brèche sur la gauche, enfin une ouverture sur la. Un truc qui partirait sur la gauche, mais j'ai pas visuel de ce que c'est. Donc okay. On peut avancer sur cette porte. Alro, tu restes en couverture avec vieux crouton. Marcus, tu recolles sur moi, s'il te plaît. Vieux crouton. Vieux crouton. En même temps, quel pseudo de merde. Non, mais c'est vrai. Je suis à ta gauche, Grimpy. C'est quoi ton pseudo? Vieille pute, j'adore. C'est vieille pute. C'est clair, non mais forcément, on se trompe. Vas-y, ok, Marcus, quand tu veux, tu piques la porte. C'est pique. Ok, mais toi, remplace là. Putain, je peux pas. Je vois rien, il y a un éclat. Ouais, ouais. Ok, je vois la porte en bois en face qui est fermée. Ok, tu peux pousser la porte s'il te plaît? Ouais. Elle est poussée là? Non, mais mets-toi devant, remplace là en gros si tu peux. Voilà, nous. Ok. Ah ok, c'est bon, j'ai un visuel sur la porte. Ok. C'est bon, ok. Ouais, il y a une ouverture à gauche. Ok. Bouge pas, j'étais midi. Vas-y, attends, je peux ouvrir légèrement en m'inclinant pour le 3h. Bah je vois rien, donc comme ça. Bouge, je vais entièrement la porte. Ok, à 3h, ça a l'air de partir aussi à droite. Hein. J'avais pas visuel sur cette ouverture, ok. Ok, tu vas avancer, main courante, ouais. Gauche. Ouais. Voilà, et moi je prends. Ok, c'est un cul-de-sac à droite, hein, c'est fermé. Ok, et c'est une porte à ta gauche. Ok. Ok, on wedge bon, les deux vois. Portes. Ok, on wedge les portes, poulet. Vas-y. C'est okay. Wedge. Et comme ça me permet de checker en dessous et qu'on peut, et qu'on peut, on pousse pas la porte sur la gueule quoi. Yes. Ok. Alors là, face midi, on a une porte qui semblerait être une cave à vin avec plein de machins. C'est-à-dire on a beaucoup de trucs qui nous bloquent la vue en fait. Il peut y avoir des packs cachés derrière ces cubes en fait. Ça a l'air d'être une grande pièce. Pour l'instant, Raj, j'ai pas de visuel sur du Pax, il n'y a pas de piège à la porte. Du coup, ok, et je vais checker justement celle de gauche. Ok, celle de gauche, elle donne sur le couloir qui est face à vous, Alro. Okay. Là, j'ai visuel okay. Sur la sorte de de truc au plafond. Ok. Ok, du coup, face midi, j'ai visuel sur le couloir en fait que tu disais, du coup, qui est à tes 11h. Ouais. Il y a une porte fermée. Écho-son. Ouais. Écho-son à mes 11h justement, je crois. Ok, bah j'ai visuel sur ce que ça donne. Pour l'instant, je vois rien et je il y a pas de Pax. J'ai une porte face à mes midi, à tes 11h, une porte ouais. Fermée. Et okay. Race, je n'ai pas de visuel. Du coup, nous, ouvrir ta porte, garder visuel sur la porte à mes 11h fermées. Moi, je vais devant, je la bloque avec le shield. Quelqu'un vient pour la wedge. Ouais, on peut faire ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que moi, je pense que c'est mieux que Six, limite, tu prennes ma place et que moi, je prenne la couverture arrière. Ou alors... vu que toi avec les fulgus c'est plus, enfin ce sera plus simple pour la deuxième pièce qui est une grande open space en fait. Ok, comme t'auras tu veux. Plus d'impact. Oui, ce sera mieux. Ok, j'arrive sur toi, Six. Ok, bien pris. Y'a personne. Okay. Tu gardes la ligne face 11h là. Ok, ah oui, je prends. Ok, merci. Je voulais prendre ta position. Ok, vas-y, quand tu veux. Ok, je recule. Ok, nice. C'est bon, je suis en place. Je referme la porte, je repique la porte. Ok, c'est bon. Ok, moi j'ai pas les infos les gars. Enfin, je les ai écoutés, mais vite côté, fait. L'autre côté, Six. L'autre okay, côté, ouais. Bien pris. Tu suis les Chem Lights. Ok, qu'est-ce qu'on fait?
Ok, Six, moi je peux te donner, Du coup, en fait, Marcus, là je suis sur ta PO, je suis sur ta cam, Six. Du coup, j'ai face à tes midi, Six, tu vas avoir une ouverture, un couloir face à tes midi et un couloir qui part sur ta droite aussi. À ta droite, t'as pas besoin de le prendre parce que Alro est vieux long. Toi, en fait, le plus important, c'est le couloir qui sera à tes midi parce que, en gros, ça protège les 11 heures de Alro et de Crouton. Enfin, bien de pris. Vieux. Donc, décalé, vieux. Sec et check midi, quoi. Mef midi, c'est quoi. C'est ça, affirmatif. Ok. Je unwedge. Il n'y avait pas de piège ? Je pique la porte, je vais checker un piège, du coup. Pas de piège. Marcus, je vais pousser la porte par-dessus ton épaule. Il n'y avait pas de piège, hein. 3, 2, 1, je la pousse. Tu vas te décaler légèrement à droite quand je la pousse. 3, 2, 1, okay. Top. Stop. Je mets de la lumière. Vas-y, je peux le faire pour what? Ok, face okay, midi, j'ai je vois. J'ai visuel sur le face 11h. Oh, c'est dégueulasse. Je vais gueuler, les gars, ok? En avant. Hands up, don't move. Police, get down. Slowly get down on the ground. Là déjà, ce qu'on sait, c'est que par exemple, Alro et vieux, vous pouvez avancer, ouais. Vous pouvez faire un bond de 5 mètres, comme, ils ont pas visuel sur mes midi, ils ont pas visuel sur mes 11 heures là. Ouais. Comment ça, ils ont pas visuel sur tes 11 heures? Je suis sur la cam du lieutenant, je vois pas sa lampe allumée, moi. Mais c'est parce que je suis là. Non, négatif, je vois pas votre lampe. Négatif, je crois que c'est pas la même pièce. Hein. Non, vous êtes dans une pièce. Non, c'est pas du tout la même. Les gars, venez, décrochez, on va la jouer à 4, la pièce dans laquelle on est. Ok, on l'a fait dry. Si, décroche. Ok, non, laisse tomber. Laisse ton shield à la limite tout seul. Alors, reste tout seul, viens avec le shotgun. Reste là, garde. Voilà, s'il te plaît. Pour voir ce qui se passe. À la limite, tu prends ton arme et prends une ligne cassée et voilà quoi. Ok, ouais. On y va dry. Du coup, ça ouvre à droite, poulet. Hein. Ça ouvre à droite, hein, Marcus. Hein. Okay. Ça ouvre à droite et à gauche. Donc, essaye de travailler tout seul et je m'adapte, ok? Mets-toi en deuxième de colonne, toi, derrière moi. Comme ça, moi, je peux balancer par-dessus ton épaule une impact, vieux. Ok, je commence à ouvrir. Fais gaffe, ça ouvre à droite et à gauche. Donc, je commence à ouvrir à gauche déjà, je suis masqué par la porte. Gueule déjà. Ok, à gauche j'ai des tonneaux et j'ai le fond de la pièce. J'avais pas de visuel derrière les tonneaux. Ok. Je vais ouvrir à droite. Ok, à droite j'ai encore. Putain, j'ai encore une autre pièce avec une porte en bois fermée dans le fond. Et c'est assez exigu. Je propose de faire ma courante à gauche pour rejoindre le fond de la pièce qui est à ma gauche. Ok, moi je peux ouvrir à droite derrière vous à la limite quoi. On peut faire ça. Ok, allez, c'est parti. 3, allez, j'ouvre à gauche. 2, 1, top, tranquille hein. Allez, vieux Rockford, tu suis. Doucement, on n'est pas naïf. Ça me fait peur. Ok, 3 heures, ça réouvre en fait, les gars. Ça donne sur l'autre pièce là. Moi, derrière les tonneaux, c'est Ra 5-5-5. Avec Osson à donf, hein. Ouais, mais deux grands. Il y a une autre porte ici. Ouais, ici. Et là, j'ai une porte sur moi face à midi. Je peux la wedge. Vous pouvez wedger de votre côté, please? Ouais. Coucou. Moi je suis pas super bien là. J'ai plus de wedge. On arrive. J'en ai pas. Qui a des wedge? Donc. Ah, faut le dire ça vieux, please. J'ai des wedge, mais le problème c'est que je peux pas. Enfin. Je peux venir te remplacer à Alro si tu veux, si t'as des wedge. Non, négatif, j'ai pas. Ah ouais. Non, les gars, j'ai l'ouverture à droite. J'ai l'ouverture à droite. Vieux, va falloir que tu repartes en arrière et que tu prennes la cover de l'arrière et que moi je prenne ta place. Ok. Allez, en avant. Vieux, vas-y, go. Passe par la porte. Main courante à droite. Prends ton arme, poulet derrière avec le shield là parce que c'est trop la merde. Ouais. C'est bon. Vas-y, reste avec moi. Si je j'ai check porte, à droite. Hein. Ouais. Ok, vieux, remonte. Ah, cover de Grumpy, ouais. Ouais, fier. Vas-y. Hop. Mets-toi bien. Voilà, nickel. Vas-y. Alors, commence pas à faire des erreurs là. On y va doucement, tranquille.
Ok, je suis là. Du coup, je rentre à droite. Négatif, Alro, t'es dans le couloir, toi ? Ouais, je suis à l'angle du couloir à gauche. Solo, hein ? Ouais. Okay, okay, Grumpy, fais gaffe. Fais main courante à gauche, là, attends. Allez, vas-y. Ah, j'ai vu une lampe s'éclairer. Ok. Grumpy, fais main courante à gauche, frérot. Allez, go, passe derrière. Il y a une porte au fond, va checker directement ce qu'elle donne. Je pense qu'elle donne sur la porte qui est en face au final. Et là, il y a une wedge à récupérer au final. Ok. Vas-y, Marcus, avance. Ok. Il y a une porte en face, non ? À 3 mètres. Je check là, sous la porte. Ok. Ah, j'ai visuel sur la lumière de Alro ici, sur cette porte-là. Donc okay, ça donnerait sur Alro celle-là. Marcus, prends la place avec ton bouclier et tu piques la porte et tu piques. Ok. C'est pique. Si tu peux décrocher sur nous ? Je casse avec vous. Ok, nickel. Tu vois mon flash, Alro ? Il y a une porte en face, non ? Oui, affirmatif. Okay, parfait. Vous avez une porte à 2 mètres face midi ou pas, Marcus ? Je vois pas de porte. Oui, il y a une porte. Oui, bah c'est, elle donne dans la même pièce dans laquelle on est en fait. Ok, reçu. Ok, c'est une espèce d'entrée en T là. De merde. Mais jouez là, donc dans ce cas-là. Marcus, commence à jouer avec Grumpy du coup au niveau de la porte là sur laquelle vous êtes. Alro, tu vas aller voir, vous allez vous rejoindre, les gars. Ouais, mais moi j'ai l'ouverture sur ma gauche encore. Oui, mais eux ça va être à nos 9h. Ça va être donc Mef 9h, Marcus. La porte à midi, en revanche, pas Mef, tu t'en bats les couilles. Reçu. Ok, face à mes midi, donc à nos 9h. C'est une ouverture sans porte. Non, y a pas de porte, je pense. Si, porte ouverte vers nous. Oh fuck. Ok, ça veut dire Alro, tu peux avancer, faire main courante à gauche dans le couloir, ok ? Ouais. Commence à prendre une ligne, doucement. Tu fais main courante à gauche jusqu'à justement ce qu'il est en train de décrire là. Fais pas sans crabe de l'autre côté, Marcus. Je vois la porte ouverte, il y a des escaliers. Nickel. Ouais, j'ai des escaliers qui montent. Impeccable, on s'en bat les couilles, il faut la wedger celle-là, c'est celle-là qu'il faut wedger. J'ai pas de wedge au moins. Ok. J'en ai pas non plus. Je suis seul à en avoir. Ok, Marcus, ce que tu fais, tu main courante droite, tu fais main courante à droite, s'il te plaît. Midi. Fais gaffe en ouvrant ta ligne. Grumpy, vas-y, reste pas là, fais un gros okay, face 11h là. Face à moi, un couloir avec une grande pièce avec des barils dans le fond. C'est bon, on s'en bat les couilles pour le moment. Alro, tu restes là. Grumpy, tu restes là. Alors Marcus, tu décroches, tu reviens ici. Du coup, c'est cette porte là. J'ai une wedge visiblement, les amis. Attention, je pique. Tu prends ton shield. Vas-y, tu peux la pusher. Ouais. En avant. À 9h, y'a rien. À 10h, y'a rien. C'est la même pièce, poulet. C'est la même pièce. Ah, ok. Ouais, ça veut pas pour autant dire qu'elle est safe. Parce que le vrai problème, s'il y a un problème, c'est plutôt faire face une heure en fait. Ok ? Ouais. Tu vois à peu près où on est ? Ouais, je vois où on est, ouais. Ok, et face 11h aussi, je ne sais pas ce qu'il y a. Alro, Grumpy, commencez à faire une progression dans le couloir vu que votre cul est assuré maintenant. Allez. Affirmation. Je continue de rentrer dans la pièce ou pas ? Ouais, tu peux te mettre au niveau de la petite poutre qui a 1m50 à tes 11h là, je vais pouvoir passer derrière toi comme ça. On a une petite ouverture sur la droite là, Grumpy. Bien reçu. Ok, tu peux aller te mettre main courante à gauche, tu peux aller te mettre contre le baril là. Ouais, c'est vu. Les deux petits barils. Ouais, vu. Ok, ça ouvre. J'étais 11h moi. Petit renfoncement à gauche aussi. Le renfoncement à gauche, y'a rien, c'est clear, c'est bon. J'appare avant. Vous avez pas une porte sur nous encore à droite ? Dans le renfoncement à droite du coup. Je vérifie. Renfoncement à droite, oui, porte fermée. Eh bah, porte fermée, elle donne sur nous celle-là. Elle donne sur nous. Ouais, bah oui, bah attention, ça veut pas dire pour autant qu'il y a des pièges et ça veut pas pour autant dire qu'en face il y a rien. Donc on a envie que vous la. Ouais, on a envie que vous la jouiez. Ouais. Si vous êtes safe pour la jouer, vous pouvez la jouer s'il vous plaît. Face à moi, Six, ça découvre encore. Ouais, effet, ça donne sur vous. En effet, j'ai visuel sur vos lumières. Ok, vous allez pouvoir la jouer, vous allez pouvoir ouvrir quand vous voulez, mais attends deux secondes. Marcus, on fait exactement le mouvement inverse de ce qu'on a fait, on repart de l'autre côté, tu fais un énorme main courante à droite là en repartant. Enfin, tu regardes toujours face 11h, mais ouais, main courante à droite. Allez, let's go. Reçu. Ça rigole. Allez, tu repasses par la porte, viens mon poulet. Let's go. Je te laisse passer devant, ici, sur cette... Viens, derrière toi, on est bon. Ok, c'est bon, vu. Et let's go, maintenant tu fais main courante à droite, frérot. Okay. Avec le shield. Main courante droite. Vas-y, t'arrêtes pas. T'arrêtes pas, main courante droite. Laisse-moi la place de pas rester derrière toi. Main courante droite, c'est. Pensé par les tonneaux. Ouais, mais. Face, tu vois pas où on est en fait ? Si, on a fait juste le tour là. Ok, bah vas-y. Main courante à droite, toujours.
Ok. Et quand tu vas commencer à faire une ouverture d'angle là, t'as une porte à droite. Ok. Ouais, vu. Ok, c'est la nôtre, c'est par là où on est arrivé. Donc tu t'en bats les couilles de la porte, il peut pas y avoir de problématique. Ok. Et là, quand tu ouvres ta ligne, il peut y avoir un problème. Alro, faut que tu piques la porte. Stop. Tu m'as dit quoi, Grumpy? J'ai pas entendu. Faut que tu piques la porte. Ok. Alro, Marcus, la porte que je viens de fermer là. Passe-y, s'il te plaît. Let's go. Let's go. Et en face de toi, t'as une porte. Celle-là, on la joue. Je pense qu'elle donne sur, justement là où on va. Contact à gauche, c'est mieux. Ok, vu. Je pense, ok. Ok, reçu. C'est plein de portes de merde. Tu peux la piquer. Face midi, y'a rien. Tu mais la piques tout seul. À midi, doucement, à mes 2 mètres, c'est pas dire qu'il y a rien. J'ai des étagères avec des gros tonneaux dessus. Je vois pas ce qu'il y a derrière. Ok, bien pris. Gardez juste la ligne. On travaille de et notre côté. Contact à droite, je sais pas. Tranquille. Okay. À droite, il peut rien avoir. Okay. C'est là où on arrivait justement. Regardez juste face midi. Je vois Volant par arriver face midi. Marcus, je vais pousser la porte. 3, 2, 1, top. Fais gaffe, à 3h, je sais pas ce qu'il y a. On sera au fond de votre pièce avant 9h. Ouais, c'est normal. Ouais. On voit vos lampes, du coup. Et le problème, c'est à 3h, du coup. Vous pouvez commencer à avancer main courante à gauche, à l'eau avec Grumpy, d'accord? Le problème sera à 3h, du coup, Marcus, s'il y a un problème. Ouais. Donc tu vas commencer à faire une ouverture de ligne. Ouais. On est tout au fond de la pièce, nous, c'est clear, là. Ouais, mais c'est face 1h s'il y a un problème pour vous. Ok, à 3h, c'est un cul-de-sac, c'est fermé. C'est fermé à 1 mètre. Fermé ? Vas-y. Face d'une heure, y'a pas de problème, c'est bon, je vous vois. C'est des petits alvéoles, y'a personne. Ok, nickel. Ok, allez, c'est bon, c'est clair. Putain, y'avait vraiment rien de putain de porte de merde, de truc de con. Récupérer les wedges. Merci Max pour les 6 mois, t'es un monstre, mon poulet. S'il y a des wedges à récupérer. Si on pas de wedges, ouais, récupérez-les, comme ça, ça évite que. Qu'on en ait plus. Et ici, y'avait quelque chose là ? Là, c'était des... Laissez là, les portes ouvertes si c'est race, là, les gars. Là, c'était des escaliers, là, Marcus. Non, ne la déwedge pas, celle-là. Ah oui, c'est les escaliers, ok. Ouais, c'est des escaliers qui montent. Ouais, c'est bon. Attends. Il y a juste celle-ci qu'on n'a pas clear. Laquelle, celle-ci? Celle avec l'escalier. Ah ouais. Donc il y a que les escaliers. Il y a le puits de lumière aussi qui est un peu pourri là, meuf quand même. Non, mais apparemment les puits de lumière on voit pas au travers. Donc je sais pas si on peut nous voir au travers, mais ça semble. Non, négatif. Attends, je te parle pas de celui-là. Je te parle au fond, c'est un vrai puits. N'y va pas. Et c'est de là qu'on avait les caussons de la Pax là qui rigolait là. J'ai les caussons moi dessus. Ok. Du coup, on peut taper l'escalier rapidos là, voir un petit peu ce qui s'y passe. D'accord. Grumpy en avant, derrière ça voudra dire qu'on a terminé le sous-sol, ce qui veut dire que si on peut se permettre de se dire qu'on a terminé le sous-sol, ou alors on le verrouille et on récupère notre dernier pack et on fait l'extérieur, comme oui, tu veux. On peut verrouiller, enfin pour l'instant on n'a pas besoin forcément... Ok, bien pris, allez, let's go, on désengage. C'est des escaliers qui montent en plus, donc s'il y a du monde en haut, on va être désavantagé direct. Merci le Corse Fou, j'espère que ça vous fait plaisir ce genre de contenu qui diffère. Et n'hésitez pas à vous abonner, j'ai mis le lien dans le chat en haut, en épinglé, c'est la chaîne secondaire de la Salty Academy, où il y a tous les full VOD ready or not, en espérant qu'on la réussisse celle-là. Allez, let's go, Grumpy, tu reprends le lead sur l'XT, ça va être compliqué les amis, ok? Ouais, en couverture, là je suis en place en couverture. Marcus, tu vas décrocher jusqu'à la main courante gauche de la serre avec Vieux. Du coup, Vieux, tu peux lâcher et tu décales derrière Marcus, en fait, main courante gauche de la verrière. Je dis quand t'es derrière moi, on y va. C'est bon, j'y suis. Et toi, Alro, tu peux avancer jusqu'au tonneau qui est en face. Ça tire, désengagé. Hauteur. Ok, la smoke part. Non, négatif. Ah bah... Elle est partie? Bah non, mais je l'ai dans les mains. Ouais, bah c'est pas grave, bah garde-la pour moi. Ok. Balance-la à la limite au niveau de la deuxième verrière, loin. Reçu. Du coup, on fait ma courante grotte, hein. Pas que chance. Contact à ma droite. Attends, deux secondes. Je check la carte. Ça tousse, hein. Bien pris. J'attends pas, moi. Ça a toussé, mais après j'ai entendu bouge, parler, là. Hein. Oh non. Ouais, aussi. Oh putain, j'ai une smoke qui est partie toute seule, j'ai rien demandé. Désolé. Elle est parfaite, en plus. Elle est partie à deuxième derrière, en plus. Ouais, parfaite, en fond. Ouais, je sais, je l'avais fait exprès. Alro, tu peux t'avancer, faire un bond jusqu'au tonneau, là. Hein. Attends, elle est négatif, attends, deux secondes.
soit du coup on s'adapte au fait qu'on se fasse tirer du des hauteurs, soit les hauteurs c'est sur notre map du coup, le 3F, le troisième étage. Si on regarde la map du coup, le seul endroit où c'est pas de la tôle et pas du toit et qui nous est indiqué, c'est le 3F. Ouais, affi. Ok, juste sur mon point du coup. Si on tape le 3F, bah si on déborde de la gauche de la verrière, on est le problème c'est que ça nous expose, mais le truc c'est que si on peut taper la nana qui nous tire dessus là, ça peut être pas mal. Donc soit on joue directement les hauteurs, soit on en fait abstraction, mais on pourra pas bouger comme on veut quoi, l'XT. À vous de voir. Il vaut mieux la taper maintenant pour pas qu'elle nous en... Ça. Allez, let's go. Mais le problème, est-ce que depuis... Let's go. Je veux dire, on rentre à l'intérieur, c'est ça ? Négatif. Là, on y va tous... On va tous les... Il y en a un qui reste ici, là, comme tout à l'heure, ok ? Qui s'assure que personne ne joue au niveau du... Allez, on reste pas là. Tout le monde tape dans le sous-sol, sauf le dernier tout à l'heure. Ok. Monsieur. C'est toi, Grumpy, le dernier ? Non, c'est bon. On a besoin du miroir. Allez, en avant. Let's go. Et on tape les escaliers. Vieux, après tu peux t'avancer et te mettre en bas des escaliers, hein, au lieu de... Enfin... Ou alors fermer la porte à la limite et juste te décaler sur une porte pique, hein, vieux. Oui. Comme tu veux. Ok. J'ai l'escalier du coup face midi, j'ai pas de piège à la porte. Par contre la pièce est assez sombre, donc meuf. Ah, écho son d'impact là sur... je sais pas si c'est chez nous, ça a marché ou pas. Moi j'ai marché. Ah ok, bon, d'accord. Ok, du coup j'ai pas de visuel sur du Pax là, c'est escalier montant, meuf parce que c'est assez sombre et j'ai pas de piège à la porte. Ok. Dropping the light. Ok, quelqu'un qui a besoin de wedge, il peut le récupérer. Ouais, je vais un wedge. Ok, du coup on pique. C'est quoi, c'est progression dans les escaliers du coup? Y'a autre chose que les escaliers? Un wedge. Négatif, c'est vraiment une pièce, enfin là c'est une petite pièce avec directement en face midi un escalier qui monte. Ok, c'est du coup, escalier, un seul shield pour pas se bloquer. C'est ça. C'est Marcus et derrière tout le monde avec le... Ça tire ? Non. Écho son au-dessus. Ouais, juste au-dessus nous. Ça peut être pour toi, fais gaffe, jardin. Ouais. Fais gaffe, putain, un au-dessus, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment... J'ai pique. Ouais, d'accord, ok, t'as pique. Ok, ouais, vas-y. Notre cul, c'est safe, hein. Ouais, attends, je reste sur ton épaule droite, là. Ouais, notre cul, c'est safe. J'éclaire pour toi. N'éclairez pas le shield ou la tête du shield, les amis. Ça le gêne sur sa... Je peux commencer à boucher un peu la porte. Merci. Quand tu veux. Et je t'éclaire les jambes. Tu feras gaffe, hein, en hauteur. Vu qu'en fait, c'est un escalier carré. En gros, du coup, ça veut dire que s'il est à l'étage, il peut avoir un visuel sur nous, quoi. Ouais, c'est bon, je vois comment c'est fait. En plus, il est en bois. C'est pushé. Ouais. Ok, moi j'ai vu en hauteur, j'ai visuel sur les hauteurs, enfin le... Ok, tu sais ce qu'il y avait sous l'escalier à gauche ou pas? Négatif, je... Il y a l'air de rien avoir, c'est un dessous d'escalier, il y a des barils. Ok. Est-ce que tu peux push la porte et te mettre au milieu, vraiment au milieu? Ouais. Voilà, nickel. Ok, je vois rien à gauche sous l'escalier. Ok, reçu. Va falloir que tu avances et que tu nous dises ce qui se passe derrière la porte. Ça peut courir vers nous. Mais le problème c'est que t'as désengagé, tu m'as oublié. Mais c'est pas grave. Je suis revenu. J'ai smoké, ça devrait être bon. C'est bon, c'est bon. Ah, c'était pas terrible là, j'avoue. Allez, on l'a fait venir quand on peut. Et j'aurais dû prendre une impact. Je la fais venir. Ok, tranquille. Elle tousse. Tu peux prendre l'escalier, mais Alro, c'est à toi de prendre l'escalier. Hein. Voilà, si ça descend. Ça a l'air d'être. Reste debout, Marcus, s'il te plaît. Allez, laisse-la passer, recule. Ok, vous pouvez la prendre. Ouais, attends, on va la gérer. Move towards me. Garde l'escalier, Alro. Marcus, tu t'en fous, prends la porte. Grumpy, je m'en occupe, t'inquiète.
C'est bon, allez gérer. Allez. Ok, Marcus, tu enroules à gauche, je rentre avec toi. Là, on peut pas. Vas-y, quand tu veux. À droite, tu gardes l'escalier. Ouais. Enroule à gauche. Ok, c'est bon, reste à gauche, c'est bon, c'est bon. On reste concentré, s'il vous plaît. Je t'inquiète, c'est normal. Ok, pour que. Voilà. Ok, je garde le visuel, les hauteurs de. Enfin. Voilà, Alro, tu peux avancer avec Six si vous voulez. Non, négatif. Marcus plus Alro, vous avancez, on garde tous les deux les hauteurs, Grumpy. Hein. La même chose que toi, ok. D'accord, okay, je vais me mettre en face de toi. Bouge pas, je me mets file en face de toi. Marcus, vas-y, tu peux commencer à avancer doucement. Fais main courante à gauche dans l'escalier, pas main courante à droite. Ok. Voilà, s'il te plaît, parfait. Ouais, je prends la hauteur avec toi. Je vois une porte là, Marcus, tu vas arriver avec une porte en face de toi là. Ok, je vois une autre porte, moi je vois. Non, négatif, c'est une fenêtre. Je vois rien avec mon shield. Ah merde, vas-y, attends. Ouais, ok, oui. J'ai une impact, bon, bon. J'ai l'impact et je monte avec vous. Porte ouverte en face de tu toi. Tu pourras commencer à progresser du coup, Grumpy, parce que tu vas pas avoir. J'ai visuel sur la droite de la porte. Ok, tranquille. Je vais prendre l'information à gauche. J'ai pas spécialement réussi. Limite. Ok, ouais, non, c'est bon. Ouais. Allez, alors on suit. Ok, à gauche, ça suit à gauche sur un couloir. Bah, les couilles, cette porte-là, faut la fermer, faut la wedger. J'ai plus visuel à ta droite, fais gaffe. Faut la wedger. Ok, je regarde à droite. Regarde toujours les hauteurs. Il y a pas de porte, c'est juste une ouverture. C'est une ouverture sans porte. Oh, ok, ça du coup. Ça donne sur un couloir, ça donne sur quoi? Ça donne sur un couloir hanté. Ok, Alro, mets-toi, fais une main courante à droite, s'il te plaît, pour ouvrir sa ligne à Marcus en face de lui, d'accord? Tranquille, je vais prendre ta place, Alro. Alro, tu prends ton shield, s'il te plaît. Je vois un pied, je crois. Où ça? Où ça? Où ça? Juste là. Ça tire sur moi, sur moi. Où ça? Où ça? Où ça? Faut que tu nous dises ça vite. Prends le bouchon à l'extérieur. Non, négatif, c'est bon. C'était pas un pied, c'est bon. Rien contact à gauche. Je vois pas l'angle du couloir. Ok, stop. Marcus, continue ton mouvement dans l'escalier. Alro, suis-le. Moi, je prends cette porte-là. Mais faites gaffe aux lignes que vous ouvrez, d'accord? À ta ligne dans ton cul, Alro. Serre à gauche, please. En montant, serre à gauche. Allez, let's go. Reste pas là. C'est bon, je prends face midi. Ça tire où? C'est dans le bac, Sur toi, fusez-moi. Ok. Je suis pas blessé. Tu nous as flash à nous là, je crois. Ouais, j'essaie, poulet. Je peux balancer une grenade. Allez, les deux à l'extérieur, faut la pousser. J'ai balancé une grenade. Grumpy, prends la porte, s'il te plaît. Elle tire dessus. Je me croupis pour pas prendre les gens. Vas-y, je rebalance une grenade. Je vais dans la place sur la grenade. Elle part. Doucement, c'est à l'extérieur aussi. Hein. On sort pas si c'est la merde. Elle tousse. Ok. Faut la faire venir. Ouais, Grumpy, ouais. Je vais balancer une smoke en prévention, ok. Sur l'endroit où t'es. Ok, je rebalance une grenade. Doucement. Ça tire par la fenêtre aussi, attention à la fenêtre. Mef la fenêtre à 9h, Alro. Ok, ouais. Mef la fenêtre. Vu. Grumpy, t'es là? Affirmatif. Eh, ça peut pas nous prendre dans le cul, hein. Tu regardes quand même. Merci vieux. C'est visuel, Marcus, ou pas? Faut la faire venir. Elle est morte. Delta Charlie Delta, elle s'est fait tuer par un Pax en dessous. Ok. D'accord. Bien pris, t'es sûr? Sûr, affirmatif. Un Pax en dessous, c'est-à-dire? Bah, un Pax dans le jardin qui a dû lui. Qui nous a tiré dessus et. Bon, il s'est passé. Ok, devant, allez, bats les couilles, c'est la merde, d'accord? Donc, du coup, y'a rien sur le balcon ou quoi, Marcus? Est-ce que tu peux prendre l'info? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent arriver par là? Négatif. Alro, allez, on désengage, on s'arrache, d'accord? On joue la porte qui est sur Grumpy. Allez, let's go. Alro, vas-y, prends ton shield, poulet. Prends ton shield, Alro. Allez, let's go. J'ai pris des impacts dans le shield. Ok, Alro, ouais, tu vas commencer. Ok, Alro, tu vas commencer à ouvrir à main courante à droite. Donc la ligne que t'es en train de prendre, d'accord? Ouais, Grumpy, tu le suis. D'accord? Merci, tu commences à checker doucement, hein, doucement, on le fait doucement. Et prends, on s'en fout, Marcus, prends ton shield quand même, s'il te plaît. Ok. Et tu vas faire la même chose, tu vas croiser à gauche. Allez, Alro, prends une petite info là déjà, tranquillement. Travaille tout seul, Alro, ok? Ouais. On est avec toi. Tout seul avec ton shield, ouvre à droite. Je regarde, check vite fait à gauche, pas d'exposé. Ouais, t'inquiète. À gauche y'a rien, mais y'a
Encore une petite ouverture okay. qui part à gauche. Dans ce cas-là, tu t'arrêtes pas. Tu t'arrêtes pas dans ce cas-là. Tu décroises à droite, tu t'arrêtes pas. Grumpy, il va, vas-y, allez, go, go, go. Ma courante à gauche, Marcus. Go, go, go. À droite, porte ouverte à droite. Allez, on s'arrête pas. Je okay, sur une charge. Derrière. Stop, 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 tu rentres pas. Stop, là. Recule Alro. Recule, recule Alro. Stop, c'est fermé. Bim, c'est wedgé. Derrière, c'est bon pour vous, les gars. Recule, 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 Marcus. Marcus, à ta gauche, c'est ouvert. Alro, prends une arme. Ok, voilà, nickel. Bouge plus. Ok, bien pris. Du coup, le mur il est comment? J'ai AVO 11h, les gars. Grumpy, prends la cam sur moi, d'accord? Ouais, j'ai ta cam. Ok, nickel. Alors, à gauche de, à la gauche de Marcus, c'est-à-dire à nos 10h, 11h, il y a une porte ouverte. Et j'ai aucun visuel sur la salle, je sais juste que c'est ouvert. Et à droite, on n'a aucun visuel, on sait pas ce qui se passe. Donc là, je pense, là, Marcus, il va falloir que tu fasses une ouverture d'angle sur ta droite et moi je prenne ta gauche. Ok, stop, en fait, on a laissez-moi pas le prendre le... Laissez-moi contrôle PAM sur le... Et reload l'impact, c'est bon, on est bon. Comme ça, je le tape dans le plafond si ça vient. Okay. Marcus, tu fais ce que Grumpy a demandé? Oui. Top. Vas-y. Doucement, t'ouvres pas trop derrière. Ok, j'ai une porte en bois ouverte vers nous. Ouverte, c'est tout. Ok, ça marche. Du coup, prends ton shield de Alro, tu vas faire main courante à gauche. Du coup, Marcus, vas-y, continue ton mouvement à droite, main courante à droite. Grumpy, colle derrière. Colle derrière. Allez, go, 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 Grumpy, colle derrière. À droite, droite, main courante à droite. Moi, à gauche, je tombe sur une pièce. Stop. J'ai une grande pièce. Stop. Verrière. Stop. Ok, on bouge plus. La porte, on arrive à une porte, on la ferme. Allez, Alro, 3, 2, 1, top, je ferme. Wedgie, please. Je l'ai, c'est bon, c'est Wedgie. Allez, c'est fait, nickel. Derrière, on joue l'autre porte du coup. Grumpy, à toi. Marcus, avance poulet, mets-toi à la place de la porte, s'il te plaît. Voilà, nickel. Ok, est-ce que tu vois quelque... Bouge pas, voilà, nickel. Dis-moi ce que tu vois. Au fond de la pièce à gauche, il y a une autre porte qui est ouverte et ça donne sur une deuxième pièce. Ok, et au fond à droite, il n'y a rien? C'est au fond à droite, je vois rien que le bouclier, mais non, ça a l'air d'être juste un coin. Ok, Grumpy, tu peux prendre, je vais prendre ton, Alro va prendre ta place et tu vas faire une ouverture d'angle, ok? Par-dessus l'épaule de ton... Allez, Alro, fais l'ouverture d'angle, du coup, par-dessus le shield. Allez, ouvre, va te mettre main courante à gauche, Alro, ouvre ton angle. Grumpy, garde ta place au final. Il y a un contact à droite, c'est bon. C'est bon, on n'est pas trop contact à gauche, on fera gaffe, il y a une fenêtre. Ouais, Alro, la fenêtre à ta gauche aussi. Mef à la fenêtre à ta gauche, Alro, s'il te plaît. C'est moi, deux grandes dernières fenêtres hein, aussi. Deux grandes baies vitrées. On s'en bat les couilles, tu regardes pas par la fenêtre. Tu fais toujours face midi, mais tu fais gaffe à la fenêtre. Mef. Ok. Là, ce qu'on va faire, on va pas avoir le choix. Marcus, quand tu arrives au top, tu enroules à gauche avec Alro. Alro, tu enroules avec Alro, main courante gauche. Et Six, nous, on enroule face midi. Passe midi, bien pris. Ouais. Voilà. Bien pris. Ok, au top, quand c'est à toi de donner le top, Marcus, c'est quand tu te sens prêt. Allez, top. Top. Allez, go, ça suit. Encore une fenêtre à gauche, il faut faire gaffe. Je vois rien avec le shield, j'ai des éclats de lumière. Ok, changez de. Échangez vous deux. Allez, Marcus, prends ton arme. Y'a rien derrière là, 9h. Ok, bien pris. Ok, attention au jardin, les fenêtres sont pas opaques. Ouais. C'est bon. À mes midi, la double porte. Double porte, ouverte. Vu. Ouais. D'accord. Le but du jeu, ça va être de la pousser, elle. D'accord. Ouais. Ok. Alro, est-ce que tu peux te mettre main courante gauche contre le truc en bois là, sans trop te montrer par rapport à ce que t'as à ta droite. Et Marcus, ouvrir l'angle derrière. J'ai visuel sur la serre là. J'ai visuel sur une serre à l'extérieur, donc c'est peut-être. Y a que du monde dehors, hein, je vous préviens. Ok, mais du monde dehors, tu peux nous en dire plus, poulet? Il était où? Vers les verrières. Le mec à l'extérieur, il voit pas une lumière qui clignote. C'est moi qui viens de mettre la lumière. Non, mais là, je parle au mec qui est dehors, là. Est-ce qu'il voit une lumière qui clignote? Il pourra pas voir, vu que c'est avec la lumière de jour, ça va atténuer. Je vois une arme par terre, donc c'est sûrement une pièce à laquelle on a déjà prélevé un suspect. Oui, c'est celle de... Est-ce que c'est pas la pièce où, de tout à l'heure où on était... Si, si, on galérait. Oui, la merde. Alors, normalement, la double porte, elle donne sur l'excès. C'est la porte, du coup, qui doit être main courante à droite, 10 mètres derrière l'entrée du souterrain, au final. Ok, je vois. Normalement, il doit y avoir une autre pièce alors dans le prolongement de mes de mes 9 heures avec la porte qui était ouverte sur l'extérieur où on nous tirait dessus depuis la hauteur. Ok, bien pris. Alro, tu bouges pas, s'il te plaît. Marcus, tu désengages. Tu te rebarres d'ici, d'accord? Tu repasses par le souterrain, tu sors par le souterrain, ok? Ouais. Et tu vas jouer directement le couloir verrière pour récupérer de la wedge en plus en passant par la porte, la pièce principale. Tu wedges la porte sur laquelle t'es, vieux, tu peux ou pas?
J'en ai pas. Ok, c'est pas grave, tu la fermes du coup la porte sur laquelle t'es, tu désengages. Non, attention, tu la fermes pas, tu fais rien. Toi. Désengage, repasse par la cuisine. Repasse par la cuisine, ok. De la... Normalement, les hauteurs sont bonnes pour toi. C'est bon. Et vous y allez tous les deux. Allez, vous. Non, cuisine, la ferme pas. Vas-y, prends pas de risque. On s'en bat les couilles, c'est bien, c'est fait. Allez, passez par la cuisine, vous allez jouer la porte verrière du coup. Vous rentrez dans la main courante à gauche là pour le shield, Marcus. Nickel. Allez, let's go. Cuisine. Ouais, ça c'est la verrière, pardon. Non, excuse-moi, derrière toi. Derrière toi. Ok, Vieux Roquefort, exactement derrière toi. T'es 6h. Là. La porte, on va appeler ça Arche. Ok, allez, ça s'appelle Arche. Et c'est celle-là qu'il faut jouer, les amis. Vous êtes en face de nous, normalement. Ça veut pas pour autant dire que c'est safe. Ok, tu peux aller wedge ou pas celle-là? Oui, elle doit être wedge. Elle doit être wedge. Du coup, laisse c'est pour le ça wedge à vieux, du coup. Ouais, laisse le wedge. Ouais. Tu l'as pris? Non, prends-le. On prend le time, on est bien. Tu me dis quand c'est bon, quand t'es prêt, je pique. C'est bon. Ok, je pique. Mais fin, parce qu'il y avait deux packs dans la même pièce. Hein. Ouais. Alors, je vois rien que le bouclier parce que j'ai un éclat et avec les pets de balles. Et vous avez une ouverture sur l'extérieur aussi. Donc, je vois vos lampes. Ouais, ça c'est bon. Tu vois ma lampe qui clignote là, ouais, par terre là. Ouais, mais ça veut pas pour autant dire qu'entre vous et moi, il y a rien. Va falloir que tu ouvres ta ligne et le problème maintenant, ça va devenir de l'extérieur, ok? J'ai push la porte. Putain, je vois rien. Baisse-toi, poulet. Ah, parfait. On est là, poulet. On te voit ta cam. C'est à face 9h. Regarde à tes 9h du coup. Essaye de prendre l'info 9h, vieux. Et le shield, à la limite, prends l'info 9h du coup. Ou laisse-le prendre l'info. Ouais, moi, je vois rien. Avancer un peu. Ouais, mais d'accord, mais prends la cam. Mets-toi sur sa cam du coup si tu vois rien, poulet. Mm-hmm. Yes. Ok, 9h, vous avez le matelas. Ok. Bah, le but du jeu, c'est que vous fassiez main courante à gauche au final. À vos faces 11h, il y a. Attends, parce que nous, on est où du coup par rapport à vous là? Il y a toujours la porte de 13h. Oui, mais il y a toujours la porte qui est derrière le paravent du coup. Et je sais pas si c'est là où on est. Non, je crois que c'est dans leur pièce à eux. C'est exactement ça. Donc, Mef a cette pièce là, d'accord. Donc, allez-y doucement. Je sais plus si elle a été wedgée cette porte là. C'est bon à gauche. Non, elle a pas été wedgée. Non, on est reparti. Et attention, donc du coup, Mef a cette porte là, Mef a la fenêtre à l'extérieur à vos 9h, et Mef a la double fenêtre sur laquelle il y aurait des angles sur lesquels on n'aurait pas de visibilité pour le coup. Ok. Yo tout le monde. Je peux faire ça. Ouais, parfait. Ok, faut la fermer celle-là. Ok, tu veux qu'on y aille ensemble, vieux? Moi je vais me mettre à gauche de la porte et tu pourras la fermer derrière moi. Ce que tu fais, c'est tu te lèves, tu avances et tu prends l'info. Tu prends l'info d'abord. Ouais, exactement. Tu remplaces la porte, c'est ça qu'il faut faire en étant debout, il a raison. Comme ça, tu peux désengager. Et s'il y a rien, il va venir sur ton épaule gauche. Il y a rien à gauche. Parfait, il va se mettre sur ton épaule gauche. Attention à l'ouverture à 11h, poulet. Ah, oh, vieux. Ouais, s'il te plaît. Regarde là, voilà, le problème, c'est ça là. Ok. Ok, du coup ça veut dire que tu peux faire main courante à droite s'il te plaît, Alro, d'accord? Et va pousser la porte. Ouais, ok, 3, 2, 1, allez, nous on se replace. Ok, on va décrocher. Mais F6 à la verrière. Hein, oui, je sais. Fenêtre, ouais, je sais, c'est pour ça que j'ai pas envie de rester là en fait. Il faut venir la wedge. Ok, il faut venir la wedge. Allez, je cours et je la wedge. C'est bon. Ok, moi j'ai Oh non, je l'ai ouverte, autant pour moi. Alro. Okay. Alro, prends la place, poulet. Je la ferme. Tu peux pas la fermer. Ah si, ok. What? Ok, allez, wedge. C'est nouveau ça? Ok. Quand même, mon lieutenant, je sais fermer une porte quand même. Je sais pas, en tout cas, tu peux pas fermer ta gueule. Mon lieutenant, si tu pouvais wedger ta boîte à camembert, fils de pute. Gaffe, on avait des plaques qui n'arrivaient pas à fermer derrière après. Hein. Ok, donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'attention, Mef, à l'extérieur, il peut toujours y avoir maintenant des zones qui sont sur lesquelles les mecs qui étaient au niveau de la verrière ont repoussé au niveau de la kitchen, d'accord? Ouais, si. Vous avez pas wedger derrière vous, ok? Donc, ça veut dire quoi? Maintenant qu'on a de attention à la fenêtre, please. Attention fenêtre là, ok? Grumpy, prends l'info s'il te plaît. Le shield. On vient de la wedge. Ok, bah check là, Grumpy. Alro, s'il te plaît, prenez le shield là et mettez-vous sur les ouvertures, les gars, au lieu de rester avec des armes qui servent à rien. Mettez-vous au niveau des fenêtres. Voilà. On n'est pas naïf et on commence pas à faire du. C'est wedgé ça, à ma gauche, je vois rien moi. Alors je peux pas un-wedger donc par définition, la double porte. C'est celle que tu viens de wedge celle-là? Moi je l'ai pas wedgé. Ah tu l'as pas wedgé celle-là? Non, ah ben non. Je vais la wedge alors. Faut la wedge celle-là. Je vois rien. J'ai rien vu aussi.
Non, elle est pas wedge. Ok, okay, nickel. Allez, wedge maintenant. Nickel. Fait que j'avais gateway, que je mets ça bugué. Alro, à limite, fais une ouverture de langue sur la gauche si t'as envie de te faire plaisir. Il y a les fenêtres à gauche là. Ok. Ouais, je tombe sur les verrières XT. Oh, alors là. Je vois rien. J'attends que vous ayez. Je vois rien. Vas-y, on t'écoute, poulet. On t'écoute, hein, Grump. Ok, alors face à mes midi, on a. J'ai une fenêtre. Que... Mais j'ai l'impression qu'en fait, ça donne sur la pièce où on était juste avant, Six. Alors, du coup, là, on a à droite, direct à droite, un jardin. Ouais, attends. C'est jouable ou c'est pas jouable? Ça sert à rien de donner la définition là, si tu penses que c'est dégueulasse. Ok, on va laisser tomber horrible. Alors. Vraiment, bon, bah, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va refaire. On va retaper. Zentax, merci pour les 6 mois, t'es un monstre, mon poulet. Ok, du coup, ça veut dire quoi? Il y en a deux qui restent ici. Grumpy plus. Grumpy, est-ce que tu peux passer le Wand sous la double porte ici, là? Je vais regarder, ouais. Il nous manquait des pièces encore, là. De là où on venait, là, où il y avait les escaliers. On avait wedge des portes. Ah oui, derrière nous, ouais, c'est vrai. Eh oui. Oui, mais ça, elles sont wedgées, c'est pas un problème ça, ok? On pourra taper l'XT à la limite, okay, on ira tout à l'heure. J'ai visuel du coup sur sous la double porte, du coup bah j'ai visuel sur la serre face à nos midi à 5 mètres. Ok, très bien, Alro, tu restes avec lui, Marcus plus moi plus vieux Roquefort, on désengage, on repasse par l'extérieur et on avance sur la serre, 3-2 du coup, ok? Allez, on okay, passe derrière toi Marcus, 2 secondes. Par contre le visuel il est hauteur de pied, ouais. Hein. Du coup ça veut dire que... Si... vu qu'à par rapport à l'herbe, je vois pas shield super en, bien shield non en tête, hein. Shield en tête, viens avec nous Marcus. Au cas où, on n'est pas naïf. Vas-y, tu peux pusher, tu peux l'ouvrir. Marcus, quand tu veux. Ouais, je... Quand tu cherches la poignée. Trouve la, okay, la, là, le bon. Gros truc là à droite, souvent c'est... Ouais, okay. C'est, non, c'est bon. Non mais t'inquiète, gendarmerie tout ça, t'inquiète. Ouais, non mais... Dès que tu seras à la départementale, tu vas prendre 20 QI. Ah bah, plus que ça même. Allez, vas-y, vas-y, on y va. Allez, main courante à droite, Marcus. Allez, là, il est du père. Je vois rien dans mon shield. Ah, excuse-moi. Attends, vous êtes là. Là, c'est bon. Ah ouais, sinon, vous pouvez passer par la double porte, non? De la pièce principale? Bah, négatif, c'est le courtyard de là. Hein. Non, ça donne pas au même endroit, frérot. Ah, oui, ok. Non, mais c'était une supposition. Allez, Marcus, vas-y, passe par la fenêtre, la porte qui est en face de toi. Main courante à droite quand tu ouvres. Pas. Attention. Du coup, les gars, juste avant d'avancer vers les serres, ça m'a tiré dessus à partir de la deuxième serre. De là où on est, 6. Ok, bien pris. Elle a pu bouger. Attends-nous, Marcus, s'il te plaît. Et moi, j'ai pas visuel du coup sur Impact. Vas-y, viens avec nous, vieux, please. Mef à 11h. Allez, 3, 2, 1, top. Allez, c'est bon, Marcus. Main courante à droite et tu peux piquer directement la porte. Je suis moi, j'ai visuel sur la deuxième serre. Côté de la porte. Il est pas dans le... Je me mets visuel face sur midi, la deuxième serre, moi. Okay. Voilà, nickel. Ça vient de piquer, les amis. Ok, reçu. Que je décale pour Alro, se dessus. En fait, tu peux décrocher et te mettre limite à la porte, ici, où moi je suis. Ouais. On peut limite nous unwedge et juste pique la porte, en fait, pour avoir un visuel sur leur... Ah bah non, c'est quand vous voulez, là. Hein. Là, vous allez avoir un visuel face midi vos... qui nous aide sur l'entre-serre. Voilà, c'est ça. C'est ça. Tu peux, Marcus, comme pareil, tu peux travailler si t'as envie. Tu peux un wedge parce que moi je peux pas. Vas-y, je fais. Ah, j'ai mon truc qui passe pas sous la porte. Ok, c'est bon. Nickel. Vas-y. Nickel. Est-ce que tu peux piquer au milieu comme ça? En bas, y'a rien, Marcus. Les deux portes, ouais, bah attends, il faut que je lève le shield du coup, attends. J'ai le premier serre en visu. Première serre. Ok, nickel, là c'est parfait. Et là, du coup, comme ça, t'as l'heure 9h. À vos 3h aussi, les gars. Le vrai problème, c'est à vos midi et à vos 3h. Y'a rien le long de la palissade, y'a rien le long de la palissade. Ok, bien pris. Et moi, à mes midi, je vois rien. J'ai visuel sur le fond de la serre que vous avez à vos face midi. Et j'avais visuel tout à l'heure, j'ai encore visuel sur la deuxième serre qui est derrière celle qui est devant vous. Je vois rien. C'est nous qui venons gueuler. Hein. Okay. Faites-en de même, les gars. Okay. Au fond de vous, face à vos midi. Hein. Et qu'on voit troisième serre. C'est vos 3h, nos midi. Je répète. Hein. Nos 2h. C'est nos 3h. Ah, c'est la deuxième serre, ouais, j'entends effectivement. Deuxième serre. Ouais, vos 2h, nos 11h. Troisième serre.
Ok, bien pris. Ouais, c'est loin, et du coup. Et qu'on voit troisième cercle. Ok, le problème, les gars, c'est que vous deux, il va falloir que vous fassiez... Mef, à vos faces midi, du coup, et à tes 3 heures que t'es en train de regarder à l'euro, là. Ouais. Et quand il ouvre sa ligne comme ça, prends son face midi, hein, Grumpy. Hein. Ouais. Et ouvrez la deuxième porte, à la limite, et il va falloir aller jouer ce qui se passe à 3 heures, avant de jouer les cerfs. Je peux balancer une smoke à la porte de la troisième serre pour nous couvrir pour la décale pour. Non, pour négatif, négatif. Okay. Si les smokes elles nous emmerdent plus si elles tapent pas sur le pax. Ok. Ça veut dire quoi, Marcus, qu'il va falloir que tu fasses toi, quand ils vont commencer à ouvrir leur ligne sur leurs 3 heures, vu du coup l'arrêt la plus proche de la serre à 11 heures. Ouais, à 11h, ouais. Là. Ok. Il va falloir aller se coller et regarder face 2h, du coup, la double porte. Vu la double porte où ils sont à l'heure actuelle, elle est face midi. Je vois où elle est. Avant d'avancer après au premier cerf, ça va nous tirer dessus par 1h, 2h environ au-dessus. Ouais, c'est celle qu'on a échangé. Oui, mais tout à l'heure, ça se trouve, c'est tu t'es... celle qui s'est fait descendre, ouais. Tu t'es fait taper, de la nana qui était au 3F au niveau du balcon, je pense. Non, c'était une deuxième personne, ça. Je l'ai vu passer. Ouais, parce qu'il y a deux personnes qui sont descendues au balcon. Quand on s'est fait prendre la partie en bas de l'escalier, il y avait une personne. Marcus, fais un bond. Déjà, attends, 2 secondes. Marcus, fais un bond exactement à l'endroit où je t'ai dit, d'accord. Attends, 2 secondes, quand je termine. Je vais ouvrir la porte maintenant en grand, d'accord. Ça veut dire quoi? Au moment où il va faire ça, vieux Roquefort, tu pousses derrière lui, tu vas te mettre dans l'escalier pour aller en bas, d'accord. Et de fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre l'arrière de la palissade. Tu vas prendre à nos 9h à l'heure actuelle, donc face midi quand tu vas descendre, d'accord. Donc à nos 9h, tu prendras le fait que ça puisse décaler derrière la palissade, ok. Tout au fond, derrière la verrière, autant pour moi. Ça marche. Ok, et tu te protèges du coup en allant dans le souterrain. Et moi, je fais toujours un face midi. Allez, 3, 2, 1, top, let's go. Va te mettre dans le souterrain. Tu peux pousser la porte en face de toi. Voilà, là, parfait, vieux Roquefort. Et tu te mets dans l'ouverture de la porte. J'ouvre la porte de droite ou celle de gauche? De droite, okay. Et on ferme celle de gauche. Non, vieux Roquefort, je laisse. Hein. Ouais. À la limite, prends-le si tu veux, on fait le switch. Non, je vais vérifier si j'avais pas... C'est bon. Voilà, et là tu te mets dans l'alignement du coup de la porte. Toujours en regardant face midi. Face à moi, une porte. Voilà, nickel, comme ça. Ouais, c'est leur porte à 3h qui nous emmerde. Marcus reste toujours debout, frérot. Ouais, c'est pour mes jambes. Ouais, mais... Face midi, Grumpy, je vois rien, hein. Ouais, affi, j'ai de la ligne de toute manière. Ok. Le problème, c'est la porte... c'est ce qui se passe à vos 3h, les mecs, vous. Ouais, je l'ai en visu. Je peux envoyer une smoke si c'est moi qui crie. Effectivement, gueuler. Contact son à nos 2h, Grumpy. Gauche, ouais. À la troisième serre. Ok, j'envoie une smoke. Vas-y. Ouais, dans la troisième serre, sûr. Elle est belle. Elle touche. Ça crie, c'est propre. Ok, Marcus, mets-toi dans la porte de la serre. Vieux Roquefort, suis-le. Je suis dans la porte. Prenez l'information de ce qui se passe derrière la serre maintenant. Derrière la serre, tous les deux. Elle vient, elle arrive sur vous, elle a son fusil dans les mains. De l'autre côté de la serre, Marcus, on n'a pas l'information. De l'autre côté de la serre. Non. De l'autre côté là. Main courante à droite de la serre, please. Vieux Roquefort, prends l'info avec lui. Mettez-vous du coup. Allez vers l'autre de ce côté là, restez au niveau de l'arrêt. Vous la voyez ou pas? Elle est traversée la serre, elle est déjà passée de l'autre côté. De l'autre côté, de l'autre côté en fait. Non, elle est derrière les buissons à nos 3 heures, à Grumpy et moi. J'ai plus visuel sur elle. Ok, bien pris. Mais vous pouvez maintenant, relativement tranquillement, vous pouvez faire une petite ouverture de... Si à gauche, vous avez strictement rien, en face de vous, vous avez strictement rien, tranquillement, vieux Roquefort, tu peux demander à ton shield de faire une main courante à droite le nom de la verrière, d'accord? Celle sur laquelle vous êtes. De votre côté, faut que vous travaillez, vous, pour qu'on vous mette en confort face midi pour que vous puissiez jouer à vos 3 heures, du coup. La porte, la serre, c'est pas le problème, au final. Après, si on peut la prélever, l'autre, vous me le dites, hein. Mais moi là j'ai pas. Elle parle, fuck. Elle a dit quoi? Elle parle le fuck. Elle parle le fuck. I want you to get down slow. Get down now. Je pense qu'elle s'est relevée. Okay. Hein. Ouais. Je vais mettre deux petits coups de. Deux petits tirs. Elle avance un peu, non? Ça peut bouger, hein. Police, hands up.
J'ai l'impression qu'elle bouge. Get down and put your hands up. LSPD, don't move. Drop your gun first. Hands up, don't move. Drop your gun. Je pense qu'on peut y aller, Marcus. Hein. Ouais. Si vous voulez commencer à avancer, ouais. En fait, là, pour qu'on puisse avancer, faut qu'on soit sûr que dans la serre qui est à nos midis, Alro et moi, ouais, affirmatif, qu'il y ait personne à l'intérieur. Parce que nous, techniquement, en fait, c'est. À l'intérieur, je sais pas, mais regarde ma cam. J'ai. Ok. Oui, non, mais c'est que si on a encore une serre, en fait, elle est. La serre, elle est à 11h. Il y a une troisième. Ah oui, ok, elle est juste en face de moi. Elle est à genoux. Ok, à genoux. À genoux ? Ouais, à genoux. Ah bah parfait, faites venir. Je la fais venir. Nickel. Je la vois. Ouais. On a visuel dessus, hein. Je l'enjoue là. Moi j'ai. J'ai toujours la porte de la verrière par laquelle elle est arrivée. Je vais me décaler pour qu'elle passe. Ouais, parfait. Ok, j'ai plus la ligne dessus, hein. Okay. Meuf, les gars. Ouais. Vas-y, je laisse passer. Vas-y, je reprends en face pour te protéger. Ouais. C'est bon, allez, cuffed. Ok, nickel. Dégage là. Garde ton shield, laisse ton shield ici. Prends le temps. Ok, mets-la dans le sous-sol. J'ai peur de Gawker, en fait. Mets-la dans la cave. Ok, remets-toi en place tranquillement, poulet. Les gars, va falloir que vous ouvriez. Bah après, comme tu veux, Crump. Hein. Là, on a faut que Vieux et Marcus avancent jusqu'à la deuxième, au moins jusqu'à la deuxième serre. Okay. Qui est pour toi, enfin, que t'as je pas vois, visuel. Poulet. Putain, merde. Je vais remplacer la porte de la deuxième serre. Mev, comme à vos midis, les gars. Ouais. Je vois rien. Grumpy, Alro, tu peux ouvrir légèrement ta ligne, s'il te plaît. Dans le prolongement de... Voilà, s'il te plaît, ouais. Nickel. Faut que quelqu'un prenne une info derrière moi parce que je vois rien avec le bouclier. Ok, vas-y, Alro, avance, mets-toi jusqu'au... J'ai une porte à mes 3 heures, là. Faut que j'aille me mettre devant, là. T'avances tout seul, poulet. Mais c'est dangereux pour eux, là. Si j'avance pas, là, c'est trop dangereux pour eux. Oui, mais... Okay. Y'a rien avant droite, là. Vas-y, je laisse. Vas-y, je suis sur ton épaule droite. Regarde pas, bah, va jouer la porte là-bas, là, Alro. Ouais, parce que là, V-Rockfort, il a la ligne, là, c'est bon, là. Ok, ouais, faut la wedger, celle-là. Grumpy, tu peux la wedger. Oui. Je peux le faire, Vas-y. Ok, nickel. C'est bon. Du coup, je sais pas ce que vous avez, vous, là, dans votre machin. Avance, Marcus, c'est bon, y'a rien. Ah oui, vous pouvez passer derrière, ok, bien. Bah nickel. Bah vas-y, bah rentrez dans cette putain de serre, là. C'est bon, y'a personne. Doucement, pas d'erreur. Gummy court. Ok. Vas-y. La serre est vide. Race. Ok, l'XT a l'air pas trop mal. Grumpy, je suis avec Watt, poulet. Va pusher avec ton shield. Alro, dans la serre dans laquelle t'es en train de regarder. Il y a beaucoup d'armes. Au fond de la serre. Ouais. Une arme à mes pieds. Oui, il y en a deux ou trois des armes ici, on s'en rappellera, ok. Allez. Mets-toi au niveau de la porte, Alro. Grumpy, en deux, please. Oui. J'attendais juste. Excuse-moi. Marcus, en trois. Et face midi. Ok, très bien. On gueule. Allez, on la fait gueuler. J'ai une palissade en bois derrière la serre au fond. Donc, elle est peut-être derrière la palissade en bois. Ok, reçu. Ok, bah faut avancer tranquillement. On progresse. Vas-y, Alro, mets-toi ma courante gauche. Voilà, nickel, je me cours pour Marcus, garde le shield, poulet. Voilà. Mets-toi contre le truc en ferraille, là, Alro. Ouverture à droite, dans la serre. Ouais, affi. Ok, nous on bouge plus, on laisse avancer les collègues. Marcus, il a zéro visi, poulet. Ah oui, ok, reçu. Marcus, tu les remplaces. Marcus, tu le remplaces avec vieux Rockfort, c'est à vous d'y aller, Grumpy. Ok, vas-y, Alro, ouvre à ta gauche parce qu'on sait jamais, il y a un truc à gauche. Vas-y, vieux, rentre. Ok, à gauche, c'est verrouillé. Ok, reçu. Du coup, vas-y, fais un bond, tu vas jusqu'à la gauche, porte. Gauche, c'est clear, hein. Ouais. Ok, très bien. La serre continue. Allez, gueule, Alro. Au mur, poulet. Ouais. Vas-y, avance. Mets-toi, remplace comme s'il y avait une porte. Sur la droite, c'est bon. Là, c'est fermé. Ok, reçu. Joue à l'ouverture à gauche. Ouais, face midi, c'est fermé. Ouverture à gauche, exact. Ok, vas-y, mets-toi main courante gauche, poulet, et on va avancer jusqu'à l'ouverture. Je suis sur ton épaule droite, moi.
Si ça sort, je m'en occupe. On a okay. fait une deuxième cellule. Ok, je vois le grillage derrière le... Je prends l'info. Ok. Ouais, porte grillagée ouverte. Ok, là on attend les collègues, du coup vous pouvez avancer. J'ai plus qu'une impact. Ok, Alro, tu vas avancer, tu vas remplacer la porte du grillage. Tu vas vraiment te mettre devant. J'y vais. Vas-y. Meuf. Je regarde le contact à gauche. Ouais, ouais, j'ai... Contact à gauche, il y a un petit cabanon qui me cache l'angle un peu là, je vois pas ce qu'il y a derrière le petit cabanon. Ok, écho, voit, écho. À droite, ouais. Ok, bouge plus, Alro. Je bouge plus. Ok, essaye de faire des sommations. J'ai peur du balcon. Ça répond plus. Je peux prendre l'info à droite. Ah. Écho sur à droite encore, mais qui s'éloigne. Ok. Ok, passe de l'autre côté, passe sur son épaule gauche, Grump. Je te remplace. Ok, j'ai pas visuel, hein, dessus. Ok, ça continue encore, ça longe à droite. Contact à gauche, t'as rien, t'as pas à t'inquiéter. À 9h, y'a rien, ok, okay. Derrière les chiottes, là, je sais pas trop, mais bon. Ok. Ouais. C'est ça qui me posait souci, les petits cabanons. Ok, mais on s'en fout. Voilà, ouais. Du coup, tu vas commencer à faire une main courante à droite, je garde la ligne, d'accord? Vas-y. Ouais, tu fais une ouverture de ligne à droite. Ouais, doucement. Merci, Witch Doctor, t'es un monstre. Merci pour les 31 mois, je t'aime, poulet. Vas-y, okay. Grumpy, hein. Moi je te garde le 11h. Je fais une décale en crabe. Vas-y, je décale là derrière toi. Ouais. Ok, nickel, bouge plus. Ouais, Marcus plus Vieux Force, ça suit, ouais. Direct. Ok, il y a une grande ouverture face à nous, hein. On arrive dans... Je sais pas dans qui on a... Ok, on désengage. On désengage. Attends, Midji, au moins 25 mètres. Attends, tu veux laisser partir avant, Alro, poulet, c'est pas grave. Pardon. Là, je suis bloqué, je suis... Ah, ok, remets-toi en contact à droite, Alro. Allez, remets-toi en contact à droite, s'il te plaît. Ok, Grumpy, s'il te plaît, ferme-moi cette putain de porte. Allez, on reste pas. Mets-toi, passe le grillage. Va à contact à droite, Alro. Reste debout, nom de Dieu. Allez, let's go. Ok, pousse le grillage de l'autre côté. Merci. Grumpy, reste derrière lui quand même. Ouais. Je suis derrière lui, c'est bon. Nickel, je me mets derrière vous avec vous. D'accord, on commence à faire une. J'ai aucun visuel, hein. Avec la lumière du soleil, j'ai. On commence à faire une ouverture d'angle et on commence à gueuler. Allez, Alro, tu commences à faire ma courante à droite, doucement. Il y a un véhicule à 20 mètres. Marcus, stop. Marcus, mets-toi à côté de ton shield, s'il te plaît. Mets-toi à côté d'Alro. Allez, juste pareil que lui. Mets-toi à côté de lui. Allez, go, va le péter à côté de lui, ça va ouvrir la ligne. Attention, doucement. Une montagne de bois devant, là, à 11h. Stop, Alro. On est bien. Attends, je me colle. Collez-vous, Marcus, légèrement à droite. Stop. Ok, nickel. Ouais, j'ai écho vous, hein. Ouais, écho vous à midi. Midi, à peu près 10-15 si mètres. Ça vient, hein, si ça vient, faut être efficace. Reçu. Ok, du coup, Marcus, tu vas pouvoir décrocher. Vu le stairs de bois, là, en face midi, à 4 mètres. Vu. Bon, bref, on s'en bat les couilles. Tu déplaces en crabe, je te suis derrière et on fait une main courante à gauche. 3, 2, 1, top. Allez, avant jusqu'au coin. À droite, y'a rien, les poulets, du coup. Okay, droite, c'est race. Moi, j'ai pas de visuel. Ok. Négatif. Il y a le balcon de tout à l'heure, mais c'est le seul 3F ici. Hein. Ok, reçu. Donc, normalement, c'est là qu'il y a la Delta Charlie Delta, quoi. Marcus, tu peux commencer à prendre une info si tu veux. Face à moi, une voiture. Il y a l'air d'avoir un escalier qui monte. Grand piste, tu veux. Ouais, vous êtes bien, les poulets. Après, je vois pas grand chose, il y a un éclat de lumière et j'ai le pare-brise démonté. Allez, je vais décaler encore un peu. Décale un peu et crie, allez. J'entends double contact. Ouais, à 11h, j'ai l'impression qu'il y a du Pax. Hein. Ouais, midi 11h, ouais. Est-ce que le vieux, tu peux envoyer une smoke limite face midi ou plus loin? Derrière la, moi, derrière la bagnole. La smoke. Non, il a dit le vieux. Non. Mais attends, Alro, hey. J'avais compris le shit. Non, j'ai dit le vieux. Il a dit le vieux, après, je sais que t'es vieux, mais... J'aurais dit le vieux marseillais. Quoi, vieux? J'ai un grand fumigène. Ok, vas-y, parfait, impeccable. Tape le M320, là. Je sais pas où ça va arriver, honnêtement. Essaye de viser par-dessus la bagnole. Ok. J'ai un tracteur à ma gauche. Ok. Qu'est-ce qu'on...
Je prends des balles. Non, non, négatif. Non, ça tousse, hein, ça tousse, hein. Ouais, ça a pris, hein. Essaye de prendre une info, Shield. Ouais. On s'en fout que tu vois rien, le but du jeu c'est de balancer du... C'est bon, j'en vois une qui est en train de tousser face 11h, elle est au cul du pick-up. Moi aussi. Alro, tu peux faire un bond de 5 mètres poulet, t'es toujours ma courant droite, sans t'exposer. Hein. Je vais devoir en balancer une autre parce que j'ai un peu peur. Là-bas, okay, ouais, main courante à droite, Alro, viens te mettre à la hauteur de Marcus. Suis-le, s'il te plaît, Grumpy. Voilà, fais gaffe à ton ouverture de ligne à 11h, s'il te plaît. Voilà, on bouge plus, on est parfait là. Alro, t'es parfait. Si ça tire, c'est un peu la merde, faut pas se rater, les gars. Baisse-toi, Shield, Marcus. Ah ouais, on sort 11h, hein. Oui, oui, bien vu, oui, c'était là-bas, devant le tracteur. Je renvoie une smoke au plus loin. Et après cette smoke là on arrête, ok? Attention, mef ouverture à droite, V-Rock Force, s'il te plaît, au niveau du baril. À 2h. Okay. Là, limite, ce qu'on peut faire, c'est Alro. Tu peux, vu le truc que je t'éclaire actuellement là sur ta droite. Attends. Non, tranquille. Grump. On est bien là. On est bien. Faut juste. On a besoin d'infos là. Faut juste pas que ça foute de la merde là. Faut pas les rater, faut pas que les shields désengagent, ok? Il y a une ouverture face midi. Contact à 11h. Ouais. J'ai pas visuel dessus. Si vous pouvez l'appeler, la Pax qui est contact là. J'ai pas visuel sur elle, moi. Je vois pas. C'est que tu. Mon lieutenant. Ah non, je la vois pas. Ok, reçu. Contact pas visuel, autant pour moi, poulet. Ah si, okay. attends, vu derrière le baril au niveau du cyprès, deuxième baril, à 11h, il y a un double baril là-bas, ok? Je vois rien. Ok, deux secondes, vous avez dans le prolongement du cul du pick-up, vous avez un cyprès, ok? Ouais. En bas, il est sur une espèce de terrasse, et au bas, il y a une tête qui apparaît. Ouais, je... Ok, c'est bon, elle s'est rendue. Moi aussi. Mais on peut pas l'appeler, ça la prend pas. Ouais, là ça va être la merde là. Ouais, ok. On peut pas l'appeler. Move to my front. Donc là à la limite on peut commencer à faire des trucs et à faire une ouverture de ligne, d'accord? Et à commencer à se... Marcus, tu bouges pas, d'accord? Et vous, oui. Vous commencez à faire une ouverture de ligne en faisant main courante à droite. Attention, mef 11h. Ouais. Je me décale où tu avais dit là, Grumpy. Main courante à droite. Ouais. En crabe, Grumpy, je te laisse. Derrière toi, je passe sur ton épaule gauche. Ok, mef à l'ouverture derrière le tracteur, hein. Enfin, dans la continuité du tracteur. Mef ouverture 3h, mef ouverture midi derrière la cabine du camion. J'ai 3h. Et mef à 11h. Et mef à 10h, pardon. Voilà. Chemin qui part à 11h. Face midi. Ouais, chemin qui part à 11h. Ouais, c'est okay. Vous, c'est votre problème. Nous, on prend face midi et face 3h. Là, vous pouvez, Six, avancer et vous mettre derrière le tracteur. Ok, bien pris. Mef, quand même, à vous. Bah, du coup, 3h. 3h. Ouais, bien pris. Ok, je prends toujours face midi, vieux Roquefort prend toujours face 3h. Allez, 3, ouais. 2, 1, top. Put your hands up. Stop. Il y a plein d'ouvertures là de... Vérifie 3h, 6. Là, la tête apparaît. De l'autre là. Ouais. Elle se relève. Attends, j'ai essayé de la faire venir. Merde. Putain, je pense pas qu'elle soit solo. Hein. Je crois que je peux l'appeler, attends, je suis pas sûr. Bah après ça dépend, oui. Ouais c'est bon, elle vient. Ils sont dans le fond du jardin. Ah bien vu, super. Ouais, fond du jardin, toujours une ouverture. Anno 1h, elle vient. J'ai visuel sur l'ouverture, hein. Je vais m'en occuper. Toi c'est l'ouverture 11, c'est l'ouverture... Non, l'ouverture je la prends moi, l'ouverture face midi. Non mais je vous disais que si jamais, je vois jusqu'au fond quoi. Ok, toi ce qu'il faut que tu prennes c'est surtout 11h, ok? Ah oui, non 9h quoi. Ok. Please. Elle arrive, Morissette là. Je m'en occupe. J'entends, Écosson à gauche. À gauche, ouais. Je lui ai dit de venir derrière vous. Ok, bien bon, pris. Elle va arriver sur moi. Pas naïf. Ouais. Move to the sound of my voice. Elle bougera pas. Balro, faut que t'avances. Ouais. Marcus, faut que t'avances. Ouais, c'est Marcus qui le bloque, ouais. Vas-y, je la prends. Fais gaffe, plutôt. Commence à regarder à 11h, Marcus, s'il te plaît. Ok. Parfait. C'est là le problème. Get down and keep your hands up. Is this what you do? Come after battered young women? Suspect is in our custody, requesting transport. LSPD. Elle veut pas bouger, hein.
Ok, tu l'as? C'est de face, c'est de face. Je fais, c'est bon, je prends. Allez. Grumpy, prends le lead s'il te plaît. Reçu. Ok, Alro, tu vas avancer poulet et essayer de... On va essayer d'avancer jusqu'au baril là. Tout en faisant mef à... Je vois pas quel baril tu parles. Là, face à... Tu vois là, face à vous, j'éclaire. C'est à midi. Ah mais une heure là? Ouais, mais une heure. Ok, ok, c'est bon, j'ai vu. Tout en passant en crabe là sur les 11h de... Ouais. Ok poulet, vas-y quand tu veux. Allez go. Je suis derrière toi. Colle-toi contre le camion, hein, vieux. Le tracteur, pardon. Ok, nickel. Vas-y, avance encore un peu, poulet. C'est votre ouverture de ligne qui va être compliquée. Il y a une sorte de charrette là qui me bloque là. Ouais, là ça va être compliqué. La bouche. C'est ouverture à mes 2h aussi, hein. Oui, on le sait, c'est ce que je suis en train de regarder, mon frère. Regarde à ta droite, poulet. Voilà, nickel, comme ça. Là, on est bon. Ok, là en vrai, faudrait. Ah, oh, ça pue le merde en fait, comme zone. Parce tranquille, qu'en fait, ça s'ouvre. Oui, je sais. Je vois ce que tu veux dire. Marcus, tu commences à faire une ouverture de ligne devant le tracteur devant lequel t'es, d'accord? Je fais toujours face midi. Commence à croiser et à regarder à tes 9h, vieux Roquefort, du coup, dans le passage là. J'ai face midi. Et vous, vous commencez à ouvrir, Alro, commence à avancer doucement vers ce que t'es en train de regarder face 2h. Ouais. Non, monsieur. Doucement. Tranquille, pas d'erreur. Mais je vois rien pour l'instant, mais il faut que j'avance un peu plus. Ok, bah vas-y, tu as déjà fait le travail, d'accord? Porte ouverte à midi aussi. Commence à faire main courante à droite, Grumpy. Commence à faire main courante à droite avec Marcus, Grumpy, pour justement. Et commencez à regarder la porte ouverte que vous m'avez donnée là. Celle qui était face midi. Ouais. Alro, tu commences à faire une ouverture d'angle, s'il te plaît, pour savoir ce qui se passe à ta droite. À droite là, directement derrière l'ouverture, il y a une palissade. Mais doucement, t'es en train de t'ouvrir sur la ligne du coup derrière toi là. Fais gaffe. Marcus commence à avancer aussi, tranquillement de ton côté, main courante à gauche. Ouais. Autrement il va faire de la merde, il est en train de se donner. Là ce qu'il faut faire, c'est ouvert ou pas? On peut verrouiller ou pas Non, négatif. Non, négatif. Pour l'instant, non. Bah du coup Grumpy, laisse-le Alro, commence à faire une main courante à droite, va jouer la porte qui est tout seul en face de toi là. Allez, la porte face midi s'il te plaît. Il est en train de te prendre ta machine. Les gars, commencez à faire main courante à gauche, please, V-Roquefort. Let's go. Parti. Tu vois quoi, Marcus? Un grand découvert. Ok. Les cochons. Fais gaffe. Ouais. Ça gueule. Tranquille, vous êtes bien. On va laisser. Déjà, je wedge la porte qui était mise. Ok, nickel. Oui. Grumpy, tu peux. On désengage. Je suis blessé. Stop. On prend la ligne. Tu peux te soigner. Si elle push, j'ai la ligne. Moi. On a la ligne tous les deux. Je l'ai vu, je crois. Elle est habillée en bleu. On peut la voir, on peut bien la voir. Ok, je suis blessé, jambe droite et bras. Ok, reçu. Alro, faut que tu fasses meuf, toi, parce que du coup, t'es dans l'alignement mais. Allez, remets-toi shield. Je peux pas me mettre autrement pour. Shield, commence à. Marcus, vu que t'es tapé au niveau des jambes, t'es sur ma caméra? Oui. Ok, tu viens faire main courante à droite le long du camion qui est sur le pick-up là. Allez, go. Ok. Tac. Et tu viens te mettre devant le pick-up maintenant. Stop! Maintenant, okay. Tu vas passer main courante à gauche de ce pick-up. Doucement, s'il te plaît. Il y a moi derrière. Stop! Okay. Ouais. Stop! Excuse-moi, poulet, mais c'est parce que t'as bougé. Tu m'as... Non, t'inquiète. J'ai rien touché. Elle est où? Vous avez des infos ou quoi? Négatif. En gros, c'est une ouverture. Ok, après, tu peux balancer une smoke, vieux Roquefort, si tu sais à peu près où elle est. Ouais. Vite fait, hein, c'est pas grave si elle est pas parfaite. Deux secondes, je recharge. Je vois rien, frérot. Je vois rien non plus. De là où je suis, on voit mieux. Par contre, ça va être compliqué d'ouvrir mon angle. Elle est si loin que ça? Combien de mètres? 10 mètres. J'irai 25. Pas très loin. Ah, 10, non, 25, même pas. À ce point-là? Ouais, même pas. Même. Doucement. Ouvre pas trop ton angle parce que là, t'es plus que nous là. Oh putain, tu m'as fait peur, frérot. Quoi? J'ai un écosonde devant moi, hein. Là, pour l'instant, non, c'est l'autre côté, c'était Grumpy, c'est derrière la palissade de Grumpy pour moi. Ok, allez, on décroche, Marcus, tu repasses avec V-Roquefort, on fait main courante à gauche, du coup, vous essayez de refaire la même chose. Laisse-moi tout seul ici, je garde la ligne, vous essayez d'ouvrir votre angle main courante à gauche. Oui. En gros, quand tu fais main courante à gauche, il y a des buissons à midi.
Et c'est là, c'est Gola qui a tiré dessus. Doucement, doucement, pour qu'on sache où à peu près où est-ce qu'elle est. En hauteur, à notre étage ou... Mais y a pas d'étage. Pour moi, y a pas d'étage. Ok, bien pris. Putain, je vois rien, frérot. Ouais, avec le contre-jour hein, et tout. Là, ah oui, parce quoi, parce quoi. Regarde, regarde ma caméra, vieux. Hein. Avance un petit peu. Que tu comprennes. Ouais, non. En fait, c'est un peu plus à gauche, Six. Il y a un renforcement à gauche, en fait, c'est ça? Ouais, c'est un petit virage à gauche. Bah du coup, je devrais la voir, mais moi, en fait, je vois rien du tout. Attends, je vais balancer une smoke, je vais balancer une smoke. Ah, j'en ai plus. Putain, merde, nique sa mère. Je sais pas où elle est partie. Attends, je vais l'appeler. Vous pouvez commencer à tranquillement avancer, Marcus. Genre, mais accroupi, hein. Vraiment, doucement. Ouais, de toute façon, je suis blessé à mort. Ouais, ça donne sur un grand découvert. Ok, Alro, tu décroches de l'endroit où t'es, tu vas faire une main courante à droite, tu fais attention au danger, du coup, je prends ta place. Okay. Allez, go, top. Fais gaffe au danger, fais gaffe au danger. C'est pas là le danger, poulet, il est là-bas le danger. Ouais, excuse-moi. Désolé d'être directif. Je vois rien à travers mon shield. Attends, je mets sur ta cam, Alro. Allez, fais une main courante à droite avec Grumpy. À droite, vous avez notre information à 11h, 10h. Doucement, et mets-toi sur la cape de Grumpy, Alro, fais gaffe. Parce que là, c'est dans un découvert comme ça, s'il meurt aussi, tu vois ce que je veux dire. Allez-y doucement, faites-la gueuler et commencez pas à overextend. On a plus écho là de je l'entends. Ok. Ça arrive, oui, à 1h, à 1h. Tu la vois, Alro? Non. Ok, Alro, ce que tu peux faire, c'est tu recules, poulet, tu te mets derrière moi, t'envoies une smoke par-dessus. Je crois que t'es le dernier qui reste. Enfin, l'un des derniers qui reste des smokes. Oui, il me reste 4. Doucement sur le staff. Je la balance midi la smoke, hein. Non, tu la passes. Tu vois, 11. Ça passe là, tu crois disais, on va. Bah, faut tester. Vas-y, allez. 3, 2, 1, ça part. Ça a l'air d'être passé. Je reprends le shield. Y a rien qui tousse par contre. Ouais. Ok, avancez doucement les gars et tranquille. Hein. Reste on debout maintenant Marcus, je pense. Doucement. N'hésitez pas à vous arrêter pendant 30 secondes. On s'en bat les couilles là, on a le temps. Je l'ai entendu. Pour moi, elle est derrière le sort de cabanon là. Enfin, doucement, Marcus. Hein. Oula, doucement dans ce cas-là. Alro, mets-toi ma courante à droite, poulet, s'il te plaît. Ouais. Voilà, nickel. C'est bon, je suis à fond là. Vieux Roquefort, okay. T'as un shotgun? Ouais. Ok, désengage, poulet. Laisse Marcus à la limite se coller avec Alro, s'il te plaît. Juste à côté d'Alro pour protéger Grumpy. Reviens vers. Reviens là où je suis là. Exactement, en faisant main courante à droite, du coup. En passant devant le pick-up. Voilà poulet, reste là derrière le baril, si ça sort de là, derrière, gros coup dans les... Hein excuse-moi poulet, je te, c'est pas le truc le plus sexy. Non, tranquille. T'es un monstre. Ok, je vais faire... Grumpy. Marcus, tu peux te mettre au milieu s'il te plaît de l'allée. Ouais. Merci s'il te plaît, mets-toi sur moi là, sur la caméra. Ouais, ce que je fais. Allez, je passe. Ok, c'est bon. Allez, Grumpy, tu peux contrôler, enfin tu peux commander. Ok. Alro, tu vas faire un bond, tu vas avancer tranquillement là jusqu'au rebord de la cabane. Ouais, et regarde, il passe 3 heures du coup. Voilà, c'est ça. Ok. Je vois rien. Il y a que des buissons, je vois rien du tout. Bah, tu commences à ouvrir, d'accord. Vous avancez tous les deux. Tu fais face 11 heures, Marcus. À 9 heures, je pense qu'il n'y a rien, frérot. Hein. Never, je pense qu'il n'y a rien. Donc tu fais face au tronc, vu le tronc d'arbre là, à 11h, à 1h, pardon, excuse-moi Marcus. 1h. 1h, encore. Vas-y, nickel. 1h, là c'est 2h. J'ai peut-être un trou, je peux balancer une smoke là. Non, négatif. Non il faut qu'on garde. Et tu continues d'avancer comme t'es en train de le faire, Alro, et Grumpy, tu continues d'avancer derrière lui en faisant face 3h. Face 3h, Grumpy. T'inquiète pour le face midi, c'est moi qui prends. Ok. Ok, on arrive sur un cabane. Doucement, stop. Ok, il y a une double porte fermée en face de nous. Moi aussi. Ok. Et nous, on a vraiment aucun visuel. Hein. Vraiment, ok, bah vous continuez votre main courante à droite. Allez, main courante à droite, tranquillement. Doucement, Marcus, bouge pas s'il te plaît. Ouais, bouge, ne bouge pas la Yota. Je m'adapterai par rapport à toi.
Il y a une porte. Gaffe, Alro, il y a une ouverture en hauteur. Ah, absolument. À nos 3 heures. J'ai aucun visuel si c'est. C'est ouvert ou pas? T'as visuel? Non, non, non. Je pense que c'est fermé. Non. Double porte fermée en hauteur. Je l'éclaire. Ok, bien pris. Nickel. Attendez, attendez. Faire attention au clocher aussi, hein. Il peut peut-être y avoir un pax là. C'est contact à droite, c'est contact à droite. Allez dehors. C'est contact à droite ça. Plus rire au niveau de la double porte à gauche, hein. Ouais, aussi. Ouais, fille. Hein. Ok. Celle. Du coup, Alro, ce qui va se passer, c'est que dès que tu vas commencer à ouvrir ta ligne, tu vas faire une ouverture d'angle à droite, c'est là qu'elle va commencer à canarder, ok? Ouais. Faudrait balancer une smoke. Et je suis seul à qu'il en reste, je crois, non? J'en ai 4. Ça va, tu en as 4, ok, ça va. Ok, bah vas-y, je prends la double porte face midi, vas-y, tu prépares-toi à envoyer ta smoke, Marcus. Essaie de la balancer, poulet, tranquillement, mais Ok, je commence à me décaler. Police, don't move! Alors attends, par où je peux l'enlever? Attends, Alro, bouge pas trop. Par-dessus, Alro. Ok. Ouais. Mais à droite, hein. 2 heures, là t'es trop. Ouais, t'es. Ouais, plus par là, mais fais gaffe, non, ça passera pas là-dedans. Mon frère. Là, ça passera jamais. Non. Là, ici. Essaye, rebond sur. Sur l'arbre là, peut-être? Non, rebond. Oh, c'est chaud. Ah, fake. Rebond sur la façade. Sur la baraque, essaye de la faire taper au niveau de la baraque. Ok. Ça part. C'est pas si mal au final. J'attends rien toucher. On met une un peu plus à droite. Ah, négatif, voilà. C'est à droite du coup. Est-ce que si tu te redécales là, ici, à notre droite, à l'angle du cabanon, prends ton shield, est-ce que Marcus, tu peux pas? Marcus, ouais. Please. Et Alro, commence à faire une ouverture de langue. Je prends le face midi. Commence à faire une ouverture de ligne, s'il te plaît. En hauteur, j'ai pas d'infos. Stop. Reste debout, Alro. À moins que tu sois blessé les jambes. Non, oui, je suis blessé des jambes, mais c'est pas grave. Vers la double porte en hauteur. Ok, pas sûr, hein. À droite de la double porte en hauteur. Ok. J'ai aucun visuel. Donc sûrement à l'angle droite de la cabane. Ok, bah okay. Va falloir que, là, dans la direction dans laquelle t'es, Alro, va falloir que tu fasses face midi, ok? Et Grumpy va falloir suivre derrière, d'accord? Reçu. Vas-y, Alro, quand tu veux. Allez, 3, 2, 1, j'y vais. Top. Go! Je me soigne. Marcus, va jouer la double porte en bas. Et tu peux la wedger ou pas? Je prends la porte du haut. Vas-y, quoi? Va jusqu'au double porte. Ouais. Je peux wedger en haut. Ok, tu wedges en haut, c'est bon, on la garde. Non, je peux pas wedge. Ok, pas de problème. Je garde la porte du haut, t'inquiète. Je me mets devant le shield. Non, négatif, va aider ton teammate, t'inquiète. Il faut un wedge sur ma porte. Pas de problème, garde la porte pour le moment. Un bonhomme ou un wedge, c'est la même chose. Oh. Mais non. Négatif! Quoi? C'est quoi, en fait, il a voulu s'en occuper et vu qu'il est passé devant moi, bah elle l'a cut. Ok, ça rigole à ma porte. Ok, on a un Delta Charlie Delta chez nous. T'es avec ton shield? Ok, nickel, Marcus, fais gaffe. On a un mec qui est Delta Charlie Delta du coup. Tu peux faire une main courante à droite, Grumpy, qui te reste des wedges, s'il te plaît? Oui, affi. Ok, va faire une main courante à droite, va wedger la porte du haut, s'il te plaît. C'est wedge. Ok. J'ai écoute voix à l'intérieur. Bien pris. Viens checker ce qui se passe sur les deux portes, s'il te plaît. Reçu. Camlight. C'est pour ça que je vous dis de gérer toujours une personne à deux, d'accord? Tout le temps. Et bah ouais. Je me dis de décrocher. Écoutez les gars, les collants. Ok, face à nous, il y a un pack, c'est à 5 mètres de la porte, même pas. 3 mètres de la porte. Elle peut être prélevée, gratos ou pas? Affirmatif, là elle vient de décaler au fond à droite de la pièce, j'ai pas visuel, d'où elle est partie. Y a pas de piège à la porte. Attends, tu la vois plus, t'as plus d'infos? Attends, je regarde. Non, là j'ai plus d'infos. La lumière ça t'aide ou pas? Je l'entends. Attends, je vais mettre tout à gauche. Ok, elle est toujours, en fait elle est c'est un escalier descendant face à nous. Et en fait elle est juste en bas de l'escalier. Et elle est au fond à 1 heure de face midi. 1 heure, elle combien est dans de mètres? Un renforcement 5 mètres. 5-7 mètres à peu près. 5-7 mètres, ouais, 7 mètres à peu près. Ok, et 13 des smokes, Marcus? 3.
3, ok, ça marche. Du coup, pique sur la porte de droite, je pense. Et smoke rebond, non? Affi. Ou on le fait en dry autrement, ok. Marcus, pique la porte, oui, de droite, s'il te plaît. Pique la porte de droite. Droite. Ça pique. Ça, c'est gauche. Hein. Tu peux la fermer ou pas? Non, il peut pas, il peut pas. Non. Il pourra pas la fermer. Non, ok, négatif, c'est pas très grave. Je pique la porte de droite, du coup, tu décales à droite de la porte. Les, okay, deux portes vont être piques, attention. Je sais pas ce que ça peut donner. Ça. Non, je vais piquer la porte meuf de droite. Meuf qu'elle ouvre pas la porte, hein, non, vu, ouais, qu'elle nous voit... Absolument, on n'est pas naïf, please. Allez, 3, 2, 1, top, je pique. Ok, je reste pique à droite, reste à droite de la porte, Marcus. Ok, yes. Reste à droite, laisse-moi passer, ouais, j'ouvre la porte de gauche pour toi. Ok. Laisse-moi passer. Allez, recule. J'ouvre la porte de gauche. Nom de Dieu, je suis désolé. Mais oui, il me laisse pas passer, frérot. Allez, balance une smoke. Marcus, recule de 1 mètre. Balance une smoke, rebond, please. Oh. Voilà, c'était quoi? Prends le shield, c'est pas grave. Ça touche. Ça touche. Allez, nickel. Allez, tu gueules. J'ai l'impression qu'il n'y a pas éco-son. Deux éco-sons. Hein. J'ai l'impression aussi. Hands on your head, now! Get down on your knees! Ok, je vais passer derrière toi, je vais pousser la deuxième porte. Hands up, do it now! On est bon, on est bon, on est bon, Marcus. Hands on your head! Grumpy, je te vois pas, mon frérot, si c'était bon. Je suis derrière toi. Down on the ground, now! Hands up now! Je suis sur ton épaule gauche, Six. Get down, I wanna see hands! Put your hands up! Police, hands up! Ok, va falloir que tu décales légèrement, Marcus, pour que je puisse ouvrir entièrement la porte de droite. Décale-toi, okay, à gauche, please. Gauche! 3, 2, 1, top, ouvert, remets-toi à droite. Baisse-toi. Je me suis qu'à ta carte. Baisse-toi, baisse-toi, baisse-toi. Get on the ground, ok. Now. Vu à 11h le paravent, je pense qu'il y a un mec, il y a une meuf derrière. Mais je vois rien avec mon shield. Je vois avec ta cam. Je sais pas d'où ça vient. Désengage, frérot. Allez. Hello le campus. Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas. C'est pour moi, ça venait de la droite. Ouais. Mais après, reste à la limite dans le passage de la porte quand même. Doucement, ouais, doucement, doucement. Regarde le danger, non? Non? Bah, je vois pas où je regarde. Ah, bah, regarde ma cam, frérot! Non, ouais, c'est ce que je fais, je suis en train de me guider avec ta cam. C'est galère. Ok, regarde vers la droite, vers la droite, tu regardes trop. Regarde vers la droite, allez. 30 degrés vers la droite, tu te tournes. Please, thanks. Ok, tu peux me balancer. Okay, il te reste des smokes derrière, Grumpy? Négatif, négatif. Marcus, il faut que tu remettes une autre smoke à l'intérieur. Ok. Je me recule. Tu l'as vu où? Dans le fond? Bah au fond à droite si tu peux, hein. Au fond à droite, ouais. Attention à ton ouverture, attention à ton ouverture quand même. Allez, balance-la vite, poulet. Tiens, décale là. Remets-toi, okay, mets-toi au niveau de les escaliers, s'il te plaît. Mets-toi au niveau des escaliers, accroupi. Stop. Il me reste une smoke. LSPD, don't move. LSPD, hands up. Ok, fais un bond en bas à droite des escaliers, s'il te plaît. J'ouvre sur la à 11h, Grumpy t'as ouvert de l'autre côté, j'imagine. Affi. Ok, parfait, nickel, tiens ta ligne. Reste debout, Marcus. J'ai rien, je sais pas où c'est, si c'est le paravent, si c'est au-dessus, c'est... Put your fucking hands up. Grumpy, tu veux faire une ouverture de ligne? Je pense que ça, le danger venait de là-bas. Hein. J'ouvre. Je pousse la porte parce qu'il y a un objet. Ah mais il y a un truc au bout en fait, par-dessus le paravent, frérot. Putain, j'avais pas vu ça. Il y a une ouverture directe à droite en fait de Marcus. Là Marcus, t'as une ouverture directe sur ta droite. Okay. Est-ce que tu peux juste faire une ouverture d'angle sur ta droite? Six, il a le bout. Ok, Six, je vais passer devant toi. Bien pris. Attends, je vois rien, c'est un enfer. T'inquiète, bouge pas, je vais ouvrir. Bouge surtout pas. Ok, c'est en face de... c'est à mes 9h, hein, que ça parle. Bien pris. À tes 9h? Ok, mais c'est peut-être au-dessus, hein. Ouais. Ok, Marcus, mets-toi main courante à gauche, là, derrière le paravent, face à la pièce. Attends, je prends ta cam face à la pièce. Ok, vas-y, éclaire avec ta cam. Où est-ce que en gros, tu passes en crabe à gauche. En fait, tu passes en pas croisé, enfin, pas chassé sur la gauche, voilà. Voilà, okay, avance-toi. Ah oui, je suis auparavant là, ok. Voilà, nickel. Ok, Six, il va falloir que tu ouvres ton angle, toi, et que tu viennes sur le poteau, en fait, pour avoir le bout. Marcus, ouverture, ouais, en regardant la porte à droite, poulet.
pas le paravent. Le paravent, okay. C'est Six qui s'en occupe. Ok. Ah mais je l'ai mieux en fait d'ici poulet. Hein. Je sais pas si tu vois ma cam. Okay, mais... Ouais, j'ai visuel sur ta cam. Mais je vois ce que tu veux faire. Marcus, là ce que tu fais un bond de 5 mètres jusqu'au tonneau en face de toi. Ouais, à l'ouverture, en gros, l'angle, l'arête gauche du mur. Enfin ouais, de la porte. Ok, t'es prêt ouais. Et moi je suis derrière. 1, 2, 3, go, on y va ensemble. Ok. Ouvre ton angle maintenant, poulet. Ouais. Je vois rien. Ok, bouge plus maintenant, j'ouvre moi l'angle. Ok, on a une porte ouverte là, enfin une porte sans, enfin une ouverture ouverte là. Enfin, la pièce dans laquelle putain, vous êtes, ouais. T'inquiète, la fatigue, on est bon. C'est un escalier au-dessus de vos têtes ou quoi? Négatif, enfin non, il y a pas d'ouverture. Ok, ça peut être fermé cette merde là? Négatif, en fait c'est une porte sans porte. Enfin, c'est une ouverture de porte sans porte. Ok, bien pris. Ok, On peut avancer jusqu'à l'ouverture s'il faut. Vas-y hein. Les gars, ça marche. Je ferme la porte. Ouais, vieux Roquefort, vas-y, tu nous rejoins effectivement. Et je vois que votre bac. On est bon, on a le time. Infi. Carrément. Ouais, je voulais Marcus te le dire. On bouge plus, poulet. Okay. Voilà, on bouge plus, on attend vieux. Faites contrôle PAM, les gars, là. Et là-dedans, il y a du monde, hein, c'est sûr. Commencez à gueuler là-dedans, ça peut décaler à tout moment. D'accord, on crée par où? Par à gauche, quoi? Les deux double portes en bas. En bas, pardon. En bas. Pardon. Ouais. Tu peux ouvrir la porte tranquille. Refermer derrière, du coup. Wedge. Et tu peux faire une main courante à droite. Main courante droite. Non, c'est bon, t'inquiète, là-bas, c'est bon. Allez, vous pouvez aller travailler là-bas si vous voulez. Ok, vas-y, Marcus, tu as avancé, poulet. Tiens, il te reste du stuff, vieux? Le fumier. Ouais, vas-y, balance là-dedans. Te prends pas la tête. Balance là, ta smoke là, rebond. Ah ouais, mais ça. Ok, vas-y. C'est un grand fumigène. Je laisse passer devant. Ouais, mais ne le fais pas par-dessus l'épaule des autres. Hein. Ouais. Baisse quoi? Non, pas par-dessus même la tête, rien du tout. Au cas où. Okay. À côté, quoi. Ok, nickel. Eh, ça tousse, allez, tu te mets au niveau de la porte. Ça bouge. Elle a lâché son fusil à pompe. Elle est à genoux, elle s'est rendue. Nickel, okay, impeccable ça. Le vieux passe à droite, poulet, mets-toi derrière ça. Comme ça, au shotgun, t'as un meilleur. Je la fais venir sur moi. Vas-y, dis-lui que venir. C'est ce que je fais, j'attends que. Pas besoin que le gaz il dissipe. Ouais, c'est ça, vu qu'elle tousse, elle peut pas. Elle sait pas faire les deux. À gauche, Mixi. 10 mètres. Décalez pas. Putain, elle a failli prendre un plomb la gonzesse. Ouais. Je prends le taser à quand? Pas naïf. Ça court, hein, ça marche. Ça marche. Non, c'est celle qui rampe à côté de non, moi. Non, négatif, attends, ça marche. Attends, je recule pour qu'elle passe. Hein. Non, il aurait fallu que tu la coiffes. Ok, mais attends, je peux toujours avancer. Deux personnes. Shield qui la coiffe et deux personnes qui la visent pendant qu'elle a kill machine. Je la vise. Je la fais venir sur moi. Ouais, t'es grand, c'est bon. Ah non. Ouais, j'ai la ligne, c'est pas grave. Est-ce que tu peux l'appeler pour la faire reculer? Ouais. Elle va direct en gros risque, hein. Ici. Marcus, avance-toi un peu, s'il te plaît. Avance un petit peu. C'est bon. Easy, shut the fuck up! Non. Putain, je oh, ça m'a fait peur. Ouais. Ça bouge? Mixi, 10 mètres. Tout au fond. Okay. Est-ce que tu peux renvoyer une fumée du coup? Non, négatif. Grumpy, garde la ligne encassée là où t'es. Ouais. Ok, et désengage le shield, ok? Laisse-le garder sa ligne tout seul. Ici, on avance le couloir, ça a l'air d'être un peu plus intéressant ici, là. Je veux voir ce qui se passe jusqu'au bout. Allez, vieux Roquefort, plus le shield, tu désengages. Là, vous me faites une main courante à gauche dans le couloir que j'étais en train de checker. Attends, je vois rien. Je me mets sur ta cam 6. Ok, vas-y, le couloir qui est là. Mets-toi sur ma cam, je serai derrière toi. Ok, vas-y. Et vas-y, mets-toi sur la cam de vieux. C'est good. Et on avance tranquille. Fais gaffe, vieux, c'est pas naïf, hein. Ouais. Doucement, et tu nous dis ce qui se passe. Balance du cialume là-dedans, là, quand vous avancez, là.
Moi je peux pas en balancer vieux. Le peu chier. Non, 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 c'est pour. À gauche y'a rien. Ça. À gauche y'a rien. À gauche y'a rien, c'est un couloir. Echo ? Ce qui marche ? Non, ça c'est. Arrive, je crois. Je pense que c'est Grumpy. Ok. Moi j'ai l'impression d'arriver sur un découvert. Hein. Ouais, ouais, mais tu peux commencer en face de toi normalement, je sais pas ce qu'il y a, tu vois. C'est plutôt. Le problème est plutôt à 3h, frérot. Ouais, est-ce que vous voyez ma lampe torche ? Non, oui, négatif, non, hein. Pas encore. Ok, non, aussi. Ça marche, quoi. Ouais, c'est qui ça ? Ah, là, c'était moi, là, c'était moi. Ok. Et contact au-dessus, hein. Ouais, ça fait du tout au-dessus. Ok, stop, stop, stop. Vous me laissez là, tous les deux, vieux Roquefort. C'est bon, moi je suis bien. Vieux Roquefort, plus le shield. Vous désengagez. Non, 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 autant pour moi. Vieux Roquefort, tu gardes exactement la ligne sur laquelle que t'as. Le shield, tu désengages. Tu rejoins Marcus. Tu rejoins Grumpy. Grumpy, tu vas checker la porte du haut, ok ? Reçu. C'est bon, je suis avec toi, Grumpy. Je te remplace, Grumpy. Vas-y. T'inquiète. Let's go. Désengagez, barrez-vous. Attention, Alex, t'es, please. Ouais, je reprends mon shield. Ok, je prends la femme là. Vas-y, je te laisse ouvrir la porte. Y'a un wedge. Wedge, non ? Ouais, ah, wedge, ouais. Ça, je le récupère. Mef, quand t'ouvres à midi, hein, on sait jamais, il peut peut-être y avoir un pack qui ressort, du coup, garde ton arme. Ah, mon arme, ok, ouais, ouais, ouais c'est mieux. Ouais. Je pique la porte de droite. Hein. Ah, fi. Voilà, nickel, je te laisse checker. Bon, en fait, je pense qu'il y a un couloir derrière. Personne. Je sais pas, en fait. Okay, ouais. Ça se donne toi et moi, mais il y a un étage, je pense. Je la positionne. Il y a un étage. À 10 mètres, ça allait derrière l'arbre. Du coup, je pense qu'il y a une pièce derrière ou un couloir. Vas-y, je reprends le shield. Bah, si tu veux faire des petites ouvertures de ligne, tu peux, hein, vieux. Hein. Mais genre, vraiment, on a le time, de toute façon. Ouais. La double porte, les gars, c'est wedgé, allez-y. Hein. Ouais. Eh, y a des lamelles de bois, tu peux checker à travers, vieux. C'est pas très. Ouais, je pense pas. Non, il était beaucoup plus loin que ça. Ok, écho voix. Vas-y, mets-toi au milieu, poulet. On sait qu'il y a minimum une personne. Ok, nickel, t'as un monstre. Bouge plus. Ouais, nickel. Ok, on a une civile qui s'est rendue à nos 11h. Et on a une double porte face midi à 3 mètres fermée. Attends, j'ai un contact. Ouais. Checker ma cam. Ouais, je suis sur ta cam. Je tente. Ok, on va on-hit la porte. Je te laisse un match. Attends, bouge-toi, pousse-toi un peu s'il te plaît, poulet. Parce que ouais, c'est bien ce que je disais, il y a une pièce derrière là. Je peux pas la wedge, le wedge, faut que ça soit toi qui le fasse, poulet. Mais fais gaffe à tes 3h du coup, vieux, hein. Ouais. Fais gaffe, c'est une porte en bois. Ouais, fi. Je le remets dans la porte. Tu piques. Je pique la porte de droite, hein. Ouais, affi. Parce qu'elle est à ta gauche direct quand tu rentres là. C'est piqué. Ok, est-ce que tu peux. Je vois ma lampe, toi ? Pousse la porte avec ton épaule droite. Voilà, nickel. Ouais, ok, vite fait, ouais. Toi sur la gauche, poulet. Je me mets sur ta cam. Ok, vu. Ouais, sur la gauche, ouais, c'est bon. Ouais, nickel, comme ça, je peux avoir visuel. Putain, elle s'est barrée. Non, ok, je la vois. Je la fais venir sur nous. Ok, elle arrive sur nous. Parfait, nickel. On a le time. Je la prends, on joue. On a le time, on prend le time. Ok, une fois qu'elle est passée, poulet, recule. Une fois qu'elle est passée, tu fermes la porte et tu passes sur ton arme. Vas-y, bah je passe sur mon arme maintenant pour fermer la porte tout de suite. Ok, reçu. Très bien. Elle va pas passer avec la porte, non ? Attends, j'ouvre la porte. Ah, elle recule. Doucement, doucement. Ouais, nickel ça, nickel. Je la fais venir. Doucement, deux sur le à la visée, hein. Deux pour appréhender là, bon, si ça pas, sort du couteau de cuisine là encore là. Ok, vas-y, là vu que je suis décalé. Vas-y, tu m'appuies pas, Ouais, voilà, nickel, je t'appuie. Propre. Ok. Je te laisse t'en occuper, moi je garde la porte. Je l'emmène avec cette porte à côté. Hein. Vas-y. Il y a encore de l'éco-son, hein. Et j'avais un suspect armé, hein. Armé, shotgun, en tout cas, arme longue. Merci. Reçu. Ok, on refait la même du coup, là tu peux piquer. Ok, j'ai Echo voix hein, face à nous, hein, poulet. Hein. Mais un coup merci de notre brasse pour les 35, t'as un monstre poulet. Et Vico, merci pour les 16. Ok, putain, reçu. Oublié, je suis désolé, on va avancer, mais là faut vraiment pas faire de bruit, faut pas qu'ils ouvrent la double porte en face à nous. Hein. Ouais. Okay, je peux me coller à la porte, je vais Affi. Vas-y, Affi. Vieux, tu ouvres un peu ta ligne ou quoi ?
Vas-y, mets-toi face à la porte. La porte. Avance. Ok, elle en face à moi. Voilà, bouge plus. Je suis mieux là. Vas-y, attends. C'est bon, je peux avancer. Doucement. Ok, fais gaffe aux hauteurs, vieux. Parfait. Ouais. Bah, c'est ça, c'est pour ça que j'attendais. Ouais, bah attends. Prends la distance. Ouais, fais gaffe qu'il tire pas à travers, c'est du bois. Ouais, c'est pour ça, faut que tu restes à côté de moi. Ok, face à nous, j'ai ce qui semblerait être une salle de... Oh putain, comment décrire ça? Une sorte de... Comme le début d'une église. Balek, ne décris pas, poulet, que je juste donne les informations pour Marcus et demande-lui d'avancer. Ok, il y a plein de sièges face à nous. Tu es comme dans une église, il y a plein de bancs. Une chapelle. Ouais, voilà, une chapelle, voilà, exactement, c'est le mot que je cherchais. Et à 11h, il y a une porte ouverte au fond à 10 mètres et il y a un Pax dans l'arête droite de la porte qui a son shotgun qui dépasse. Donc okay. Six, soit t'es en dessous du Pax et il y a un escalier montant qui monte sur ta gauche, au fond à ta gauche. What? Non, en face de moi là. Non, y'a pas d'escalier. Bah je sais pas hein. Enfin on sait pas s'il y en a... Parce que là en fait, tu m'as dit, toi... Ah Six, j'ai une personne qui s'est rendue ici. Ah ok. Ah bon? Ok. Ok, bah nous on garde pour l'instant. Parce qu'en fait, nous on a un Pax. Je vois un fusil à pompe qui dépasse d'une arête de porte. Donc, soit c'est le Pax que t'as vu contact à toi, Six, qui est parti au fond du couloir et qui est remonté en fait sur nous. Attends. Coup, veut... Vieux, tu peux désengager et venir la jouer avec moi. J'ai peur qu'elle sorte un couteau de cuisine. Bien, merde là. J'ai qu'au voile sur les déplacements que vous avez eu. Du coup, nous on est au-dessus de vous. Move towards me. Tu la gardes en joue? Police, don't move. Ok, j'y vais. This is necessary for the safety of everyone. Caution red. Not saving anyone. Element to talk. Ok, je prends. Good to go. Talk reporting. Je mets top SK. Copy entry team notifying trailers. Je reprends ma position et vas-y, Grumpy, excuse-moi. Du coup, je réexplique tout. Du coup, moi, face à moi, là, j'ai à 11h, à 10 mètres, un Pax dans l'arête d'une porte. Je vois juste qu'il y a un Pax, parce qu'il a le canon de son fusil à pompe qui dépasse. Ok, du coup, ça doit être à quasi escalier. J'ai une supposition par rapport à la situation qu'il y a eu avant, c'est ce que tu m'as donné. Tu m'as dit que face à toi, t'as eu un contact, t'avais un visuel d'un Pax avec un fusil à pompe. Ouais, j'ai dit ouais. Donc, il est possible que ça soit le même... qui serait en face de toi, en fait, au fond de ton couloir, et il y aurait un escalier montant vers la gauche, okay. Qui monte jusqu'au face à nous. Ok, bien mais pris. Mais c'est une supposition, je ne sais pas ce qu'il y a, donc je ne sais pas si c'est elle ou pas. Donc, Mef, est-ce que vous avez moyen d'avancer? Et en gros, nous... Non, négatif, il y a une ouverture, il y a un puits de lumière, au final, à l'intérieur de ce qui semble être la chapelle pour vous. Rafi, mais nous en fait on a votre hauteur, du coup techniquement il n'est pas possibilité le puits de lumière en fait. Mais négatif, commencez à avancer au niveau de cette chapelle, okay, à la limite, oui, et commencez à prendre la ligne. Ok, j'enlève le wedge. Vas-y, je pique à droite. Pique à gauche plutôt. Non, ça aurait été gauche. Enfin, est-ce que tu peux pique au milieu? Ouais, je peux pique au milieu. Ok, bah pique au milieu si attends. Tu peux, poulet. C'est pique. Merde. Ok. Bah attends, je t'as pique la porte. Bon. Ouais, voilà, nickel. Mets-toi au milieu. Fais gaffe, paquet 11h, ouais. Six. Je suis au milieu là? Ouais, bouge plus. Ok. Ouais, c'est bon, je vais à la porte. Est-ce que tu peux t'accroupir? Ok, nickel, bouge plus. J'ai visuel sur le Pax là. Enfin, le bout de son canon. Ok. C'est elle qu'il faut jouer. Okay. Si c'est safe, Six. Attention, à tes hauteurs, poulet. Si ça redescend bas escalier, du coup, si c'est bien ça, bah je l'intercepte. Sur ma lumière. Essaye de la jouer, toi, hein, si t'as le bout du canon. Vas-y, commence à lui balancer du spray, poulet. Hein. Ok. Bah vas-y, Marcus, t'avances accroupi, tu pousses la porte. Ok, tu peux pas, je pousse à droite. Vas-y, je passe à droite. Vas-y, vraiment doucement, on y va à tâtons. Ouais. Te ah, y'a rien d'autre pas. Dans la chapelle? Non, négatif, c'est pour ça. Il faut la prendre en sandwich, hein, techniquement. Ok, enfin, ok, bien. Vu. Il me reste une grenade. Hein. Contact à gauche, rien. Ouais, c'est bon, c'est safe, à 9h. Ok, mais moi je vois Marcus, ne bouge surtout plus. Je vous entends.
Ouais, on vous voit, on voit vos lumières, on est au-dessus de vous. Ok, là, bien c'est pris, moi qui... bien pris, bien pris. Du coup, c'est... vous allez tomber à son cul, en fait. Du coup, vas-y, tire. En fumier, non. Tire. Elle s'est retournée. Ok, non, ok, maintenant elle est toujours face à nous. Vas-y, tire, essaie de la faire arrêter. Deux, bouchez, top action. Avance, Marcus, avance. Stop, j'ai le paquet le plus en bas, vous avez tous les deux le paquet le plus en haut. Marcus, enlève ton shield, Marcus. Ok, Marcus, vous jouez celle qui est en haut. Vas-y, Marcus, tu t'en occupes. Je la... Sois prêt. Attends, c'est bon, excuse-moi. Ok, c'est géré, ça. Putain, la vache. Heureusement, parce que putain, avec deux nanas. 2 AK-47 en plus, quoi. Ouais, c'est pour ça, on pouvait pas nous avancer. Si nous décalait à deux, on était morts. Je suis derrière toi, un pigeon de paquet. Non mais c'est pas grave, mais en fait moi j'avais pas visuel du trou là en fait, vu par rapport à la porte où on est. Du coup je savais qu'on était au-dessus de vous parce que je vous entendais, mais je savais pas qu'il y avait un trou ici en fait. Du coup t'as bien fait d'attendre en fait. Enfin, j'ai le paquet, je suis derrière toi. Ah, j'ai vraiment zélé là. What the fuck, les sacrifices. Du coup c'est pour ça que j'avais du mal à décrire la pièce parce que bah comment t'expliquer, enfin voilà quoi. Parce que du coup, j'avais pas visuel, je savais pas qu'il pouvait. Enfin, il aurait pu. Ok. Vous êtes où ? Vous êtes en haut ? On est au-dessus. Du coup, neuf, on sait jamais. Ok, c'est pas terminé. On n'a pas encore toutes les personnes. On repart à l'extérieur, du coup, et l'endroit qu'on doit gérer, c'est dans l'axe du pick-up. Seul endroit qui a pas été verrouillé, du coup. La fille. Ok, let's go au shield devant. Du coup, Marcus, tu peux la dropper, hein. Ouais. Ah, ouais, carrément. Ah ouais, ça c'est... Ah oui, d'ailleurs, elle est droppée, c'est comme ça que tu... C'est pour ça que t'es célibataire, hein, je pense. Alors, du coup, allez, en avant. Vu que je suis au pompe, je te gasse en croisé. Vas-y, j'y vais. Mais contrôle pas, please. Ouais. Il me reste une grenade. Ok, j'ai 3 chargeurs, moi aussi. Il me reste 2. Je suis full chargeur. Ok, ici les... Ok. Ouais, doucement. Ok, le collègue, c'est bon. Wouah, merci le Guise, le monstre. Merci d'avoir offert la possibilité à 5-6 personnes de payer leur droit de scolarité. Merci, bon poulet. Ce qui reste du collègue, du coup. Merci T-Wood, MK pour officiel, pour Scooz, pour Warskull, pour Benikmer91 et Rico. Merci, mon poulet. Envoyez plein de GG, plein de cœur pour le Guise. J'espère que vous passez un bon moment. N'oubliez pas, ce genre de VOD, elle se retrouvera sur la chaîne secondaire de la Salty. C'est la chaîne qui est épinglée où vous pouvez taper point d'exclamation YT replay. Envoyez plein de GG, plein de cœur. Pour le Guise. Et le Guise, du coup, il est trop tard pour donner le nom de la LAN. Je te le donnerai qu'à toi, du coup, vu que c'est toi qui as déclenché le truc. Mais en vrai, ok, je vous donne un leak. Les gars, je vous donne juste un leak. Pour vous. Pour cette LAN. À l'heure actuelle, il y a quand même des emotes qui ont changé. Voilà, c'est mon seul leak. Je dis ça, je dis rien. Satri coupait ses droits au campus. Allez Marcus, let's go. Allez. Vas-y, on croise, vas-y. Merci. Attends, je pose, j'avance. Ouais, c'est mais c'est face 9h, face 9h, c'est moi derrière toi. C'est 6. Face 9h, faut que t'ailles là. Check à 9h. Voilà, nickel. Impeccable. Ok, c'est bon. Voilà. Bon, on est... Ok, on n'est pas naïf, mais la problématique, elle est face midi. Donc là, tu vas directement dans l'axe du pick-up. Ouais, sur l'arche en bois là. Absolument, là, ouais. Ok. Je fais main courante droite pour votre gauche. Allez, t'inquiète, regarde face midi toujours, toi. Ouais. Moi je regarde à droite, ça regarde à 9h. Attention aux hauteurs. Voilà, je dis ça, je dis rien. Visiblement, il y a des emotes chelous sur cette chaîne. Ok, ça ouvre à 2h. Et du coup, ouais, c'est là qu'il faut commencer à regarder. Grumpy, prends le lead. Ok. Et toi, tu vois rien derrière ton shield, là. Ouais. C'est ça le problème, c'est que... Bah, tu peux commencer... Ah, oui, okay, il commence... faudrait que tu ouvres le... Ça marche. Commence à... Exactement, bouge pas, poulet, et tu vas passer en crabe à gauche. Donc du coup, tu vas légèrement ouvrir de 30 degrés sur ta droite et tu vas passer exactement parfait et tu vas en crabe à gauche. Allez, okay, let's go, fond, tu continues rien, ton c'est move. Rien, c'est rien, absolument, c'est fermé, c'est clair. Là, faut que tu regardes à gauche maintenant, parce que fais gaffe, il y a des trous dans les... On va travailler là. Exactement. Donc tu ouvres vers l'arche et je reste derrière toi doucement.
Ok, okay, face à moi. Mets-toi dans l'arche. Une double porte. Ouais, ouais. Une double porte, ok. Fermé. Double porte de la pièce principale, ah, oui, du coup. Ok. Ouais, ok. Qui ça. Peut à la limite être joué si vous avez envie d'être, si vous avez envie de faire tout le tour et on attaque des deux côtés dans le courtyard. Ouais, ouais, on va faire le tour. Ok, let's go. Allez, vous êtes désengagé. Vraiment... Vous faites, vous êtes pas naïf. En revanche, à l'extérieur. Marcus, tu peux tranquillement travailler par rapport à ma caméra. Vas-y. Je vais et checker un peu à droite et à gauche, mais le problème est plutôt à gauche. À droite, s'il devait y avoir un problème. Non, là tu regardes à gauche. Quoi. Ah, ah merde. Ça peut pas être ouvert. Ah oui, c'est vrai. À droite, y'a rien, à mon avis, à moi. À droite, y'a rien, ouais. Non, à droite, c'est clear. À part l'étage, bon, faudra aller report l'autre. Le problème, c'est 9h ou alors face 11h derrière le. La croix de la secte. Ça va être par là-bas, là. Mais je pense que c'est face 11h le problème, là où tu regardes. Non, ici on est... Ok, on n'est pas venu ici. Ok. Attends, je vais gueuler. Attends, ici ça donne sur quoi? Excarion normalement. Ah ouais, c'est ça. Tu peux toi limite jouer ici. Tu fais mef. Et y'a quoi ça, ça donne sur... en fait là, à gauche c'est safe. Face midi, bah c'est la fenêtre que tu vois dans machin. Et à droite, ouais, ça donne sur le jardin. Ça donne sur le courtyard là. Et en gros, eux ils seront à tes 1h. Et toi en gros t'es à l'heure 2h. Ok, ça marche. 3h. Je vois pas où il est mais... Mais il y a parce qu'il n'est pas encore sorti. Ok, enfin, je vois pas où est la porte. Je suis à droite de la grande porte. Droite de la grande porte pour nous en gros, ou pour il toi il est à tes 3h, Six. Bah, je le vois pas, mes 3h, frérot. Y'a rien, mes 3h. À part là-bas. Ah, si, d'accord, ok. Ok, John Wedge, la double porte. Vas-y, on reste là, Marcus, on est pas trop mal. Ouais. À 3, je vais pique. Pareil, je il me reste une grenade. Ok, bien pris. Je pique. On prend le temps, hein. Ouais, affi. Donc techniquement, toi, t'es à ma gauche. Ça arrive bientôt, les amis, vous allez voir. Ok, du coup, ça veut dire que je peux ouvrir, là, sur cet angle. Ok. Ok, ouais, je peux... Là, c'est ras pour moi. Je vais ouvrir la porte de droite de la double porte. Okay. Bien pris. Voilà. Ok, Marcus, vu que t'es le seul shield, tu peux commencer à, du coup, checker à... Voilà, avancer là, exactement. Là, tu fais face au problème, là. Ouais, je vois. Ok, vu dans... Ouais, ok. Vu la porte à gauche, du coup, t'as une porte fermée à gauche, à 7 ouais, mètres, vu. Si tu continues à faire main courante à droite. Vous avez une porte fermée à ouais, votre vu. Droite aussi, hein. Ok, quoi? Tout à droite, enfin, vraiment, oh, dans l'angle, dans le... J'ai la porte de votre droite, du coup, à votre droite. Okay, prends la porte à droite. Marcus, tu commences à faire une avancée de main courante à gauche pour qu'on puisse aller jouer cette porte justement. Le problème viendra de 11h. Avance un peu s'il te plaît. Et attends-moi. Repasse à droite. Passe en crabe à droite. Ouais, c'est bon. Ok, let's go. Allez, reste là, bouge pas. Ouais, je t'attends ici. Ok, c'est wedgé. Let's go, tu peux faire main courante à gauche. Pendant ce temps-là, tu peux ouvrir à gauche, vieux Roquefort, t'auras une porte à tes 9h. Merci. Okay. Ok, c'est une... je sais pas comment dire, un jardin... Continue, t'arrête pas. Ah, ça, là, sur la caméra, je vois que ça donne sur... vous savez, à un moment, on était dans une salle avec des peintures. Oui, bizarre. Ah ok. Et c'était ça que je voyais depuis la porte, en fait. Du coup, face stop, à mets-toi vous, à la porte, mets-toi à la porte, mets-toi à la porte, remplace la porte, Marcus. Du coup, à vos 3h, il y a une porte fermée, elle est wedge et c'est celle où on était avec les peintures. Ok, mais le problème là, c'est... Okay. Laisse tomber, je ferme cette merde, même si c'est un grillage. Recule. J'ai wedge, j'ai la porte ici. Ok, tu la wedge. Je peux pas la wedge ici. On peut la jouer avec vous. En fait, nous, on a un grillage sur votre droite. Si tu continues, Six, à tes 3 heures, dans l'alignement, enfin, dans la continuité des trucs en bois, il y a une deuxième porte grillagée. Oui, oui, là, regarde, Six, sur ma POV. Enfin, sur ma caméra, pardon.
Ok, ouais. Ah, ok, d'accord, vas-y. Bah, je, du coup, on peut la jouer avec la vieille. Re-rentre, Grumpy, re-rentre à l'intérieur, va jouer la porte peinture. Ah, okay, ok, peinture. Ça marche. Okay. Vieux Roquefort, du coup, passe avec lui. Ou viens jouer la porte grillagée qu'il était en train de montrer vu que t'as le shotgun. D'accord ? La porte qui est à tes 1h, s'il te plaît. J'y vais. Marcus, je réouvre. Ok. Le problème, ça va. Attends. Non, mais je replace la porte. Oui, mais le problème, il est à 11h. Regarde sur ma pauvre. Là, j'ai peur de là. Parce que j'ai l'impression qu'au final, la dernière maison, la petite maison, on va l'appeler la petite maison dans la prairie, elle a une véranda. Affi. En fait, dès que vous entrez dans le truc, il y a des baies vitrées face à vous, enfin à vos 9h du coup. Et moi j'ai visuel sur ces baies vitrées, enfin j'ai le haut de ces baies vitrées parce qu'il y a des fleurs devant. Ok, Grumpy ouvre du coup, et Marcus du coup t'es pas obligé d'ouvrir à ta 9h et à tes 3h, il y a rien du tout, okay, tu vas te mettre direct. Il y a une grande porte à vos 9h. À vos quoi? À vos 9h, il y a un garage. Ouais, c'est ce qu'on est en train de dire, Poulet. Ouais. Bah, tu vas t'y mettre. Okay. Mets-toi là, Marcus, exactement au bout du. Dans le prolongement de la deuxième palissade à gauche, face 11h. Ouais. Attention, ça peut tirer. Ouais. Okay. C'est une double porte ouverte. J'ai ouvert ma porte, moi. Ok, mais essaie d'aller remplacer la porte. Et si tu reviens, si tu dois descendre. À droite, t'as rien. Okay. Regarde, essaie de remplacer cette porte. Si ça engage, tu recules derrière. Tu reviens. Ok, c'est bon. Ça engage pas. Faut que t'ailles la remplacer, la porte. Ah, la double porte, ok. Ouais, celle de gauche. Attention à l'ouverture de ligne. Elle est dedans. Elle s'est rendue, j'ai l'impression. Ok. Ouais, elle s'est rendue. Sûr. Bien vu. LSPD, don't move. Il y en a une autre. Hein. Ouais, il y en a deux. Dragon Swing Fumi. Non, négatif. Okay. Dès qu'elle elle vient, tu pars en crabe à droite, Marcus, et je ferme la porte. Ouais. Ok. Bouge pas. Sur ton top. 3, 2, 1, top. Zaktien en joue. Oh la pute. Oh merde. Ok, balance une smoke derrière la porte, s'il te plaît, Poulet. Derrière la porte à gauche. Par-dessus la porte à gauche. Ok. Elle arrive. Ok, préviens. Hands on your head, do it now. J'ai pas de wedge. Je me mets au milieu. Vas-y, nique sa race. C'est bon, je fais wedge. T'as mon super. Je la prends. Je l'emmène. Grumpy, tu peux checker la porte en dessous. Roger, entry team. Aussi, j'arrive. Great work. Keep going. Ok. Ok, elle est contact à la porte, à 2 mètres de la porte à gauche. Ok. Vraiment, gauche. On peut pas la taper, parce qu'en fait, elle est vraiment dans le coin, l'arête du mur, en fait. Ok, bien pris. Stop, Grumpy, désengage. Barre-toi. Ouais. Viens là. Ma courante à droite, là, il y a une porte que j'ai wedgée. Est-ce qu'elle est plus simple? Est-ce que ça donne au même endroit? Ouais, ça là on peut la taper. Là si tu pousses, tu donnes un kick dans la porte, tu la tapes instant. Ok, let's go, enfin, on vient tous là. Elle est de dos en plus. On vient tous là du coup. Limite, faudrait que ça Marcus, soit tu se mets, mieux tu, soit Marcus, soit tu te mets à droite de la porte. Marcus, tu te mets à droite de la porte. Ok, vieux, tu te mets à droite de la vieux, il te reste une smoke. Ouais. Ok, tu te mets derrière le baril, derrière Grumpy s'il te plaît. Grumpy t'étais bien où t'étais, mon frérot. Okay, ouais. Ou alors mets-toi face midi, t'as raison, mets-toi face midi, derrière le baril. Ok. Ah, attends, c'est ça ta smoke? Ouais. Moi j'ai une smoke, j'ai une grenade à main encore. T'as une grenade à main? Ouais. Ok, bon bah alors on se prend pas la tête, je pique, j'ouvre la porte, je pique. Tu balances une smoke à la limite, même si elle est ratée contact porte, au final dès qu'on va la pusher ça va lui taper dans la tronche, d'accord? Fais gaffe hein, parce que tu vas vraiment être en danger. Je hein. sais. Enfin... Je sais. Garde ta smoke Marcus. Je suis prêt. Je pique. Tu peux la balancer dès que j'ouvre, si elle est ratée c'est pas grave, et derrière tu repars sur ton shield, je tape avec le yep et tu remplaces la porte en étant accroupi pour Grumpy, ok? Ok. Allez, 3, 2, 1, pique. Ça part? Putain, bon, c'est pas grave. Elle est ratée, c'est pas grave. Je vais taper, recule. Je tape. Elle est derrière.
Stop, remplace la porte. Stop, on bouge pas. J'ai à une heure. Je peux la menotter. Nickel. Non, non, c'est bon. Bouge non, pas. Non, non, non. Je touche rien. Je la tiens en joue. Je la tiens en joue. On est parfait. Je la tiens en joue. Parfait, nickel. Tu l'as fait venir quand tu peux, vieux. Ouais. Je me décale sur la droite. T'es bien, t'es bien. Arrière. Ah oui, elle a plus mis, ouais. Ok. Ah, les 3 heures, je pense qu'il y a rien du tout. 2 heures, il y a rien. S'il y a un problème, c'est 9 heures. Ça ouvre derrière. Il y a encore du monde. Fais gaffe. Il y a encore du monde. Désengage, désengage, désengage. Il est Delta, Charlie Delta. Ça ouvre la porte, ça ouvre. Tirez-lui pas. Tous dessus. Top, 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 top. J'ai wedgé la porte. Tiens, en joue, tiens, en joue. Bien, bien pris. Vas-y, joue là. Turn around slowly. Do not move. J'ai peur qu'elle tire. Négatif, négatif, négatif. Ah, je pense pas. Ok, tu peux. On reporte tout ça. Tu peux prendre le paquet, tu peux l'emmener dans la salle portrait. Contrôle PAM, tout le monde. Ok. C'est où le portrait? Ouais, vous dégage là ou. Ouais, quand je gagne. Il a été report le collègue? Oui, absolument. Ouais. Le report. Ok, heureusement. Ok. C'est bon. Bon. Du coup, il te reste un M320 là? Ouais. Pour moi, elle est partie, elle est ici. Bah, hein. On a le time, on a le time. Vas-y, vas-y, check, check, check. Check. Attends, y'a pas une porte par si, ici? Si, 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 on peut la jouer par l'extérieur, mais Grumpy là tu peux checker. Et tu peux checker sur toutes les portes. Moi aussi. Celle-là, la double porte à gauche. Ok, là j'ai aucun visuel. Ok, sur, vas-y, vas-y, on se barre. Regarde si elle est pas à l'extérieur, du coup dans le jardin, main courante à droite. Parce que moi j'ai entendu un écho. Ah ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? J'ai un apport quand même. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. J'ai vu un pack au fond, j'ai eu peur. Non, mais vraiment ou? Non, non, mais c'est celle qui s'est qui est menottée là-bas. Ah oui, d'accord. Mais sur le moment, ça m'a fait peur. Le jardin, si tu veux voir par-dessus, peut-être. Ok. Limite. Ah, attends, je vais m'écarter le plus possible. Si on peut prendre le jardin gratos, on prend le jardin gratos. Oui, c'est ce que je suis en train de me dire. Mais du coup, il y a une porte, mais j'arrive pas à voir si elle... Ok, elle est ouverte la porte. Ok, d'ici, c'est que tu peux avoir un visuel. Bien pris. Il faut que tu te mettes... Bien, ok, je vois. Bah, il y a une arme. Jeune wedge. Attends. Ah oui. Ah oui, d'accord. Mais y'a rien d'autre que ça? Là le jardin, moi je vois rien. Non, c'est bon, c'est race après le jardin. Bah du coup elle est à l'intérieur, elle est rentrée. Ouais, et là du coup en fait on pourrait, par exemple là, pick open, et là on voyait la grenade à partir de la pièce, enfin la porte là. Bah vas-y viens vieux, et on essaye ici, ok? On pick, on open. Je wedge ici. Ah c'est bon, c'est wedge. Okay. Non c'est wedge, depuis tout à l'heure, ouais. Y'a pas de piège hein, je push. Non, négatif. Attention. C'est toi qui... Oui c'est lui qui arrive, il est derrière, mets-toi sur son T. Ok, pas naïf. J'ouvre ma ligne, je vais me mettre derrière la porte à droite. Je vais refermer derrière. Reçu. Ok, reçu, nickel. Ok, je le fais. Balance ta smoke hein, quand tu peux hein, sur une ouverture de ligne. Slowly get down on the ground. Ça go la porte hein. Dans la porte là. Ouais ouais. Moi j'ai pris la ligne que je t'ai dit, c'est que ça. Ouais, viens sur mon épaule gauche, viens sur mon épaule gauche. Balance la rebond. Si ça tousse, on y va. Elle est ratée. Ah, ça tousse pas, quoi. Non. Elle a pas rebondi, je pense. Elle a pas rebondi l'excité. Ouais, ça part bizarrement, mon scrumac. Ok. On en fait abstraction. Grumpy, va checker tout seul l'autre porte. Ouais, laisse-nous tous les deux. La porte solo, ou voire même la porte double. T'es sur mon épaule, prends la même ligne que moi, frérot. Mais en fait, limite, faudrait faire un étau. Hein. Il y a 3 ouvertures, 3 mecs. Si tu veux, hein. Si tu veux. Hein. Après, ça fera un tir croisé. Hein. Mais après, ouais, non, ouais. Mais bon, on est en non létal.
Et puis on attend juste. Putain, elle était juste, pas juste essaye d'avoir l'info sur la grande porte. Ok, elle est face à moi. Ok. Ok, là ce qui est jouable c'est. Elle te regarde, elle nous regarde ou pas? Tu peux nous dire? Négatif. Vous pouvez essayer et moi je vous guide en fait avec le. Justement, le miroir. Là, elle est plutôt à vous. Hein. Ok. Négatif, il a pas de flash. Il a plus de. Non, j'ai plus rien. Taser et quelques munes. C'est, un wedge de ton côté, si c'est la merde que tu qu'on meurt pas. J'ai un paravent, tu le vois le paravent? Bleu. Affirmatif. Ah, bleu non, négatif. Bleu plus bois. Je vois pas vos lampes torches pour l'instant. Hein. Vous, ça se trouve, vous êtes dans une salle encore après. Hein. Elle est toujours, elle a toujours son arme pointée sur moi. Ok, tu l'as touché. Je l'ai touché. Elle court. Elle, vas-y, non, essaie non, de. Négatif. Elle est en train de tousser là. Elle a pas son arme pointée. Je suis rentré. Let's go. Ok. J'attends en joue. C'est moi. Vas-y. Je profitais qu'elle tousse hein. J'ai l'anime. Je la joue. On comprend pas comment elle tousse. Ah, elle a toussé, mais elle avait encore son arme, quoi. Voilà. Ok. Bon, mes amis. Attends, c'est la fumée qui tousse, là. Non, en fait, c'est vu que c'est des billes à poivre, bah, okay, c'est ça, ouais. Ouais, ça l'a fait tousser. Ok, j'ai une arme là. On est bon, les gars, sur le nombre de suspects arrêtés. Félicitations, il n'y a plus qu'à récupérer les armes, les indices, et on embarque. Et, okay, et on rentre à la maison. C'est reçu. Allez, let's go. Félicitations. Là, c'est le boulot le plus chiant. Faites gaffe aux pièges, les portes, sur les portes qui n'ont pas été ouvertes. Toute porte qui a été visitée, on l'a. Il y a des preuves à récupérer ou pas? Ouais, il doit y avoir des trucs. Quoi. Ouais, fin. Ouais, on avait des civils. Ouf. Merci infiniment, le Guy, c'était un monstre. Ok, ici c'est Ras. Il y avait beaucoup de d'armes à l'extérieur, on l'avait dit. Oui. N'oubliez pas, à la limite, mettez les armes en surbrillance. Ça, c'est quoi? C'est un bûcher du coup? Ça, c'est une chambre qu'on a même pas vérifiée. Ah, ouais, du coup, ouais, il y a des pièces. Ah ok, et du coup ça donne sur le couloir du coup qu'on avait où on... Ah ouais, la pièce elle est bien... Il y a une arme là. Les gars, n'oubliez pas de mettre les armes en surbrillance, hein, même si ça pète un peu le RP, mais là autrement on va avoir... C'est fait. On va y passer 3 heures. Bah, surtout en extérieur vu que ça peut être dans l'herbe. Ouais. Oh là là. On est tout en non létal pour essayer de récupérer le S, mais bon, le S après il est un peu flingué, on va pas se mentir. Il a des... Moi j'ai peur que le fait d'avoir jeté le Pax, la civile. Tu penses? Ça fait des. Bah. Je sais pas du tout. Non, je crois pas. Enfin, j'espère pas, mais il y a des trucs un peu cons parfois. Pas, oui. Mais là, clairement, c'est une mission S selon les nouveaux standards du S. Avant, un S, quand on le faisait, c'était. Personne n'était touché. Personne n'a un seul dégât. Alors que là, il y a deux Delta Charlie Delta. J'ai une arme dehors. Et j'avais dit au niveau des serres tout à l'heure, il y avait des armes, on avait dit. Ouais, j'ai vu aussi. Là, j'en ai pris une tout à l'heure, là. À l'instant. Merde, ça donne ici. On m'a vu ça avec le sous-sol. Au sous-sol, je crois qu'on a croisé personne. Hein. Y'a un wedge là-bas. Hein. Non? Hein? Moi j'ai pas de wedge là. Non, t'en as pas? Ok. Ah non, elle est juste pique et c'est une putain de d'or. Vas-y.
Ah, tiens. Non. Ouais, je vais allumer sa cargaison. Ouais, c'est un magnétophone, non. Oh là là, mais cette ambiance est incroyable. Et dans la sorte d'église, là. Oh, il devait y avoir des trucs, ah, là, hein, c'est sûr. J'y suis. Ah, j'ai une arme, là. Celle du haut aussi, faut aller la report. Ouais. Celle qu'on n'est pas allé report, là. Donc faut passer par... Je cherche au sous-sol. Enlevez tous les wedges, toutes les portes, vous les ouvrez. Hein. Seul, on a croisé personne ici. Ah oui, c'est là. Bah, je vais aller la voir, la meuf du balcon. Hein. Dans l'escalier, j'ai une arme. Je suis en haut du balcon. Ok. Ah ouais, ok. Ouais, elle était pas reportée, elle. Ah, mais elle était même pas... Elle, du coup, elle était pas zip. Okay. Oh, mais elle, putain, la vache. Incroyable. Donc ouais, balcon... Vérifiez bien tout. Balcon, c'est sûr, c'est clair. Hein. J'ai vérifié la chapelle, y'a rien. Ouais, j'ai regardé si ça peut pas tomber non plus. Ah, c'est là le puits de lumière. Putain, la vache. Il s'est fait descendre sur le toit par son pote dans le S. C'est mort, je pense. Ouais, y'a ça aussi, c'est un peu débile. Ah oui, j'ai une arme. Ok, nickel. Ouais, toujours à voir ça, non. Même en surbrillance. Ah, c'est bon. Nice. Ils vont mettre encore le A+, alors que normalement ça devrait être l'S pour le coup. En tout cas, la mission était incroyable. Ouais. Incroyable. C'est celle où on aura A+, galéré. Comme la dernière fois. Parce qu'au lieu d'avoir 15 sur 15, enfin en gros... Hey YouTube, je coupe la vidéo. N'oubliez pas, likez, commentez et surtout abonnez-vous parce qu'on est presque 10 000 sur cette petite chaîne. Allez tous.